Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Apparemment donner des subs et avoir des subs ça donne des points de chaîne. C'est fou ça, la news du jour. Attendez, je mets de la musique. Elle va pas péter les oreilles cette fois. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui challenge qui va être très amusant effectivement. Est-ce que j'ai fait le zoom au moins? Putain, j'ai l'impression d'avoir une coupe de cheveux différente chaque jour, c'est une dinguerie. Je suis en compagnie de Maya qui est là comme d'habitude. C'est énormissime. Aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, challenge de fou. On va faire un challenge avec la lessive. Voilà, j'ai peur que ce soit un peu répétitif, mais on va essayer de créer une petite histoire sympa quoi. Ouais, une petite histoire cool. Merci beaucoup pour tous les subs. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vois beaucoup de premiers messages aussi, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très bien, je vais remercier juste les subs parce que sinon je suis pas gentil, parce qu'il y a très de hype et tout. Donc merci beaucoup. Merci Yunomi Fleur. Mais non, merci beaucoup Yunomi Fleur pour le 8ème mois d'abonnement. Seralina, 9ème mois. La Luge, 5ème mois. May Sims, merci beaucoup. 11ème mois. Vanessa, 8ème mois. Merci Ophélie, la bite. Okan, 5 subs. Merci Meld, merci beaucoup pour les statistiques sont 15 bits. Aberis, bienvenue, merci pour le Prime. Manu, 100 bits. Caroli Sims, 1 an, merci beaucoup. Capriska, merci beaucoup pour le 7ème mois. Merci Coco pour le follow. Emilio pour le 5ème mois. Petit Touba pour le 9ème mois. Mamoun, 27ème mois d'abonnement. Sub tier 3. C'est dingue. Et ça rubrique les choses, ça fait n'importe quoi. Impression d'être un méchant dans un film. Merci Galiz, 4ème mois. Et Malfoyus, 6ème mois. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Moi oui, voilà, on va passer un super bon moment, je le sais. J'ai créé un personnage, je l'ai pas créé, je l'ai pris dans la galerie. Vous savez, en ce moment pour le dimanche challenge, j'aime bien prendre des personnages qu'on connaît dans la vraie vie pour les faire jouer, ça va être sympa. J'espère ton sim va s'appeler Ariel. Non, Lyon, merci beaucoup pour le 27ème mois d'abonnement. Merci beaucoup, non mais c'est une dinguerie, qu'est-ce qu'ils ont mes cheveux derrière là? Non mais c'est fou quoi. C'est quoi ce challenge, tu vas en chier? Écoutez, il va falloir lancer la prédiction. C'est énorme. J'espère que tu vas bien, c'était justement sur une redite du live horreur et je me posais la question, pourquoi tu prends plein de captures d'écran de personnages terrifiants? Je prends plein de captures d'écran pour la miniature. En fait, j'ai trop subi le fait de faire un live et de devoir faire une miniature avec du coup les images du jeu, mais je ne les ai pas. Donc je dois prendre une rediffusion, prendre une capture d'écran dégueulasse, c'est moche. Donc maintenant je prends en gros plan les méchants. Comme ça au moins je peux les détourer et faire une miniature stylée avec eux. Et parce qu'ils me font pas peur parce que c'est un vrai mal alpha. Stouffy, 8ème mois pardon. Merci beaucoup Okan, merci beaucoup pour l'abonnement niveau 2 à Mode. Merci beaucoup, merci Lilou, merci Seven pour les 3 mois d'avance, premier abonnement. Bienvenue, merci beaucoup, merci infiniment de votre soutien. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Dans mon cas, vraiment oui. Hein. Gift un sub ne m'a rien donné. Bah peut-être que c'était Al. Peut-être parce que je sais pas. Je vais peut-être les premiers subs du mois, j'en sais rien. Il y a peut-être un truc comme ça, tu vois. Je sais pas du tout. Est-ce que ceux qui donnent des subs, vous gagnez des points de chaîne? Je sais pas. Pour le point d'exclamation challenge, j'ai pas mis à jour, mais c'est ça. Le principe du challenge est très simple. Je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Alors, il faut savoir que la lessive, c'est toujours quelque chose que j'ai toujours jarté dans les Sims. À chaque fois que j'ai eu de la lessive, j'ai tout jarté parce que mon Sims, il se change. Il y a un tas de merde par terre. Ça me casse les couilles. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Eh ben, en fait, le dimanche challenge, je le dis à chaque fois, c'est pour découvrir des mécaniques qu'on laisse ou on délaisse. Moi, dans mon cas, la lessive, le linge, c'est quelque chose que j'ai toujours délaissé dans ma vie. C'est de l'occasion de découvrir qu'est-ce que ça a vraiment dans le bide. J'aime penser si t'as un bon moment et que t'actives les couches lavables, ça te fait du linge. Putain, ça c'est bien. Okan, merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup, mais putain, mais sub tier 2 en plus. 5 sub tier 2. Merci beaucoup pour Neuf, pour Mew, pour Blondie, pour Hello, pour Fionille, qui ont la chance d'avoir un sub tier 2. C'est énorme. Ça ferait RP le linge en sol en tout cas, ouais, mais... Il peut mettre 14 tas de linge alors que le mec il a qu'un t-shirt. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que je suis la seule qui adore rajouter la lessive dans mes gameplays. Bah je sais pas. Il était un, donne visiblement 100 points de chaîne, mais il était deux, m'ont rien donné. Ou alors c'est bugué. Ou alors c'était les premiers subs de la journée. Il y a un truc, je sais pas. Peut-être que c'est pas. Là je pense même si tu donnes 5 subs normal, je pense pas que tu gagnes 500. Je pense pas. Est-ce qu'il y a des gens qui donnent des subs, vous gagnez des points de chaîne ou pas? Starfire, merci beaucoup pour le 10 mois. Merci Okan pour les 100 bits. Merci beaucoup. À devant le challenge du jour. Je vais vous montrer évidemment le personnage hein, qui va jouer, comment ça s'appelle? C'est pas le mot, qui va intégrer le challenge, c'est pas le mot, qui va représenter le challenge. Bon, j'ai un mot qui veut pas passer. En plus, dans mes Sims, ça bug. Des fois, il n'y a pas de machine alors qu'il y en a. Moi, en fait, j'adore les meubles, les objets, genre les paniers de lessive, les paniers à linge, pardon, les trucs, les machines à laver, j'adore. Mais en fait, dès que je vois que ça rajoute du gameplay, je... Ouais, incarné, c'est ça. Je pète un câble, ça me fait péter un câble.
Katias, comment tu as Bing? Moi je comprends pas comment on a des points de chaîne. Il faut que tu restes sur la chaîne. Et plus tu restes. Imagine là, tu viens par exemple de demain, après-demain, après-demain. Bah t'as genre des accumulations en mode 2 lives consécutifs, des points de chaîne. 3 lives consécutifs, des points de chaîne. 4e live consécutif, des points de chaîne. Et plus tu restes, plus t'as des petits paniers qui peuvent te rapporter des points de chaîne. Chaque heure t'en gagnes genre 50, 100, 200. Voilà, c'est un peu aléatoire. Première tier du mois à gagner. Ah, c'est ça. Premier abonnement offert du mois 500. Voilà, bah Kaedin, du coup t'as la réponse. C'est ça, c'est ça. Merci pour la réponse, Kaedin. Merci, merci. Tu imagines, quelqu'un il donne 1 million de subs. Oh, j'ai 1 milliard de points de chaîne. Et là, tu pourrais m'aider et me dire d'où sort mon abonnement, que je n'ai pas utilisé mon Prime ce moment-là. Je pouvais pas. Bah, t'as dû recevoir un abonnement gratuit à Stia. Pour avoir la réponse, tu vas dans le petit engrenage. Pas engrenage, t'as les notifications tout en haut de Twitch. En tout cas, sur PC, peut-être sur téléphone, c'est différent. Et tu peux voir telle personne vous a offert un abonnement sur la chaîne de Lucas. Et voilà. Et t'auras la réponse. En tout cas, si t'es sub et que t'as jamais payé, c'est qu'on t'a offert un sub. Pour info, c'est ce que le premier mois. C'est que sur le premier mois que tu en gagnes. Oui, c'est ça, c'est le premier. Ah! Le premier, oui, du moins, oui, c'est ça, c'est pas un boucle. Du coup, c'était un hasard le fait que Khan t'a donné 5 subs. Ça, c'est la petite boîte. Merci Merigoul pour les 2 ans. Mais ça commence à dater. Pff, 2 ans, te rends compte, j'étais comme ça, genre. Attendez, hier, j'ai créé une scène exprès pour les subs. Il faut vraiment que je la mette dans le Just Chatting, attendez. Parce que je sais que c'est relativement beau. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui ont raté ça. Ça, c'est pour remercier les subs. Merci beaucoup pour les subs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On a essayé avec tout le chat de créer quelque chose de plutôt sympa. Et donc voilà, comme ça au moins c'est pas mal. On arrive, les gens ils sont contents. Merci. Faudrait mettre même une petite musique de love, tu vois. Je vais chercher ça, tu vois, love. Ou alors un peu musique style, ah, je sais pas, love. Voyons voir. Merci. C'est trop gentil. On disait quoi les gars? On disait oh, un nouveau sub. Ouais, c'est pas mal en vrai, non? C'est pas mal. Faut voir, attends, une autre musique de love. C'est la même, sauf qu'il y a une voix cette fois. Merci. Waouh. Et regardez, je suis partout. Je suis là. Aïe aïe aïe. T'as plus l'audio qui allait. J'adore les gars, c'est un mood hein. La musique qui allait, il y avait une musique un peu romantique que je mettais, mais vous savez, il faut changer un peu. Faut changer. Perso, j'adore sans mentir. Ah, c'est en vrai, c'est un style hein. Retour dans les années 2000. Ah, j'ai essayé pourtant d'être original. Mais non, Penjam ! Penjam ! Merci ! Là. Oh là là, c'est énorme. Merci Penjam pour les 4 subs offerts. Merci beaucoup. Merci pour les follow aussi. Merci beaucoup pour le train de live. Et niveau 6, c'est quand même fou en vrai. C'est quand même fou. Donc voilà, je vous remercie énormément. Merci Penjam pour Lana, Coralie, Dadan, Juju Cool. Merci pour le train de la hype. On va pouvoir potentiellement dire bonjour à YouTube. Attends, d'ailleurs, il faut que je coupe ça, que je mette ça et que je mette une musique. On va mettre du rock. Voilà, du rock. Voilà, on est dans du rock américain, très clairement. Là, on va au lycée avec notre petit cartable, on se fait bousculer. Oh non, il y a le footballeur du lycée qui m'a bousculé. Voilà, c'est sympa, quoi. Ma 13ème raison, la nouvelle scène. En vrai, elle est pas mal, hein. C'est vrai qu'elle est pas mal. Elle est pas mal. Avec le skateboard, c'est ça. Vraiment le vieux cliché. Oh non, mon casier, il a été tagué. Il y a marqué nulos. Oh, fais chier. En vrai, c'est sympa, cette musique. Ça fait un peu Sum 41 et un peu les années 2000 aussi. Mes cheveux me stressent, donc je vais essayer. Attends. Je me dis peut-être que... Bon, vous savez quoi, ils vont se plaquer tout seuls, c'est bon, il y en a marre. Tout plaqué finalement. Il y a marqué loser, c'est ça, loser. Écoutez, on va aller lancer le potentiel challenge. Il faut que je vous montre un petit peu qui va l'incarner, mais vous allez le voir très très rapidement. Je vais en profiter pour lancer le live TikTok, clac-clic, clou-clouc. Voilà, comme ça on va dire bonjour et on va expliquer le principe du challenge. Et on va aller directement en jeu afin de souffrir, je sais pas du tout. Bonjour point, waouh, Letty, comment ça se fait? Comment ça se fait que t'es sèche comme ça là? J'étais censé dessiner, j'ai vu ton live. Bah dessine devant le live, non? Peggy sur Twitch, comment tu as Bing? Kiki Sissims, comment tu as Bing? Comment ça, ce qui vient d'arriver? Écoutez, on va dire bonjour. Après peut-être, ouais effectivement, quand t'as la chasse c'est compliqué. Je suis énervé Lucas, waouh.
C'est... Et pourtant, je comprends pas pourquoi t'es énervé alors que regarde. Regarde. Ici, c'est beaucoup d'amour ici. Tu vois, donc voilà, on peut pas être dans de mauvaises humeurs quand tu vois ça. Normalement, ça te change de vidéo. Aïe, aïe, c'est horrible. Écoutez, on va dire bonjour à YouTube, est-ce que ça vous dit ou pas? Bien, on fait la même, je suis actuellement en train de dessiner pendant la... Et oui, et ce que vous allez faire, c'est qu'à la fin de votre dessin, vous allez sur le Discord et vous mettez dans le channel art. Comme ça, on peut regarder un peu ce que vous faites. Et si vous jugez que vous êtes pas bon, bien, bien, on s'en bat les couilles. Vous avez fait un dessin, vous y avez mis du temps, de l'amour, vous avez mis de la concentration. Il y a une ambulance qui casse mon speech. Et bah vous le mettez et nous on aime bien voir. Voilà, peu importe. Même si c'est un bâton, c'est fait à la main et ça c'est beau. Perso je fais mon commentaire de philo. Vas-y, donne-moi le sujet, je vais te faire une folie. J'ai déjà mis il y a longtemps des tableaux dessus, les gens sont trop gentils. Mais oui, allez-y les gars, allez-y. Ma juge intérieure refuse que je publie mes dessins DSL. Ta juge intérieure, c'est vraiment dommage, c'est du gâchis. Gâchelo, comment tu vas Bing? Najik, comment tu vas Bing? Et vous mettez pas votre art pour vous faire rincer, vous le mettez pour partager. C'est beau le partage, non? Allez, Tige, j'ai l'habitude, je suis dégoûté. Bon, on va dire bonjour à YouTube. Attendez, faut que je mette une musique un peu... j'ai cherché du funk, comme ça au moins, parce que moi le funk c'est quelque chose qui m'anime. Casino funk. Oh, ça sonne bien. En fait, j'aime bien, mais... Ouais, y'a Alain pour Discord, ouais, il est là. Eva, comment tu vas Bing? Neko, comment tu vas Bing? Lolo, Lucie. Et tu es moi qui révise mon dernier partiel devant la live. C'est bientôt fini les gars, c'est bientôt fini. Après c'est le soleil, c'est la plage. Et c'est tout ce que vous aimez dans l'été. Ah ça, il fait chaud en peg, j'aime pas l'été. Bon, on s'en fout. Bon, vas-y, on dit bonjour à YouTube. Allez, c'est parti. Attends, il faut que la musique elle parte. Moi je dis bonjour dès que la musique elle part. Je l'avance parce que là elle est lente à partir. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau challenge. Le principe du challenge est très simple. Je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Effectivement, la lessive, c'est quelque chose que je rejette à chacune de mes parties. Oh, un panier à linge, il est trop beau. Je le mets, mon Sims il va au lit. C'est quoi cette merde partie? Partout, partie. Ah, c'est quoi cette merde de partie? Il va à la douche, il y a un tas de linge. Il y a mon gosse, il va au lit, il y a un tas de linge. Eh ben moi, j'en ai un tas de bazar de merde. Voilà, je suis un peu québécois dans les bars. J'en ai mort en fait, vraiment. Donc à chaque fois je jette ces putains de lessives, ces machines à laver que j'adore, une buanderie je pourrais en faire. Eh ben non, je ne les ferai pas. Eh ben aujourd'hui je vais les assumer à 100%, car c'est exactement ça qui va m'apporter de l'argent. Voilà, c'est pas québécois. Merde, y a un québécois qui me dit que c'est pas québécois. J'en ai tabarnak de plein de cul, qu'un print. C'est bon là ou pas? Esti de mort, c'est linge de mort. Enfin, je sais pas. Bloquons Lucas. Cool l'ambiance. Donc aujourd'hui voilà, il va y avoir du linge partout et c'est exactement ce que je veux, car je vais essayer de gagner de l'argent avec le linge. Quand il y a du linge par terre, que je le mets en vente, ça me rapporte un peu de simflouze. Je peux aussi fouiller le linge pour essayer de fouiller les poches du linge. Fouiller les poches pour essayer de trouver de l'argent dedans. Je sais pas combien ça me rapporter. Je n'ai aucune idée de combien ça peut me rapporter. Et c'est exactement le principe de ces challenges là. C'est que je découvre. Et qu'on découvre pour ceux qui connaissent pas. Alors ce que je vais faire, l'action est sur du 2 sur 10, non mais c'est vraiment un scandale. Je vais parler en québécois juste pour vous prouver que c'est pas un 2 sur 10 mon accent. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une prédiction. Donc est-ce que je vais avoir un terrain d'une valeur de 20 000 simflouz avec du linge? Donc je sais pas du tout, donc vous allez voter. La prédiction va durer 30 minutes, donc va falloir y aller. Valeur de 20 000 simflouz, oui ou non? Oui. J'y arrive. 20 000 simflouz en partant du principe que le terrain de base coûte de l'argent. Je vais vous dire combien coûte le terrain de base. Il coûte 630. Donc va falloir que j'ai 19 370. Est-ce que le calcul est un banger ou pas? 40. 70. Non, c'était bon. Vas-y les gars, 30 minutes. Hop, 30 minutes, on est parti. Je m'excuse sincèrement, mais j'ai oublié d'écouter. Ah! Le principe du challenge est très simple, je dois construire une maison en 3 heures, voilà, qu'avec la lessive et le linge. Tu peux faire un job simulator, c'est quoi ça? C'est quoi le challenge? Putain, c'est une bonne question ça. Attendez, j'en profite pour faire ça. Voilà. Merci Okan pour les 100 bits. Et du coup, voilà, pour YouTube,
Mon objectif aussi principal va être d'avoir la plus belle maison en 3 heures en partant évidemment de rien. Et surtout d'avoir un terrain d'une valeur de 20 000 simflouz. Actuellement mon terrain est vide et vaut 630 simflouz. Mais qui incarne le challenge? On va le voir dès maintenant. C'est parti. Ok c'est parti les gars. Je vous montrer les gars le qui incarne le challenge. Vous allez voir, j'espère que vous allez le kiffer. J'espère que vous allez le kiffer, j'ai bossé, j'ai marqué le nom dans la galerie, je l'ai téléchargé, j'ai bossé dur, c'était pas facile. Attendez, faut que je mette en pause la musique. Hop, 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 hop. Voilà, attendez, le son du jeu peut-être. Bam, bam, j'espère que vous allez le reconnaître, normalement on est bon. Et voici Monsieur Propre qui incarne effectivement ce challenge. Monsieur Propre, normalement c'est plus voilà tout ce qui est lavé, etc. Mais là, voilà, on parle de linge. Le linge, pour moi, c'est la propreté. La propreté, c'est quoi? C'est Monsieur Propre. Donc, évidemment, voilà, Monsieur Propre qui va devoir réussir ce challenge. On est sur une ville que je déteste. À chaque fois, je l'adore. Première fois, un peu de contradiction, je vous l'accorde. En fait, de base... Tartosa, voilà, Tartosa, du magnifique pack mariage qui est un banger absolu à tout niveau, vraiment, il nous le faut absolument ce pack. Tartosa que je reproche généralement d'être une ville un peu morte, j'adore à quel point c'est beau, ça fait penser au sud et tout, c'est magnifique. Mais à chaque fois que j'ai joué sur cette map, je me suis fait chier à mourir parce qu'il n'y a aucune vie et que les plages sont vides, il n'y a personne qui se balade dans les rues, t'as l'impression d'être dans une ville touristique que l'été et que là t'es en hiver. C'est assez, c'est horrible. Voilà, genre t'es là, c'est plus le vide en fait. Et franchement s'il y avait de la vie, un peu de bruit et tout, ça serait nickel. Mais là c'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas. Donc on va espérer un petit peu qu'aujourd'hui je vais... Parce que c'est vrai qu'elle est belle la map quoi, regardez ça, franchement, t'es là, c'est magnifique. Avec les couleurs, moi j'adore en plus les différentes couleurs, un peu vers Nice il y a ça, en Italie il y a ça, ça fait ce côté très provençal hein. Et j'adore, mais sur les Sims j'ai toujours pété un câble parce que je me suis fait chier quoi. Merci pour les follow. Attendez, je désactive juste ça. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer sur cette map-là. Et du coup, voilà, j'habite ici. Je commence avec 0 simflouz et avec un panier à linge. Sinon, je peux pas avoir de linge. Donc voilà. Lucas, tu... Letty, je suis trop d'accord avec toi pour le coup. Merci Marie pour les follow. Merci Emma pour le follow. Merci Okan pour les 100 bits. Merci Mimion pour le 15e mois. Merci beaucoup. Lucas, tu super. Bon ben, voilà, ça fait plaisir en tout cas d'avoir des messages cohérents dans le chat, ça fait plaisir. Écoutez, n'hésitez pas à voter, il y a la prédiction qui est actuellement là, je vais en profiter pour faire ceci. Je vais en profiter pour faire ceci, pour vous le rappeler bien sûr et qu'on l'ait tous dans la tête. La prédiction mes amis. La prédiction, il faut voter la prédiction. Alors qu'attendez-vous pour voter, car la prédiction, il faut voter. On vote les gars, on vote. Angela, parce qu'on va bientôt y aller, on aura 3 heures. J'ai à peine de commencer Jeanne. J'ai à peine de commencer. Il faut voter la prédiction. Écoutez. On va y aller tranquillement. Monsieur Propre va incarner le challenge. Je vais mettre le timer et on va être parti. Je sais pas du tout combien d'argent je vais gagner. Pour l'instant, vous êtes 60% à croire que oui, je vais réussir à avoir 20 000. C'est pas un panier. Normalement, c'est pas un panier, mais ça va me donner du linge. Voilà, en gros, le principe, c'est que quand je vais me déshabiller, il y aura du linge par terre et je vais pouvoir en gagner. Normalement, c'est comme ça. Je vais mettre le timer et on va être parti. 3 heures pour essayer de se faire la plus belle maison possible en 3 heures. Pour se faire la plus belle maison possible en 2 heures. Alors, attends, le timer, j'ai du mal à le trouver là. Est-ce que c'est ça? Ouais de ouf, est-ce que c'est ça? Ouais c'est bon, et pourquoi ça le voit pas? Ok, là c'est bon. Écoutez, on est parti, c'est bon. On est parti, merci Sadi. Attends, je vais recommencer juste après. Merci Sadi pour le 10e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, attendez juste, je remets le timer à zéro parce que là vraiment... Et on est vraiment parti cette fois. On est parti. Oh, on est parti. Écoutez, en vrai déjà, est-ce qu'il y a du bruit? J'ai l'impression qu'il y a zéro bruit, ça me stresse un peu, non? Ok, déjà je crois que pour essayer d'avoir de l'argent, ce que je peux faire c'est changer de tenue. Ça marche de ouf. C'est pas le bon panier, c'est ça? Pourquoi? Normalement quand je change de tenue les gars, c'est censé vraiment... Ah voilà, c'est bon, si. Non, et là je peux fouiller les poches et avoir mes premiers simflouz comme ça. Ok, donc là il gratte littéralement comme un chien qui cherche son os et 8 simflouz. Ah mais attends, ça commence bien déjà en vrai. Et attendez, c'est-à-dire que là,
Je peux. En vrai, je connais pas. Le seul truc que j'ai fait, c'est sur ma vidéo TikTok de présentation, j'ai juste changé de tenue et j'ai vu que ça faisait ça. C'est le seul truc que je connais. Donc, faites voir. Là, on a combien? Attends, est-ce que si je fais ça. Voilà, comme ça, les gens sur TikTok, ils voient aussi mes simflouzes. Bah là, j'ai rien trouvé par exemple. Ah ouais, non, mais les gars, ça va être un enfer, hein. Oh non, mais putain, mais ça va être un véritable enfer quoi. C'est le début de la richesse. Franchement, c'est là que la prédiction. Il faut voter la prédiction. Hein, c'est un conseil. Pamela, merci beaucoup pour le 17e mois d'abonnement. Merci, merci. Alors, attendez, mais est-ce que si je change, si je remets la même tenue, c'est bon? Non, mais les gars. Écoutez, moi je pense que je vais avoir une stratégie. Ça va être potentiellement d'être plusieurs. Comme ça, au moins, le challenge, ça va pas être. Les gars, pendant 3 heures, on va cliquer sur le linge et on va faire fouiller. Oh là là, j'ai des siflous. Sinon, on va vraiment s'emmerder. Je pense vraiment que l'objectif, ça va être de. Oh putain, pourquoi j'ai rien là? Pourquoi j'ai rien? L'objectif, ça va être d'être plusieurs, je pense. Et de fouiller. Fais voir. Pourquoi là, j'ai pu? Il faut vraiment que je fasse la lessive. Oh là là, les gars. Ça va être l'enfer sur Terre. Papuche, 21e mois. Manon, 10e mois. Merci beaucoup pour le soutien. Faut faire max de gosses et plusieurs femmes. Ah les gars, je pense que là, oh putain, monsieur propre qui met ses lunettes. Comité d'accueil, c'est important pour la nourriture en vrai, parce que là, c'est pas avec mon linge que je vais y arriver. Est-ce que je peux le jeter, ce linge de merde? Vider la lessive. Poser le linge, je peux pas. Voilà, mets-le par terre, nickel. Je peux fouiller ou pas? Oh, je peux fouiller les poches. Ajouter un additif, non mais super, on va rajouter quoi comme additif? Quelque chose qui va nous empoisonner, c'est ça? Ah bah génial, génial, ah, vite à rentrer. Mère. A chaque fois que je lis Letty, elle dit n'importe quoi, c'est normal ou pas? C'est un AVC ce qu'elle a comme maladie? Attendez, voyons voir. Qu'est-ce qu'il a? Bras douloureux, continue à frotter malgré la douleur. Oh là. Il est BG, monsieur prof. Franchement, il se met sur 131. Bon, nickel. Ah, attendez, il faut que je fasse des rencontres en vrai. Harnais ça. Envoyez balader. Parlez de la température fraîche. Eh madame, vous êtes pas une température? Parce que vous êtes fraîche. Et madame, vous êtes en été ou quoi? Parce que vous êtes chaude. Bon, remerciez d'être là. Allez, nickel. Hop là, oui, c'est super. Elle est tendue, elle aime pas trop ce que je lui dis, j'ai l'impression. Présentation amusante. Voilà, bon, au revoir. Voilà, voilà. Pas très réceptif, visiblement. Ah, elle reste quand même. Elle m'insulte avant de partir, peut-être. Rago. Ah oui, mais elle me déteste, en fait. Elle me déteste. J'espère que tu as passé une journée agréable et peut-être même une journée un peu romantique. C'est l'endroit idéal pour trouver l'amour ou le voir s'épanouir. Bien sûr, si tu veux garder des belles relations, il faut en prendre soin. Elle est en train de me dire ça, c'est normal ou pas? C'est-à-dire, je peux lui raconter des ragots, elle me raconte des choses. Voilà. Si tu es ici pour découvrir où est enterré l'or du pirate, je vais te dire ce que je dis à tout le monde, j'en sais rien. Alors arrête de me le demander s'il te plaît. Mais c'est quoi cette merde? Ça vient d'où les ragots? Je sais plus, Letty, je sais plus. Melbert, merci beaucoup pour le 9e mois. Merci Mélu, Miam pour les follow, merci beaucoup. Tu peux pas vendre les piles de linge? Je crois que je peux les vendre, mais ça coûte vraiment que dalle. Déjà, ce que je vais faire... Attends, genre ça coûte combien? Si je jette. Un simflouze. Ah franchement, je pense que c'est vraiment le début de la richesse et tout. Les gars, en vrai, on a 31 simflouze déjà. Changez l'eau. Attends, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui. D'accord, donc là, c'est-à-dire, on est d'accord, je peux changer de tenue, boum. Et ça met pas de linge par terre. En vrai, je suis dans la merde. Comment je fais pour avoir du nouveau linge? Tenue. Oh les gars, ça va être vraiment la merde ce challenge. J'avais un je sais pas, une petite espérance dans un coin qui me disait vas-y peut-être... Ah là, il y a du linge. Ok, c'est parce qu'il faut que ce soit des nouvelles tenues que j'ai jamais sorties. 12 simflouzes. Oh là là, mais on est trop bien, non? Achète-toi un panier, pourquoi faire? Pourquoi faire le panier? Merci Bamba pour le 2e mois, merci beaucoup. Le principe du challenge, c'est ça. Le principe du challenge est très simple. Je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Voilà. Clique la zone, voilà. Marie, Emma, comment tu as Bing? Phoenix, Amandine, NASA, Idish, BDR, Princesse fait l'analyse pour l'avoir plus que 31. Quelle manip? C'est quoi? Tu aurais dû mettre un panier à linge. Ça change quoi les paniers à linge? En fait, je vais vous dire ce que je pense et ce que je pense être vrai. Un panier à linge, c'est quand tu te changes, ça va direct dans le panier à linge. Du coup, il n'y a pas plusieurs tas de vêtements. Là, mon objectif, c'est d'avoir plusieurs tas de vêtements pour tous les fouiller et trouver de l'argent individuellement. Par exemple, dans le tas 1, je trouve 10, dans le tas 2, je trouve 20. Si ça met tout dans le panier, ça va tout regrouper en un seul tas de vêtements où je vais trouver même pas 10 simflouzes dedans. Donc, c'est pas une bonne idée d'avoir un panier, on est d'accord? Peut-être que si. Mais là je vois pas. Là juste ce qu'il me faut c'est tenue, changer de tenue. Il faut qu'il change de tenue et que je trouve une tenue que j'ai jamais changée. Parce que visiblement... Attends, là ça je l'ai fait. Ah voilà, celui-là je l'avais jamais fait, d'accord. Celui-là. Ah, ou alors ça s'est peut-être initialisé là parce que...
Ok, je crois que ça s'est réinitialisé. Par contre, elle, les gars, on est d'accord, c'est ma future femme, c'est bon, elle me kiffe à un moment. Genre, y'a pas besoin d'être inspecteur pour voir qu'elle me kiffe, elle me lâche pas. Bah, vraiment, elle est vieille. Ah, la vieille, elle peut pas avoir d'enfant, donc au revoir. Au revoir, madame. Ouais, il est fouillé les poches. Voilà, c'est peut-être un petit peu abusé pour elle, mais bon, moi, c'est abusé pour moi, j'ai besoin d'enfants. Apparemment, les couches, les gars, on va pouvoir. Les bambins, ils vont pouvoir me donner des couches et que je vais pouvoir laver et récupérer. Plus tu as de sims dans ton foyer, plus le gain quand tu fouilles les poches dans ton panier est élevé, comme les poubelles qui donnent de l'argent. Mais non. Ça fallait pas me le dire. Hein. Ça fallait pas me le dire. Bah, vous savez quoi? On va se fouiller les poches suffisamment pour s'acheter un lit et de quoi manger. Et ensuite, on trouve l'amour. Non, vous savez ce qu'on va faire? On va s'acheter un buisson. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il me faut trop de choses. Voilà, j'ai un buisson. C'est énorme, non? Et là, du coup, tout ça, je peux plus fouiller, on est d'accord. Faire la lessive, faire la lessive, faire la lessive. Ok. Non, mais là, les gars, va falloir partir. Bah, non. Il le fait exprès. De quoi je le fais exprès? Le panier à linge, ça remplit le panier, mais tu veux sortir le linge et fouiller le linge dedans. Ah! Et plein de linge va par terre. Tu pourras aussi spam plus tard les douches car ça considère que c'est un changement de tenue pour le linge. Ok, ok. Ok, ok. La dernière, elle est là, mon chat vient de me griffer à la lèvre. Du coup, maintenant, je rigole le live avec une compresse sur la bouche. Aïe! J'espère que c'est pas trop chiant et que ça va vite passer quand même. Marina, comment tu vas, Bing? C'est quoi, je fais exprès, j'ai 50 messages partout, je suis perdu et en plus j'essaye de gagner de l'argent avec mes lessives. Vous mettez à ma place un peu, genre? Vous voyez? Et vendre la lessive sur la table de vente. Alors, bah c'est possible, mais est-ce que ça va être rentable? Est-ce que c'est possible? Non, en vrai, je pense que... Bah, attends, on va ranger ça là. Déjà, ce qu'il me faut, c'est un lit, au moins un petit lit. Voilà, un petit sac de merde. Donc, vas-y, je vais changer de tenue. Hop là. Voilà, tenue, on change. 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 Voilà. Les lessives, c'est mon cauchemar. Ah ben, les gars, je vous avoue que ça a toujours été mon cauchemar aussi. Et je me suis dit, ce challenge, ça va me changer l'état d'esprit que j'ai sur la lessive. En fait, je pense pas. Je pense pas. Je pense que cette nuit, je vais juste rêver de lessive. Et ça va me faire péter un câble. Voilà. Merci Mélissa pour le 16e mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Écoutez, 72 simflouz. Il me faut un lit. Il a déjà bientôt envie de pisser et tout. J'espère que ça va pas l'empêcher de faire la lessive. Je pense, j'espère. Merci pour les follow. Merci beaucoup. Hop là. Je sais pas pourquoi des fois ça donne un tas de linge, des fois non. Putain, l'enfer les gars de ce challenge. Ça va être un enfer. Heureusement qu'on va essayer d'aller pécho et qu'on va avoir une vie un peu. Hein? Une vie, vous voyez? Un truc où on va pouvoir avoir une vie de famille. Une vie de famille dans une maison. Ça va être un enfer. Fouiller les poches. Vas-y les gars, je fais ça, ensuite je trouve la femme de ma vie. Oh les gars, pourquoi je gagne tant d'argent? Pourquoi je gagne tant d'argent? J'ai gagné 24 et 30. Forest, comment tu vas, Bing? Y'a pas un truc à fouiller là? Non, par contre il fait déjà nuit. Petite Brune, merci beaucoup pour le 16e mois. Merci, merci, merci pour les follow, que ce soit sur TikTok ou pas. T'es courageux quand même, c'est chaud en 3 heures. En vrai, vous inquiétez pas, je pense qu'on va trouver une solution qui va être vraiment pas mal. On va avoir une vie de famille, on va pas faire ça que pendant 3 heures. On va avoir une vie de famille, on va construire une maison, on va s'adapter. Et pff, c'est une évidence. C'est une évidence qu'on va réussir quoi. En vrai, de vrai, je suis sérieux là. Vous pensez que je vais réussir ou pas? Genre, est-ce que vous pensez que je vais réussir à avoir un terrain d'une valeur de 20 000 simflouz ou pas? Là, pour l'instant, ça fait 10 minutes, j'ai 140 simflouz. Voilà, parce que là, votre réponse peut être différente que la prédiction. Forcément, la prédiction, vous pouvez vous dire, bon, je mets... oui, je pense. Je finis le live à quelle heure? Bah, dans 2h50, là, le challenge est terminé et ça terminera vers là, quoi. Fais voir. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un max. Je pourrais acheter un panier aussi, vous me dites. Écoutez, je vais essayer le panier. Je pense que je ne sais pas. Putain, ça, c'est une bonne réponse, hein. Salut, tu vas y arriver comme d'habitude. Ça, c'est emoji biceps contracté, hein. Merci, Red Fire Fox, pour le 6e mois. Merci beaucoup. Voilà. Putain, les gars. Non mais regardez, j'ai 220 simflouz, bien sûr je vais réussir. Bon, j'achète un lit. Hop là. Sac de couchage. Voilà, à la belle étoile, nickel. Et est-ce que je peux acheter un panier? Est-ce que c'est vraiment rentable les paniers? On va voir. Déjà j'ai pas l'argent, ça coûte 100 simflouz cette merde. Hop là, on va dodo. Et là du coup, dès que je vais dormir, ça va mettre mon linge par terre. Ah non, non c'est les douches. Ouais c'est ça. Ah, il a envie de pisser. Bah, ça va, on peut aller pisser. Mais j'ai le cake aux fruits aussi pour manger. Non, mais les gars, je suis autonome à 100%, ça fait plaisir. Nana, merci beaucoup. Deuxième mois. Merci, merci, lit de luxe. Franchement, on est trop bien là. Notre petit terrain, on va pouvoir se faire la classique porte, hein, évidemment, bien sûr. Chez moi, il est 16h43.
Tu fais pas de prédiction? Si, il y a une prédiction en course, tu la vois actualiser ta page. Je pense que ça sera bon. Écoutez, on va attendre que le soleil se lève. En vrai, les gars, on n'est pas trop bien sur notre île là. En vrai, je kiffe le fait d'être sur une île vraiment paumée. Mec, il est en train de faire ses. En vrai, la map est belle. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait rien quoi sur cette map. Vas-y, je vais me mettre ensoleillé. On va manger le caca aux fruits. S'il te plaît, si je suis chanceux, il aime le caca aux fruits. Eh ben non, il déteste. Moi j'ai envie de canner. Super. Super, super. Ah ouais, en vrai, ça doit bien sentir le linge. Après, il le lave pas, donc finalement, ça sent juste le linge sale quoi. Ok, nickel. Hop, changer la tenue. Nickel. Voilà, et on va se trouver la femme de notre vie. Il va falloir malheureusement qu'elle soit jeune, pas vieille. Hein. C'est dommage, l'autre tout à l'heure, elle était mimi, mais malheureusement, voilà, elle était passée d'âge, elle était périmée. Putain, mais les gars, je gagne trop d'argent là. Ah, mais pourquoi j'ai de la chance comme ça? Pourquoi c'est Tartosa la map? Pourquoi j'ai autant de chance? La map, c'est Tartosa, c'est donc le pack au mariage. A chaque fois, je rajoute O, genre alloué, assis. Non, c'est juste mariage. En vrai, c'est une dinguerie. On passe d'âge quand? Comment ça passe d'âge quand? Hop là, est-ce que ça remarche? Ouais. Non, mais les gars, en vrai, là, je suis bien. Déjà, je vais essayer de me faire une petite base de maison. Que, en fait, si demain j'ai une vie de famille, je puisse l'assumer, quoi. Tu vois? Donc, pour l'instant, on va faire ça. Fouiller les poches. 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 Mais là, j'ai de la chance. Je gagne que plus de 30 simplouses. Ok les gars, j'ai 264. Je vais essayer le panier à linge, mais j'ai un peu une intime conviction que ça va être de la merde. Mais peut-être que je vais être très mauvaise langue. Donc je vais voir. Linge. Attendez. Panier à linge, je vais prendre ça. Est-ce que ça va être de la merde ou pas? On va voir ça. Tenue. Cette tenue, elle me donne jamais parce que c'est la tenue de base. Ok, vous avez vu, ça a mis le linge direct dedans. Hop là. Fais voir. Ok. Ça met le linge direct dedans. Putain, mais par contre, ça remplit de fou. Hein. Oh. Ouah, c'est finalement peut-être pas de la merde. Peut-être que ça stocke vraiment, vraiment, vraiment. Mais là, tu vois, j'ai mis plus de 10 tenues dedans. Est-ce que ça déborde jamais, par contre, ou quoi? C'est quoi le total que ça peut recevoir, là? Mais les gars, c'est une dégrille, par contre. Il y en a combien? Fouiller les poches. Genre là, je peux fouiller en boucle, du coup? C'est plus long, 56. Je comprends pas, là. Je comprends pas. C'est-à-dire que là, si je fouille, je peux pas fouiller. Je capte pas. Genre là, j'ai mis 3 dedans. Et pourquoi je peux pas fouiller? Tu vois, finalement, je crois que mon intime conviction, c'était véridique. Hein. C'est bien de la merde. Genre là, vraiment, j'ai mis 5 vêtements dedans, je peux pas en fouiller un seul. Mais c'est quoi cette merde? Bon, je le vends. C'est bon, ça dégage. Voilà, c'est bon, le panier à linge, c'est bien confirmé, c'est de la merde. Hop là, ça m'a donné 54, donc ça m'a donné plus que d'habitude, mais tout à l'heure j'ai gagné 34, 34, 34 avec plein de trucs. Ok, faire la lessive, non. Oui les gars, là franchement, visuellement, ouais 12, 11, ouais là tu vois ça va être mieux sur le panier à linge. 47, oh c'était du hasard en fait, c'était du hasard de fou. Merci beaucoup Okan pour l'abonnement offert à Amalia, merci beaucoup. Merci, merci. A offert 3 abonnés. Attends, quoi? A offert 3 mois. Oh, merci beaucoup pour les 3 mois. Merci, merci Okan qui a offert 3 mois d'abonnement à Amalia. Ah, merci, merci. Ouais, c'est beaucoup plus rentable sans le bac, visiblement. Tu peux refouiller le tas? Non, je peux pas le refouiller. Ok, bon, déjà, j'ai 300 simflouzes. Qui dit 300 simflouzes veut dire un jeu qui lag, c'est grand mort. Ça, déjà, ça veut dire ça, ça fait trop plaisir. Après, je comprends, il y a beaucoup d'informations à charger pour le jeu. Je comprends de ouf que ça puisse laguer. Il y a un lit quand même, il y a un buisson et il y a un panier. Il y a Monsieur Propre aussi, donc c'est vrai que ça fait peut-être un peu d'infos pour le jeu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude une petite fondation, histoire d'avoir une impression d'avoir une maison. Voilà, on va mettre notre lit au niveau de la fondation. Je vais activer les codes de triche parce que j'en ai rien à foutre, je suis littéralement un tricheur. Hop là, je vais mettre 5000 simflouz. Je veux pas être chiante, mais si je viens d'arriver, c'est quoi le challenge? Le principe du challenge est très simple, je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Voilà! C'est du luxe. Franchement, pour l'instant, on est pas mal du tout. Le panier, on s'en bat les couilles, il est juste là pour décorer. On m'a dit que c'était bien d'avoir une douche. D'accord. Hop. Donc, je vais prendre une douche. Et je crois qu'à chaque douche, c'est considéré comme... Putain, mais j'ai plus d'argent déjà. Chaque douche, c'est considéré comme... Ah putain, il me fallait un truc pour la bouffe. Voilà, du linge. Et genre là, je peux faire ça en boucle. Oh putain. Bah, en vrai, c'est pas mal, sauf que j'arrive pas à cliquer sur la douche. Ok. Lâche ta douche par contre.
L'enfer sur terre les gars. Mais par contre je crois que c'est 5 maximum le... Ah non, j'ai rien dit. Oh les gars, c'est une folie. C'est une folie. Jing, ferme ta gueule. Hop là. Là y'a une limite, y'a une limite, y'a une limite. Là je... ça en rajoute plus. Alors à moins qu'il y en ait plusieurs. Mais je crois pas que ça en rajoute. Ou alors on peut les éloigner comme ça. Et on peut se prendre une douche et ça marche. Ouais c'est ça. Ok en fait c'est le... Ok d'accord. C'est le linge. Oh, le bordel de fou les gars. Ça me termine. Ok vas-y prends. Oh là 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 monsieur très propre. Ah putain. Ok vas-y on peut changer. Comme ça on fait un énorme coup de fouillage. Et on va se faire des thunas. Et apparemment plus il y a de membres dans mon foyer, et plus je vais gagner d'argent dans les poches. Faire... Ouais. Putain. Bordel. C'est dégris. Fouille les poches. Vas-y, vas-y, stop. Fouille, fouille, fouille. Voilà. 2 simflouzes. C'est bien en vrai. Hein. 36, nickel. J'ai trouvé un poisson combattant. Genre dans sa poche, il a trouvé un poisson, le connard. Comment c'est possible? J'ai trouvé un putain de poisson. Non, c'est une dégris. On va trouver des choses de fou. Genre le mec il a trouvé un poisson dans une rivière et il fait hop dans la poche c'est bon hein. On va pas non plus le mettre dans la glacière hein, on va pas abuser. Dans la poche c'est beaucoup mieux. C'est dégris. Vas-y bah écoutez nickel. Pour l'instant on a 138 simflouzes, on est vraiment pas mal. 12 simflouzes, non mais cette session là va nous rendre riches hein. C'est évident. Vas-y j'aimerais trop trouver d'autres objets là. Un poisson combattant franchement c'est énorme. Non j'ai marqué monsieur propre sur, dans la galerie et je suis tombé sur monsieur propre. Écoutez, 180 simflous cette session. Bon, je vous propose d'acheter un petit sac pour manger. Comme ça, notre maison est officiellement autonome. Voilà. Hop là, let's go. Je vous propose aussi que le jeu, il arrête de laguer ses grands morts parce que ça devient insupportable. Voilà, on va prendre un repas. On va manger et on va pisser aussi. Et on va trouver la femme de notre vie avec qui on va faire des enfants. Pour avoir plein de monde dans notre foyer, pour que nos enfants ils fassent des couches, qu'on va pouvoir fouiller et trouver de l'argent dans les couches. Enfin je crois que c'est ça que Noémie m'a dit, ou alors j'ai pas compris. Ça me paraît bizarre trouver de l'argent dans les couches, c'est-à-dire que le gosse il bouffe de la thune. Et donc pas bien éduqué. Voilà. Noémie, Potato, comment tu vas bien? De Téméros, comment tu vas bien? Écoutez, niveau divertissement, c'est la régalade à pur. Écoutez, on va laisser notre chance à ce monde qui est magnifique. On va aller dans un bar ou quelque part afin de rencontrer des gens. Et on va espérer que ce soit mouvementé. Voilà, on va aller dans un bar à cocktail. Et on va espérer que ce soit mouvementé. Merci Alexandra, Milou, Moon, Emma pour les follow. Merci beaucoup. Ça veut dire que le jeu, des fois, il lagouille un peu. Et merci pour les likes et follow TikTok. Merci Bing. J'ai dit non à la prédiction, je regrette déjà. En vrai, les gens les plus smart, c'est ceux qui vont prédire dans 10 minutes. Ils auront un petit peu... Ils vont savoir à peu près combien... Enfin, si je vais réussir ou pas, quoi. Il y a des gens, ils ont misé au tout début. Et on sait pas trop. Mais à la fois, tu vois, les challenges, il y a des retournements de situation. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je reproche au pack. Tu vas dans un bar à cocktail. La seule personne qu'il y a dans cet immense bar à cocktail, c'est la barman. Voilà. C'est cool, en vrai, non? Non, en vrai, il y a un vrai problème, je trouve, de monde dans ce monde. Voilà. Il y a personne, en fait. C'est désert. T'as l'impression d'être vraiment dans un endroit hors saison. Voilà. Alors pourtant c'est la saison, c'est ça qui est étonnant. Bon c'est en train de se remplir, je deviens de plus en plus mauvaise langue mais quand même pas de fou. Ok, on va pas sortir avec elle, faut pas abuser. Avec Nancy Plenosas, on va pas sortir avec elle. Voilà, il faut trouver quelqu'un... Ah y'a carrément un spectacle et tout, c'est fou. Ah, y'a du monde qui arrive. Bon la musique elle veut pas fermer sa gueule là. Hop là. Fermez-la. Je me suis trompé de touche, je voulais voter oui, c'était non. Aïe, bah là effectivement c'est finito. Est-ce qu'il y aurait de la femme pas loin là, ici? Bon bah écoutez, on va aller voir Nancy, hein. Voilà. Hein. Présentation amusante, Nancy et Monsieur Propre qui vont aller se dragouiller. On va voir ce qu'il en est. Ah, Nancy elle vient d'annuler l'interaction. Ah, Nancy elle vient de revenir. Nancy est triste les gars, pourquoi? Pourquoi t'es triste bébou? Présentation amicale. Femme! Ah, j'ai du mal à en trouver. Du mal à en trouver, je sais pas pourquoi. T'as un peu du mal là. Ça mord pas l'hameçon. Ici, y'a qui? Ah, y'a Clara Bjarsen. Voilà. Ah, c'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on dragouille. Tu vois, j'ai l'impression. Tu vois, là, j'ai envie d'aller dans un autre endroit. Même une salle de sport, y'a plus de monde. C'est dinguerie. Actualisez si jamais vous arrivez pas à prédire. Bon, Nancy, est-ce que t'es réceptive un petit peu à mon énorme beauté finalement? Ouais. Wanaphobe.
Qu'est-ce qu'il y a? Je suis quoi au phobe encore? Hein? Toi t'es chauvophobe ou quoi? Ça y est, je suis chauve, t'es en train de crier à la phobie. Lisou, merci beaucoup, 15ème mois. Merci, merci. Ouais, c'est ça, c'est... Là on est à fond la caricature, on a besoin d'une femme pour la lessive quoi. Non mais c'est ça, c'est... Moi je vais pas le faire tout seul, hein. Bon, c'est pas hors de question. Non mais on lui demande effectivement pour des enfants, on va devoir fouiller dans les couches de nos enfants, c'est plutôt pour ça. Voilà, et je pense pas que ce soit la couche de mes enfants, c'est qu'à chaque fois mes enfants vont faire un tas de linge de merde, il y aura plus de monde, ça va me faire de l'argent. Toi, ici, présentation amicale, tu vas être plus réceptif je pense. Toi, présentation respectueuse, allez on y va. Bonjour madame, vous allez bien? Ah déjà, il y a quelque chose, évacuez le stress. Je suis stressé. Le mec il pète un câble. Je suis chauvophobe. Se plaindre des problèmes, demander comment s'est passée la journée. Ça va, c'était une bonne journée. Moi je me suis douché, j'ai mis du linge par terre. Je me suis douché, j'ai mis du linge par terre. Je me suis douché, j'ai mis du linge par terre. Je me suis linge par terre, je me suis douché. Je suis du linge. Je me suis mis de la douche par terre. Vas-y, let's go. Toujours faim. Ça part ou quoi les people? Toujours faim, merci beaucoup pour le 3ème mois. Merci, merci. J'ai mis tous mes points de chaîne, ne le sois pas, t'inquiète. Aucune raison. Après, c'est combien tous mes points de chaîne? C'est genre 100? Je pense que c'est pas beaucoup. Écoutez, en vrai, je galère. Genre là, ah, peut-être parce que je suis pas diverti. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais danser en dance floor. Parce que moi, quand j'arrive sur le dance floor, tout le monde se met à l'aise. S'entraîner, vas-y, je vais jouer de la guitare, ça va casser les couilles à tout le monde, mais par contre, moi, je vais me divertir, j'espère. Elle est vieille, je crois pas qu'elle soit vieille. Vas-y, je vais essayer de me détendre un peu. Oh, on me donne de l'argent. Non, mais c'est triché, ça! Oh! Est-ce que j'aime pas la guitare? Eh, c'est bon, j'aime pas la guitare, c'est de la merde. Vas-y, y'a pas un truc pour m'amuser, là? Je peux pas danser? Là, danser. Voilà, je pense qu'il va s'amuser. Putain, mais il est tendu de fou! Merci Harley Quinn, sub tier 2, 21ème mois. Comment ça va bien ici? Mais quoi, déjà 21ème mois de sub? Non mais c'est fou, merci beaucoup pour le soutien. Merci, merci. Ah les gars, j'ai envie de m'acheter un vélo, je te jure. J'y arrive pas là. J'y arrive pas. Il y a rien qui me divertit, ça me divertit mais à une vitesse. Je pense que les gars, on va devoir rentrer chez nous acheter un vélo. Un vélo, ça coûte cher ou pas? Non, vas-y, le vélo, je vous rappelle, c'est pour augmenter le divertissement, mais genre une vitesse de fou. Genre, tu fais une heure de vélo, même pas, ton perso, il kiffe de fou, quoi. Je vais acheter un vélo. Je me casse. Bon, en tout cas, tout à l'heure, je disais que l'endroit était mort. Franchement, ça va, là, non? Il y a combien? Il y a 3 personnes ici, une personne là qui danse, toute seule. Il y a... Voilà, il y a du monde là. Non, non, ça arrive, ça arrive. Voilà, j'ai été mauvaise langue de fou. Je veux m'en excuser. Voilà. Il y a un jacuzzi en haut. Jacuzzi, jacuzzi! C'est vrai? Attends, fais voir. Ah ouais, putain. Ah bah de ouf, là, je pense que ça va me faire kiffer. En tout cas, c'est bien, on n'a pas du tout toute la carte à... En vrai, c'est beau, de nuit même et tout, c'est quand même assez BG. Faites voir, un peu vomitif, hein, ce point de vue, mais pas de soucis, quoi. Seika, comment tu vas, Bing? Le mieux en divertissement, c'est les jeux vidéo. Ouais, mais là, il n'y en a pas, et sur son téléphone, c'est horrible. Maël, j'adore ce que t'as dit, c'est super pertinent. Maël-babaydi, tube maek filtre. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai eu cette pensée-là ce matin quand je me suis réveillé, et ça me fait du bien de savoir que j'étais pas seul. Écoutez, nickel, divertissement. Ah, ça reste de la merde, hein. Ça reste de la merde, regardez ça. On est dans un jacuzzi, c'est censé être le summum du divertissement. Se baigner sans aucun vêtement, mais c'est ça, monsieur propre, que tu veux. C'est te baigner à poil, voilà. C'est ça qui te régale. Se déplacer ici. Non mais les gars, c'est nul à chier. On va rentrer, voilà, on va y aller tranquillement. Bien sûr, vas-y, je vais m'hydrater. Bon, heureusement, on va rentrer chez nous. En vrai, les gars, il y a un truc qui me fait peur, c'est que ça fait déjà 25 minutes que je fais ce challenge et que je vais vous montrer ma maison. Tu peux mettre la scène de sub, elle me manque. Oui, pas de soucis. À tous les subs, bien sûr. Merci pour le sub. Merci beaucoup. Voilà, comme ça au moins elle est pas mal. Ok, bah écoutez, je vous propose d'aller dormir. Voilà, on va faire ce qu'il faut. Il aime que ses couilles réchauffent. De quoi, fringant? Mes couilles? Ouais, en vrai, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez esthétique. Voilà, vous savez, en ce moment, je travaille sur la nouvelle DA de la chaîne et je pense que voilà, ça sera quelque chose comme ça, quoi. Un peu propre. Merci Nexua pour les 10 bits. Merci beaucoup. Bon, nickel. Écoutez, on va aller pisser. Hop. Fertiliser. Vas-y, on va pisser dans le buisson. Et on va s'acheter un vélo. Ça coûte combien? Alors, vélo. Ok, ça va coûter 100 simflous. 100 simflous pour avoir du fun en bar comme ça. Moi, je vous dis, c'est quasiment gratuit. Vous savez ce que je vais faire? C'est que je vais quitter le jeu.
mais, hop là. Mais ça va, j'ai gagné la Coupe du Monde ou je me suis réabonné. Voilà, on va, bon, passer, on va passer sur Fortnite. Non, c'est que le jeu lagouille de ouf, j'en ai marre. Et généralement, vous connaissez les Sims, c'est tellement un jeu qui est fort, qui est bien optimisé, que généralement, quand ça lagouille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer le jeu et le rallumer. Donc, je mets en pause et on va y retourner. Merci Alec pour le deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, merci. Insupportable, je le sens fébrile depuis tout à l'heure le jeu. D'un coup, il a eu un pétage de câble. Et pour le retrouver, c'était chaud quoi. Ouais, là, je me disais, petit Fortnite, là, ça pouvait être pas mal. De ouf, de ouf. Bon, ça va, heureusement que j'ai un PC très 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 cher, très 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 puissant. Mais voilà, c'est toujours un peu compliqué, vous comprenez. C'est un jeu voilà, qui demande beaucoup beaucoup d'énergie pour l'ordinateur. Et mental aussi. En tout cas, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonjour à ceux qui viennent d'arriver sur TikTok, j'espère que vous allez bien. Voilà, hein, il est bien 17h, on est le 5 mai. Putain, mai déjà les gars, c'est fou hein. Y'a que moi, mon jeu il bug pas. Non, moi en fait, c'est que là, t'as vu comment je le pousse à bout quoi. Je mets du linge partout. Et voilà, le jeu il est pas fluide. Non, c'est bon. Ah, cette fluidité m'avait manqué, tu vois, c'est exact. Ça m'avait manqué. C'est nickel. Ouais, j'ai tous les packs, j'ai les mods, je cherche peut-être un peu la merde aussi. Bon, écoutez, on va aller manger juste un morceau. Manger un repas rapide, céréales. Non, en vrai, là c'est fluide, ça fait du bien. Tu vois, il fallait un petit redémarrage et on est reparti. Nickel. Ok, la douche. On utilise l'astuce de la douche et on est parti. Prends une douche, lâche. Douche. Lâche, et quand je dis lâche, c'est pas que t'es un lâche hein. Même si voilà, ça réfléchir. Ok, prends une douche. Prends une douche. Prends une douche. Prends une douche. Ok. Nickel. L'astuce de rat quand même hein. Tu te rends compte un peu? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent? Apparemment, j'espère que c'est vrai hein. Plus on a demande dans notre foyer, plus on trouve de l'argent. Fouille les poches. Nickel, 4 simflouzes, super. 12 simflouzes. Allez, j'ai bientôt les 100, bientôt 100 simflouzes pour le vélo. Ok, 16. 15. C'est bon, je les 100. J'ai plus besoin de crier à chaque fois que j'ai... 5. Ok, 3 et 7. Ok, nickel. Vélo. En fait, c'est le passé du mode achat rapidement qui fait un peu laguer le jeu, j'ai l'impression. Ça, c'est pour les enfants, non? Pour enfants, pour enfants. Pour enfants, pour enfants. Putain, pour adultes, ça coûte 25 simflouzes de plus, c'est aberrant. Et là, du coup, on va monter sur le vélo, on va se déplacer. Et regardez le divertissement à quel point il va péter. Voilà. Ce qu'on n'arrivait pas à avoir depuis tout à l'heure. Un homme heureux. Ok, nickel. Hop, on arrive à faire du vélo ici. Voilà. Quelle classe. Et voilà, niveau divertissement, on est la régalade. Monsieur Prop, par contre, je vous ai pas montré ses traits. Mais il est... Attends, je vous montre un petit peu. Il est sûr de lui, perfectionné, soigné. Voilà. Et soigné, ça veut dire que notamment là, ça, il a un peu du mal. Voilà. Est-ce que je peux voter la prédit? La prédit elle vient à peine de se terminer, donc c'est malheureusement trop tard pour voter. C'est 30 minutes max une prédit. Je mets ça dans mon inventaire, comme ça au moins c'est propre et il est content. Nickel, ça je vais l'éloigner comme ça au moins. Ça sonne naturel et c'est pas mal. En vrai j'aime bien l'idée d'avoir un terrain qui est petit. C'est un terrain 20x20 et du coup peut-être qu'on pourra pour une fois remplir le terrain dans son intégralité. Merci venu Zaza, Guasta, Deline. Merci beaucoup pour les follow, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, merci beaucoup. Écoutez, j'ai 12 simflouzes, il faut que je trouve une femme avec qui je veux faire des enfants notamment. Voilà, donc écoutez, on va aller appeler Mélé. Tu sais quoi, petit séjour sans... Non, on va pas abuser. Séjour temporaire, ça veut dire qu'elle va casser les couilles chez nous. On va pas abuser un petit peu. Oh Mélé, tu vas te téléporter, magicienne. Illuminer la journée. Bon Mélé qui est en colère déjà. Voilà, voilà. Salut Mélé, ça va? Voilà, je sais pas quoi dire Mélé. Du coup, je rigole que je sais pas quoi dire. Elle est matérialiste Mélé. Eh ben écoute, ça tombe bien, j'ai plein de matériel. Regarde tout ça. J'ai un sac pour manger, j'ai un lit pour dormir, un mur avec une douche et j'ai de la lessive pour toi Mélé. Eh oui. Eh oui. Faire une blague sur la barbe moustache. Par contre, en vrai, je sais pas, j'ai l'impression que les relations elles augmentent super doucement. Je sais pas pourquoi. Attends, j'ai une astuce, les gars. Oh, astuce de fou. Regardez, vous êtes pas prêts. Ou peut-être un peu prêts. Regardez, on va arriver. Regardez, on va arriver. Tenue, je change ma tenue, d'accord? Je prends du linge par terre, je fouille les poches. D'accord? Je prends ce linge, je le mets dans la poche et je vais lui offrir comme cadeau romantique. Est-ce que c'est pas trop malin en vrai? Voilà, tas de vêtements. Voilà, bon. Bah. Un caleçon, je me subissais dessus cette nuit. Le voilà. Le voilà. C'est mes vêtements que je viens de te lâcher par terre. Voilà, je sais que je... Eh oui. Je sais que tu les aimes, c'est pour ça. Donc voilà, au moins tu vas pouvoir me renifler pendant la nuit. Tu veux pas ça, toi?
Ah la rose. C'est mieux, c'est mieux. Et du coup je peux faire ça plusieurs fois. Non mais c'est trop malin par contre. Avouez, c'est trop smart. J'arrive, je fais ça plusieurs fois. Et en fait c'est juste ma femme. Voilà, hop. Oui, il faut que je me mette en mini maison, vous avez raison. En mini maison, les relations elles sont dopées de fou. Hop, mini maison. Je vous explique pas ce que ça rajoute mini maison. Je l'explique à chaque fois, il y en a marre maintenant. Ça rajoute plein de choses. Nancy, je veux plus t'entendre parler de toi. Je veux plus t'entendre parler de toi, d'accord. Donc à chaque fois que tu vas parler, je veux plus que tu parles de toi. Ici, je récupère, boum boum. Voilà, et là on va relui offrir un cadeau romantique. Sauf que là en mini maison, ça va augmenter mais l'amour, mais à un niveau où elle va être en mode mais comment ça. Normalement hein. Faites voir. Ah, pas spécialement beaucoup, mais ça va être pas mal. Embrasser les mains. Normalement ça est censé augmenter de fou. Là même là c'est un peu lent. Prends une pose sexy, putain monsieur propre il sait être sexy hein. Désolé hein, si à chaque fois j'appuie sur échappe, c'est que dès que le jeu commence à friser, j'appuie sur échappe pour défriser le jeu. C'est un bug qu'il y a sur le jeu. Bah tu vois là ça lag, tu vois. Voilà, ça lag de fou. Et j'ai pas eu besoin de le faire, donc évidemment quand t'appuies sur échappe ça réactualise le truc. Xia, feed to universe comme streaming. De l'univers, pardon. Je suis trop anglais aujourd'hui. Écoutez, on va normalement l'embrasser. Je pense qu'elle va être ouverte à ça. Affection, intimité physique, embrasser. Là, il y a un véritable amour là qui est en train de se dégager entre elle et moi. Je pense qu'il y a des enfants dans 3 heures. Voilà, dans 2 heures, là, c'est... Ginny, il y a papa, il va t'ouvrir, d'accord. Premier baiser. No Atomic, merci beaucoup pour No Absolu. Merci, merci. Voilà, parce que ça, j'aurais pu le faire aussi. Et le bisou directement, enfin. Après le bisou, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on fait des enfants. Allez, on y va, faire des enfants avec Mélé. Nickel. Oh putain, mais regardez ça. Oh, petit coucher de soleil au niveau de la mer. Ah non, mais là, c'est juste l'endroit idéal pour faire notre petit enfant, quoi. Hein? Elle est partie. Mais... Mêlé ? Oui, Mêlé, tu es parti alors qu'on avait prévu de faire un enfant. Tu peux revenir, s'il te plaît, ma grande ? Allez, super. Oui, oui. Ok. Ginny, j'arrive, Ginny. Ah, reprenons. Voilà. Nickel. Ah, les gars, très enjôleuse. Non, mais attendez, là. Ginny. Tu vas faire une drama queen ou un chat là? Hein? Ginny, c'est bon quoi? Mais Ginny, par contre, elle a tracé. Ah, elle est belle après. Hein. Elle est belle. Juste, je vous montre. Elle a exactement la même tête qu'hier. Je vous montre. Voilà. Histoire que vous craquiez un petit peu, que vous fassiez mo. Et c'est vrai qu'elle a de quoi être en mode mo. Voilà, regardez ça. Regardez ça. C'est énorme, non? On dirait le chat beauté. Tracé, c'est quelque chose, ce petit chat. Et pendant qu'on montre un chat, ça ken très très ardemment, vraiment dans un buisson à côté de la mer. Ah, elle est belle, hein, elle est belle. Oh, et Ginny, tout le monde t'adore. Tout le monde t'adore pour toi. Je suis juste un connard qui parle devant mon écran et qui te parle à toi. Mais vraiment, là, t'es vu par des millions de personnes. Mais vraiment, j'insiste, hein. Eh oui. Elle est mimi, c'est vrai. Elle est mimi. Casey, comment tu vas, Bing? Comment ça va? Bon, écoutez, normalement, Mêlé, tu es enceinte. Attendez, mais peut-être qu'on va se marier. C'est peut-être un peu rapide, je sais, mais au moins, ça peut être pas mal. Ouvrir lapin sociable. Je t'ajoute en contact. Voilà. Ah, c'est ça ton numéro. Voilà, on fait les choses dans l'ordre. Faut que je rajoute un truc en fil d'actualité, parce que sinon, ça me casse les couilles. À propos d'une nouvelle tenue. Histoire énergisante. N'hésitez pas à vous arrêter pour m'admirer, je suis stylé comme jamais. Voilà, effectivement. Hop, on augmente l'amitié à fond. Comme ça, on se marie. Et je suis sûr c'est elle qui va me proposer en mariage en plus, voilà. Écoutez, pas abuser, hein, la pas sociable. Voilà, c'est ma meilleure amie et ma femme maintenant. On est à fond. Voilà. Donc, bah là, en fait, je peux même pas me marier, pas besoin de me marier. Hein. Après, on pourrait se marier, mais... Hop. Tu veux rejoindre le foyer ou pas? Ok, cool. Tu gardes ton argent, par contre, je m'en bats les couilles, hein, ton argent. Oh, j'ai dit quoi? Tu gardes ton argent maintenant. Voilà, bon bah écoutez, j'ai une nouvelle femme. Voilà, et on va tester si elle est enceinte. Et pour ça, il faut que j'ai des toilettes. Non, en vrai, attendez, j'ai une strat peut-être. J'ai une strat. Non, c'est une strat de merde. Voilà, ouais. Je me suis dit, peut-être on va prendre deux douches. Mais non. Vas-y, toi, tu vas prendre des douches. Tu lâches. Douche. Lâche. Douche. Non, je pense que là, on a un bon pattern. Il faut voir si je fais douche en boucle comme ça. Ça annule ou pas? Je crois pas. Mais par contre, elle peut terminer sa douche très rapidement. Prends une douche. Prends une douche. Ah là, c'est nickel. Oh là 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 là. Oh là là.
Ah, la douche elle est cassée, trop bizarre. Trop bizarre. Zodiac, comment tu as Bing? Oublie pas, le gamin va naître les couches lavables. Oui, c'est ça, c'est ça. Apparemment, les couches lavables, c'est exactement ça qu'il me faut. Et du coup, je peux fouiller les couches lavables pour avoir de l'argent dedans? C'est aberrant, aberrant. Ça va pas plus vite avec la... Ouais, la pince sable, du coup, si, ça va très vite. Hop, nickel. Et on continue, les gars. On n'a pas peur. Prends une douche. Et monsieur propre, il fait quoi pendant ce temps? Il bouge pas. Vas-y, je vais activer le fait qu'ils puissent vivre leur vie un peu. Voilà, comme ça, au moins, c'est nickel. Quoique, ah, je suis déjà en train de péter un câble de ce que je viens de mettre. Ok, je désactive. Hop, voilà. Autonomie, non, mais comme ça, monsieur propre peut vivre sa vie un peu, sinon c'est le pauvre quoi. Ah, il va dormir. Eh bah écoutez, on a une belle vie de couple, hein, ça fait plaisir à voir en tout cas. Prends une douche. Genre là, t'as peur parce que tu vois ta femme que tu viens de ken juste à côté, c'est ça? Je comprends, je comprends. Dans un buisson, ça va être difficile de se voir. Ici, bam. Ok, pas mal ce petit terrain en tout cas. Non mais là, par contre, niveau argent, ça va être quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Ok, prendre, prendre, prendre. Putain, mais la douche, elle est nulle. Elle est nulle. Merci Barbie pour le follow, merci beaucoup. Merci pour l'hydratation, je me suis pas hydraté. Mais les gars, elle va être une professionnelle de... De la réparation, elle. Les gars, c'est pas magnifique. En vrai, ce qu'on est en train de faire là, c'est pas un peu de l'art au final? Qu'est-ce que l'art? Hein? L'art, c'est quelque chose qu'on exprime. Voilà, c'est quelque chose où on exprime des sentiments, une... Tout en fait, la vie, tout simplement. Et là, je pense que ces vêtements, c'est un peu une métaphore de la vie. Voilà, un peu une métaphore de la société. Voilà, tu vois que j'ai l'impression qu'ils surconsomment un peu leurs vêtements. Hein, j'ai l'impression, hein. Yann, comment tu vas, Bing? Ok. Très bien. Nom d'un caribou. Putain. Ce cas vient de dépenser la maudite somme de réparer. Merci Kate pour le 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci. Et Lolo, merci beaucoup pour les follow. Et Lolo, pardon. Merci, merci. Le challenge, c'est ça. Le principe du challenge est très simple. Je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Ah, mais là, en vrai, est-ce que j'attendrai pas d'avoir des enfants avant de fouiller tout ce linge? Mais est-ce que le linge, il peut pourrir? Genre, il devient vraiment moisi, quoi. Je pense que ouais. En tout cas, putain, t'imagines comment elle doit avoir la peau irritée à force de se laver? Tu te rends compte? Ok. 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 Quel enfer. En vrai. Non mais en vrai, là, j'ai bientôt plein d'argent, non? Oh, la douche, les gars, franchement, c'est de la merde. Hein. C'est dégri. Bon, vas-y, monsieur propre, tu vas commencer à fouiller. Limite, on pourrait faire des petits dessins. Genre, on pourrait faire des petits arbres, des petites maisons. Une petite maison. Il y en a trop. Non mais là, regardez, on arrive. Et on va fouiller. Bam, fouiller les poches. Fouiller les poches. Il faut aller dans un sens logique parce que sinon ça va être le bordel. Fouiller. Voilà. Trop d'interactions. Toi là, tu vas fouiller. Fouiller, 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 fouiller. Voilà. Nickel. Elle souhaite passer du temps ici. Mêlée, t'es à côté de moi, bordel de merde! Mêlée souhaite passer du temps ici. Non mais elle est complètement conne elle. Elle est pas du tout en train de faire le linge. Vas-y vas-y, on fait de l'argent, on fait de l'argent. Ah mais regardez, Mêlée veut passer au niveau supérieur. Oui vas-y, deviens mon petit ami, y'a pas de soucis. Voilà voilà. Ah t'as envie de pisser Mêlée, y'a le buisson là, on a fait crac crac tout à l'heure, tu peux y aller hein. J'avais déjà fait pipi plusieurs fois avant, donc ne t'inquiète surtout pas. C'est open, c'est fait pour. Ok, 200 simflous les gars, on a déjà bon on a déjà bientôt une villa hein. Là je pense que la villa on est bien. On est à 40 minutes du challenge. En vrai, ça va le faire, non? Ça va être super dur. Ça va être vraiment super dur, les gars. La vie de quotidienne dure. Merci beaucoup, merci, merci. Oui, il me provoque. Letty, je sais pas ce que j'ai fait, je crois que j'ai rien fait, mais je pense que Letty, elle veut faire genre, il se passe quelque chose. Comme ça, elle a un peu d'attention. Je pense que c'est une manière d'avoir de l'attention. Parce que voilà, Letty, pour ceux qui ne savent pas, elle a actuellement la diarrhée. Donc, force, Letty. Force, Letty. On pense à toi. Ça va bientôt, t'inquiète pas, ça va se reconsolider. Et après, tu... Voilà. Donc voilà, pensez à Letty qui, chaque 5 minutes, dès qu'elle part, elle va aux toilettes. Elle apporte pas son téléphone avec lui, sinon, effectivement, il va changer de couleur. Donc, on préfère, voilà, une petite pensée pour Letty. Ah, tu vas mieux, Letty? Ah bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah bah, on en a des bonnes nouvelles, tiens. Forest, comment tu vas, Bing? Comment ça va? Comment ça va? Non mais attendez, après on veut pas les détails hein, Letty, hein, voilà, on veut pas les détails de la diarrhée. Tu sais, j'en ai eu une la semaine dernière pendant une semaine. Voilà, c'était pas joli joli. Je suis un peu, voilà, trigger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors voyons voir, est-ce que je peux fouiller d'autres trucs?
Fouiller. Non, y'a plus rien à fouiller, hein. Vraiment. Rien à fouiller. Ah, ici. J'ai rien à fouiller, moi. Putain, ça en dirait une insulte un peu, non? Bon, en tout cas, c'est propre. Non, mais attendez. Vous... Ok, j'essaye une idée de merde. Mais probablement. Non, mais ça sert à rien. Plutôt que de vendre ce linge, une table de vente. En fait, une table de vente, si ça coûtait 2 simflouz, ça serait une dinguerie. Mais ça vaut 1 simflouz. C'est-à-dire que si on le vend à 300% de son prix, on va le vendre que 4 simflouz. Et du coup, va falloir en vendre combien pour rentabiliser la table de vente qui coûte pas cher, quoi. Elle coûte combien, la table de vente? 400. Il va m'en falloir 100, que j'en vende 100. Laisse tomber, idée de merde. Autant juste les vendre, franchement. Ça vaudrait 2 simflouz, on serait déjà riche. Mais bon, tu vois là, 19, on a eu 19 plus 11 plus 4, ça fait 15 plus 19, ça fait 35, 36 plus... On a eu 40 tas de linge quand même, hein. C'est ouf, hein. Je n'ai pas la diarrhée, j'ai la gastro, mais je vomis. J'ai pas que ce soit dans mon ventre depuis vendredi 18h, mais j'ai dit ça sur le live en intimité. Tu n'avais pas à redire ici, puis il y a de plus de personnes. Je sais pas combien de personnes il y a, Letty, je masque le nombre de viewers qu'on est. Je considère que chaque live est pareil. Donc là, je pense qu'on doit être 10, je pense. T'as vu qu'ils veulent faire un nouveau Seven Day to Die payant au lieu de le mettre à jour. Comment ça? Non, j'ai pas vu. C'est véridique ou pas? Ça n'a pas trop de sens avec les annonces qu'ils ont fait récemment. T'es sûr que c'est une vraie info? Ça c'est bon, je vends. Ok, on est pas mal. Les gars, 500 simflouz, venez on améliore un peu ma maison. On donne une sensation d'avoir une vraie maison. Alors pour avoir une vraie maison, qu'est-ce qu'il faut? Comme d'habitude, j'utilise toujours la classico porte. Pour avoir une vraie maison, il faut avoir une porte. Donc on va la mettre. J'aimerais bien avoir une maison un peu style provençal aujourd'hui. Donc on va peut-être taper dans mariage. En gros, l'étuelle à la diarrhée lutirait Baka. Vu que tu n'as pas lu son message. Ok, bah merci beaucoup, ok, au moins j'ai la réponse. Merci Fringant. Hop. C'est que c'est, voilà. C'est nickel, non? Est-ce que je peux pas vendre la porte? Voilà, bah je pense qu'on est bien, hein. On est bien. Fais voir un peu. Il peut passer par la porte. Voilà, nickel, pour l'instant il y a une porte. Attends, mais j'ai payé combien ma porte là? Je l'ai payé une couille. C'est une folie. Bon bah ça c'est nickel. Voilà, déjà on a le début de notre petite maison. Le linge lavé et séché ne coûterait-il pas plus cher? Je sais pas du tout. Faudrait que j'essaye effectivement. Il faudrait des toilettes effectivement pour le test de grossesse. Et en gros le water cooling custom de Fringuant a noyé son PC au cas où tu l'avais oublié. Ouais voilà, mais après il voulait un double PC donc voilà, il va en avoir un autre je pense. Mais tout est mort. C'est ouf, hein, j'avais oublié. Alors, 15 simflouz de test de grossesse, c'est littéralement deux fouilles de... Elle est enceinte ou pas? Non mais attends, elle est sur le trône, elle est en train de me demander un mariage, putain de merde. Elle est en train de chier là. C'est vraiment en train d'arriver, mais Lé est tellement forte amoureuse de Monsieur Propre qu'elle demande en mariage. Bien sûr, putain. C'est vraiment l'endroit idéal, mais... Vraiment? T'es là, t'es aux chiottes, en train, j'entends plouf plouf. Et t'es là, tu me demandes en mariage. C'est dingue, mais et tout ça pour m'indiquer après que t'es pas enceinte? Oh putain, 15 siffloues dans le vent, des bruits désagréables, une demande éclatée et un bébé qui est pas sur le point d'arriver. Voilà, ça me dégoûte. Par contre, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir gagné plus de siffloues en étant plusieurs, quoi. Live goal, franchement, on en a vu des demandes en mariage éclatées, mais celle avec des ploufs derrière, c'est quand même un petit plus, hein. Bon, on a les chiottes. Et voilà, Mêlée qui fait le cliché. Super, Mêlée, arrête de faire ça. Y a pas besoin de faire du linge. On achète des nouveaux vêtements à chaque fois. On n'a pas besoin de faire du linge, Mêlée. Voilà, Mêlée ailleurs. petite blague, Mêlée, ça va. On te l'a jamais faite. Attendez, clac, clac, clac. Prends une douche. Allez, vite, enchaîne. T'es un peu lent dans la douche, là, je trouve. Un peu lent. Attends, je vais le réinitialiser. Parce que je pense qu'en fait, c'est prendre une douche qui est rapide. Pas prendre une douche en buée ou autre. Non, c'est... Je sais pas pourquoi c'est lent. Pourquoi il se douche comme si c'est si lent à doucher? Tout à l'heure c'était rapide. Prends une douche. Ah, vu qu'il a envie de pisser, il va pas s'arrêter de pisser. Enfin, de vouloir faire une pause. Non? Ok. Putain, on voit rien les gars, j'ai hâte d'avoir une lumière. Un jour j'aurai une lumière, hein. Ce prénom me rappelle les 100 bébés challenge. Lequel? Lequel de prénom? Ok. Allez vite, on y va. Et bonjour Oprah, Vicio, comment tu vas, Bing? Hop là.
Et Améthyste, ton jeu crash quand t'arrives sur le terrain et que je veux plus. J'ai des mods, des CC, mais j'ai rien téléchargé depuis un moment. Si t'as, t'as pas de mods, si t'as des mods et des CC, essaye de tout désinstaller. Tu peux les désinstaller en mettant dans un dossier à côté. Hein. T'es pas obligé de tous les supprimer. Et tu regardes si ça bug. Si ça bug, c'est que c'est un de tes mods et tes CC, t'auras la réponse. Ah, y'a Vlad qui vient chez moi, les gars. Par contre, je crois que t'as pas compris le principe de la porte, Vlad. En fait, le principe, c'est que t'as la porte, là, c'est l'extérieur. Hop, tu rentres à l'intérieur. Tu peux pas arriver à l'intérieur et toquer, en fait. Sinon, c'est complètement con. Parce que du coup, ça perd un peu le principe. Mais bon, après, y'a pas de soucis, tu peux aller faire foutre. Hop là, vas-y. On va dodo. Ça serait bien Ali aussi. Bon, Vlad, ça lui a vexé visiblement ce que j'ai dit. Il a préféré partir. Vas-y, on va fouiller. On va fouiller vite fait de la lessive. Voilà, ma femme aussi, s'il te plaît, fouille. Plutôt que de nettoyer les toilettes, on s'en fout. Voilà, je suis monsieur propre, je sais que tu te dis, bon, je suis quand même monsieur propre, on va quand même nettoyer. J'en ai rien à foutre. Par contre, j'ai l'impression de gagner moins d'argent que tout à l'heure, c'est normal. Nom d'un caribou, ce cas vient là, de dépenser la maudite somme de 0. Allez, s'il vous plaît, le jeu, donnez-moi des 40. Arrêtez les 8 simflouz là, 28, c'est bien. Il y a un côté très aléatoire dans ce qu'on peut trouver dans les poches. Hein. 8, c'est tout. Pff, je me sens vide, quoi. Y'a rien. Oh là 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 là, j'ai 115 simflouz. Merci Oprah pour le troisième mois, merci beaucoup. Bientôt faudrait acheter un lit double. Mais là putain la maison, les gars ça va bientôt faire une heure de challenge. Ma maison c'est ça quoi. Il faut une lumière, je vais acheter une lumière les gars. Lanterne. Non attends. Lumière. Qu'est-ce que je peux avoir comme lumière? Une lumière bien là. Non je vais aller dans les lampes. Non je vais chercher, lanterne. T'as du linge tout à gauche, faut que j'aille le chercher. Une lanterne, ça éclaire que dalle, non? Bon, après, c'est pas mal, hein, ça reste mignon, quand même. Regardez ça, comme on voit tout, maintenant. Du linge à gauche. Non, ça, c'est pas du linge, c'est des pièces d'amélioration. Sinon, il aurait périmé. Mélisse, Violette, Tantly, Lily, le challenge, c'est ça. Le principe du challenge est très simple. Je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Voilà, bon, écoutez, nous, on continue. J'aimerais bien qu'elle soit enceinte, par contre. Bah, attendez, c'est ce qu'on va faire. Hop, allez, sortez du lit, là. Allez faire un bébé, vite fait. Allez c'est bon, vous allez faire 2 fois. Mélé a appris les critères de partenaire de crack de Monsieur Propre. Bah oui, bah vous avez déjà essayé de Ken, donc normalement t'étais censé le savoir quand même, non? Oprah, 3e mois, merci beaucoup. Merci Oprah, merci Samissou pour le follow. Nani, Maman, pour tous les follow TikTok. Les Sims 5 depuis on attend. Ah bah moi j'attends qu'une chose, c'est qu'ils sortent les Sims 5. Hein. Mais putain, si j'avais des infos dessus, j'aurais bien aimé vous le dire. Hein. Apparemment le linge propre rapporte plus de sous. Ah ouais? Bon bah essayez. Mais pourquoi ça rapporterait plus de sous? Ok, attends, je vais essayer un truc. Ok, salut. Mêlée, est-ce que tu vas faire test de grossesse? Voilà. Là, j'arrive. Tu vas fouiller les poches. Fouiller les poches. D'accord. Voilà. Elle est enceinte, alléluia. Elle est enceinte. Merci, Talinemo, merci beaucoup pour le 9e mois. J'avoue, cette fois, ça, je crois pas à ton challenge. Les gars, je vais tout donner pour les gens qui croient pas en moi. Là, j'en ai marre. Les gens, ils croient pas en moi. Non, vous allez voir, on va réussir. Monsieur Prop, par contre, il est un peu fatigué. On va... ajouter de l'additif, de la nourriture. Un poisson combattant. Je peux ajouter de la nourriture dans du linge. Lucas, la nourriture. Qu'est-ce qu'elle a, la nourriture? Prendre et poser le linge. Attends, du coup, là, il est... Là, c'est propre. Du coup, si je le vends, c'est plus cher. Un simflouz. À mon avis, c'est le linge étendu, non? Mais le linge étendu, juste, je vais le récupérer, ça sera bon. Changer l'eau. Je comprends rien, voilà, je vous le dis. Pour ajouter une petite odeur bien fraîche. Et peut-être que cette petite odeur, ça peut justement rajouter un prix, non? Non, c'était pas propre. Comment on peut considérer le linge propre? Non, le linge sec et plié vaut plus cher. Alors peut-être qu'on a une astuce comme ça. Effectivement, on va laver le linge, on va l'étendre, on va le plier. Est-ce que ça va faire des tas de linge plié? Je pense pas, parce que l'objectif c'est que ça disparaisse, quoi. Mais si c'est le cas, et bah bam, je le mets dans une table des ventes. Si ça coûte genre 5 simflouz, on se fait 20 simflouz avec ça, et à nous la richesse, en fait. Je sais pas. En fait, il faudrait un... Attends, on va juste faire ça. Prends une douche. En fait, il me faut plein de trucs. Pourquoi son linge, il pue la mort? Je comprends pas. Ah, parce qu'il pue le mort. Ah, c'est RP. C'est RP de fou. Oh. Eh bah écoutez, monsieur propre qui est dans son linge qui pue. Non, c'est énorme. Caribou, fouillez les poches. Vient fouillez les poches. La maudite somme de 0 euros. Ok. 2 simflouz. Ouais, j'ai l'impression qu'on gagne moins peut-être là-dedans. Ok. Nettoyer vigoureusement, vas-y. Merci Nespagnol pour le 5e mois, merci beaucoup. Merci d'animer encore une fois. Et si le challenge, je vais tout faire pour y arriver les gars. Je vous jure. Il faut pas prendre et poser le linge pour pas qu'il disparaisse. Attends, il faut faire prendre. Ah, prendre et poser le linge, ok.
Ok, ok, vas-y, je note vos astuces. Heureusement, le linge, c'est quelque chose que je connais pas dans les Sims, comme je vous ai dit au début. Parce qu'à chaque fois que j'en ai, il me saoule, je le jarte. Donc, enfin, je jarte les possibilités. Moi, j'adorerais avoir des paniers à linge et tout, mais sans linge. Même si c'est une mécanique sympa, mais putain, faire son linge tout le temps, là. J'aime bien, je pense, le premier jour. En fait, pour moi, c'est un gameplay. Si tu le fais en x1, ça peut être cool. Voilà. Si c'est un gameplay x3, du coup, tu vois le linge chaque 3 minutes dans ta partie, ça te fait péter un câble. En x1, c'est plus. Bah, c'est rare, quoi. Les douches et quand tu vas dodo. Et encore. Non, juste quand tu changes de tenue. Vas-y, lâche, lâche, lâche. Prends une corde à linge. Ouais, mais ça coûte combien? Alors, corde à linge. Ça coûte... Putain, mais ça coûte super cher! Attends, il me le faut. Pack. Peut-être qu'il y a un truc qui coûte moins cher. Jour de lessive. Voilà, affiché. Affiché tout. Est-ce que j'ai un truc... Putain, mais les cordes à linge, les gars, ça coûte 200 simflouzes. Une vieille corde avec un morceau de bois. C'est dingue! Je croirais rêver, moi! 23, allez, on est à la moitié, s'il te plaît. Sois chanceuse, sois chanceuse. Allez, fouille, fouille, fouille. 8, 9. Allez, 30, 30! Allez, 30! Allez, je suis à 36 plus d'y arriver. Allez, allez, allez! Putain! Mais attends, si je vends tout, par contre, on est peut-être pas mal. Hop là. Oh, let's go, let's go. Corde. C'est un terrain marché, hein. Imaginez tout cet investissement, c'est de la merde. Il y a un mec qui s'appelle Imsynology, ça rajoute beaucoup de choses. Ça rajoute quoi? Vider la lessive. Ça, je peux le fouiller ou pas? Monsieur Propre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dormir? Mais va dormir dans un lit, non? T'as un sac de couchage qui a l'air super, super bien. Vider la lessive, accroder, on est pas mal, je pense, hein. Au pire, tu vends. Donc là, prendre et poser le linge. Donc là, on est nickel, ça sèche. Il faut combien de temps pour que ça sèche? Fouillez les poches. Vas-y, vas-y, trouve de l'argent. Il faut un deuxième lit, les gars. Les gens, ils ont pas compris le principe de la porte. C'est peut-être parce qu'elle est à l'envers. Voilà, on va considérer que c'est à l'envers parce que j'ai l'impression qu'ils sont cons. Faire la lessive, vas-y, on s'en bat les couilles. Hop là, prends une douche. Monsieur, barrez-vous, s'il vous plaît. Corde à linge, j'y crois pas trop. En fait, je viens de relire l'article. Pour ceux qui achètent les vieilles consoles. Ah, oui, d'accord. Oui, c'est ça, ça me paraissait bizarre, franchement. Ah, la douche qui est pétée. On va réparer. Ton linge est pas propre. Celui-là, oui. Lui, il est propre, ce linge, les gars. Pourquoi il serait pas propre? Ça peut hyper longtemps pour sécher. Après, IRL, c'est un peu le cas aussi, non? Ça dépend de la période. Mais oui, en fait, ça devrait dépendre les saisons. Ça, si c'était bien fait. Je sais pas si c'est bien fait. Aussi bien c'est bien fait, je suis un aigri pour rien. Mais aussi bien en été, ça sèche en 2 secondes, quoi. C'est vrai que quand on fait le linge en été... Tu rajoutes de l'additif dans ton linge qui sente bon, ça augmente le pain. Le prix, bah j'espère en vrai, je vais voir. Je vais voir les gars. Juste avant, je fais ce premier test avec ce linge là. Putain, on est en train de pousser le linge. On est en train de l'essorer le linge quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où en fait on est en train de l'exploiter de fou. Vas-y, on va aller pisser. Vas-y, va pisser un coup. Oublie pas de changer l'eau de la bassine. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ok, elle est en train de mourir de fatigue. Vas-y, va fouiller vite, il faut de l'argent là. Il faut un putain de lit. Un lit double, ça coûte combien? Attends, y'a pas Ecologie qui propose un lit double qui coûte que dalle? Bess, qu'est-ce que tu veux? Va te faire foutre. Bess qui veut gagner de l'argent en faisant des appels téléphoniques pour gratter la thune. C'est dingue! Attends, ça coûte combien? Ecologie. Normalement, Ecologie propose des lits doubles relativement pas chers. Alors. À 300. 300, on a un lit double. Par contre, voilà la gueule du lit double. Hein. Oh! Non mais putain, du coup, elle est en train de fatiguer de fou. Ce que je vais faire, c'est que je vais échanger. Monsieur Propre, c'est bon, t'as bien dormi. Oh, il est délicat! Let's go! Attends, délicat, c'est chiant quand même, non? Délicat. Oh là là, il va être casse-couille de ouf, du coup. Oh, Monsieur Propre, il est délicat parce qu'il y a du linge sale tout le temps. 30 simflous, c'est très bien, Monsieur Propre. C'est très bien. La porte vide. Ouais, là, c'est vraiment pour donner l'impression d'une maison, quoi. C'est important pour nous. Vas-y, prends une douche. Ok. On va enchaîner. Ok. Très bien. Allez, monsieur propre. On arrête sa douche, c'est bon, tu es propre de fou là. Putain! Mais c'est quoi cette douche de mort? J'aurais jamais dû accepter le trait. Ouais, putain, en vrai de ouf. Et voilà, tu vois, il est déjà en train de casser les couilles. Putain, mais ma douche... Vas-y, t'as faim. C'est quoi, tu vas manger un morceau? Repas rapide, des pop-corns.
Non mais elle est en train de se foutre de ma gueule elle ou elle? Va dormir putain. Elle a un sac de couchage, elle dort dans un buisson plein de pisse. C'est fou. La logique. Voilà, hop. Allez, on continue. On continue mon grand. La lanterne c'est quand tu veux pour t'allumer parce que je vois rien là. Ok, putain j'ai hâte. Elle dort dans le bus, elle est infernale. Vas-y. Faut se mettre ses affaires. Ouais, je sais, mais bon, c'est... elle fait partie de mon foyer maintenant. Ses affaires sont les miennes. Ah, mais elle est là. Vas-y, fouillez. Ok, fais un bébé. Elle est déjà en plein processus de création de bébé à l'heure actuelle dans son ventre. Tout se passe. Donc là, c'est pas du temps qu'on perd. Par contre, on pourrait en gagner en trouvant une autre femme et en ayant plus d'enfants, mais... on va pas en abuser. Putain, il faut que j'ai 20 000 simflouz, les gars. C'est pas comme ça que je vais y arriver. 53 simflouz. Oh, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Écoutez, le linge est toujours mouillé là. Vous savez que c'est long. Hein. Ok, ici. Fouillé. 7 simflouz. Vas-y, les gars, j'ai bientôt un lit double. Le challenge, c'est ça. Le principe du challenge est très simple. Je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Ok. Contacter le service de réparation. Non, non, non. J'ai annulé l'appel. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. Réparer, let's go. Passe ta souris sur le linge. Bah, non, c'est toujours humide. Et ça me propose pas. Corde en fer. Ajouter cette amélioration, à quoi ça sert la corde en fer? Parce que ça peut lâcher. Il faut que je sois niveau 3 en réparation. Avoir un panier à linge aiderait à sauver du temps, tout se retrouverait dans... et tu fouillerais fois 1 tes poches. Ouais mais en fait, ce qui me fait gagner de l'argent c'est quoi? C'est de fouiller les poches. Genre là quand je fouille les poches, je gagne de l'argent, hop 2 simflouz. Ici je gagne par exemple 10, voilà 8. Ben voilà, il faut en fait que j'ai plein de tas pour fouiller. Si j'ai un panier à linge, on a testé tout à l'heure, le panier à linge tu as genre 5 à 10 tas de linge dedans, tu fouilles tout une fois et tu gagnes 5. Au final, c'est comme si tu fouillais un tas. Mais moi, mon objectif pour gagner de l'argent, c'est qu'il faut que je fouille du linge. J'ai pas d'autre méthode. Donc le panier à linge, en fait, il me fait juste perdre de l'argent. Et du temps aussi de fou. Parce que je peux pas fouiller le linge. Je peux fouiller le linge qu'une fois dedans, chaque heure. Je sais pas ce qui s'est passé, je pouvais pas fouiller le linge. Bref, c'est... la seule méthode d'avoir vraiment de l'argent, c'est de fouiller ce putain de linge, quoi. Et si jamais... et le panier à linge, ouais, il me permet pas. Il me permet de le faire qu'une seule fois. Peu importe le nombre de linge que j'ai. Parce que tu vois encore si genre imagine j'avais 15 tas de linge dans le linge dans le panier et que je fouille et que j'ai 200 simflouz parce qu'il a trouvé plein de trucs, ça serait trop bien mais je crois pas que ce soit le cas. Vas-y répare. Répare répare, il développe de ouf sa compétence réparation. Il est un peu mal à l'aise. Tu veux pas vendre le linge sur un stand? Bah si, attends là il est sec les gars. Prendre et emmener le linge. Déjà porté sec. Putain, mais comment ça déjà porté? Comment ça il est pas propre? Ok, donc là, ça, je peux le vendre ou pas? Attends. 50! Waouh. Alors là, les gars, ça, c'est fou. Ça, c'est fou, les gars. C'est la remontada du challenge. C'est la remontada. On va sortir de la merde, les gars, enfin. 50 simflouz, un tas de linge. Ça veut dire qu'on va le vendre à 400%, ce qui veut dire qu'on va le vendre à 200 simflouz, le tas de linge. Oh non, mais là, on va investir, hein, je vous le dis, moi. On va investir mais très 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 sérieusement. En plus tu vois là je suis en train de fouiller 41, là je suis chanceux en plus là. Mais là tu me saoules, je suis en train de fouiller. Alors je sais que t'es enceinte, que voilà t'as les nausées matinales et tout. Mais stop là non. Voilà ça c'est dit. Mais qu'est-ce que tu fais? Non mais tu vas laver. Mais là t'es super, pour le coup t'es super. Putain t'es incroyable, mais l'eau est sale mais bordel de merde, tu l'as pas vu? Vider la lessive. Mais là tu m'énerves là. Là t'es en train de vider la lessive. Non. Non, non, lâche. Oh, j'ai ça jarté. Changer l'eau. Ok, attendez. On va faire ça vite fait. Prends une douche. Là, pris le propre. Non, là, je fais faire la lessive. Voilà, tu fais la lessive, l'eau est propre. C'est nickel. Toi, monsieur propre, t'es au bout de ta vie, va dormir. Je t'en conjure, fais quelque chose là. Pour toi, pour nous, pour le live, pour tout. Non, là, les gars, il va y avoir la remontada. Ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Ok, frotte bien, c'est nickel. C'est long hein putain. Vider, prendre et poser le linge. Il est propre ou pas là? Il est propre. Donc là on fouille les poches, on en profite. 7 simflouz. Et accroché. Donc voilà. Et là si on veut être... Non mais les gars, on va créer un système hein.
En fait, il faut aussi que je garde l'argent pour une table des ventes. Il va falloir que je vende, que je garde ça. Regarde dans l'inventaire de foyer du Sims, parfois le linge va dedans. Ok, je regarde ça juste après. Là déjà, on change l'eau. On va se refaire du linge. Prends une douche. Voilà. On fouille. Let's go. Je pense que là, on a un truc. Le lit, on le fait juste après. Là, ça, pour l'instant, ça va. Ils sont pas trop fatigués. Laver dans la bassine. La bassine est propre, c'est nickel. Après, on pourra faire... Non mais les gars, en fait, on va... là au début, on y est un petit peu de manière... primitif, j'ai envie de dire, mais bientôt on va avoir des machines à laver et tout, ça va partir très très vite. Hein. Je te le dis, moi, elle a jeté le linge à 50. Non, c'est vrai. Elle a jeté. Non, il doit être dans l'inventaire du foyer, c'est pas possible. C'est quoi ça? Elle a vraiment jeté? Regarde dans l'inventaire de Monsieur Propre. Putain, l'aspiration dégage. Non, y'a rien les gars. Effectivement, je crois qu'elle a plus son putain de tas de linge. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis anéanti. Anéanti. Prends des pauses, mais putain, mais... Alors ce challenge, on va faire une remontada. C'est pas grave les gars, c'est pas grave. Là, on arrive, on change l'eau. On va ajouter un additif. Mêlée n'a pas d'additif. Attends, faire le... Je peux pas fouiller. Si, là, je peux fouiller. Fouille les poches. Ok, 41. 43. Pourquoi j'ai de la chance là? D'un coup, des fois, je gagne des sommes de fou. Voilà, lavé. Ok, nickel. Elle a envie de pisser de fou. Elle commence à être enceinte sévère là. Elle a ramassé et lavé. Putain. Ouais, je vais investir dans une machine, mais avant, il faut que j'investisse dans des cordes. En vrai, j'aime bien, c'est vraiment une stratégie de fou pour essayer de gagner de l'argent. Ça me termine. On va investir dans une machine, mais avant, il faut une table de vente dans 400 simflouz. Ou alors, s'il y en a une, peut-être moins chère. Bon attends, vas-y, va te laver, ça va faire du linge sale. Voilà, est-ce que je peux pas rajouter un additif peut-être? Mêlée n'a pas d'additif pour le linge disponible à ajouter. Bon. Faites voir, table de vente. Ça coûte combien? Table de vente. 300. Ok, 300 c'est bien, ça coûte moins cher que l'autre. C'est nickel, et du coup 300, et il va falloir d'autres cordes à linge aussi. Voilà, pour qu'on puisse, pour que ça sèche en fait. Ou alors j'achète un putain de sèche-linge. Ça peut être bien aussi. Mon patron, comment ça toi tu travailles? Depuis quand tu travailles toi? Hop, démissionne. Tu lui dis que t'as trouvé un travail, tu es maintenant essoreuse de linge. Allez, c'est bon. Merde, j'ai annulé. Tu redémissionnes maintenant. Oui, monsieur, en fait, c'est que voilà, je me fais de l'argent en fouillant les poches de mes propres pantalons. Ouais. Oui, je vous expliquerai plus tard. Au revoir, monsieur. Voilà, nickel. Manger un repas rapide, céréales. C'est 500 le sèche-linge. Ok, on va investir dans le sèche-linge, ça séchera plus vite. Non, mais je suis d'accord, mais là, pour l'instant, en fait... Il faut que je trouve un moyen de faire de l'argent. Pour l'instant, le sèche-linge... Ouais, c'est vrai que... Non, mais je vais investir de fou dans les sèche-linges. C'est le début. Déjà, ce que je peux faire aussi, c'est acheter une poubelle. Mais je pense que ça... Non, j'achète rien. Là, il faut que je garde mon argent. Ok, tu vois, là, j'attends qu'une chose. Bah, en fait, il faudrait qu'il dorme. On va se laver en boucle pour fouiller des vêtements et acheter un deuxième lit. Vraiment, vraiment, vraiment. Là. Même un sac de couchage, c'est 130. Il me faut juste 130 qu'il puisse dormir à deux, là. Voilà. Allez, 130. Faire la lessive, non. Fouiller les poches. Les gars, 1h50. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que je pourrais avoir une promotion. Oui, vas-y, essaye. Quoi, il a une promotion, c'est ça, il est content? Ok, let's go. Je peux m'acheter un deuxième lit, normalement. Hop là. Parfait, vas-y, va dodo maintenant. Va dodo. Comme ça, le temps, il passe vite. On est bien, et ça sèche. Voilà, monsieur propre. Putain, monsieur propre, il est réveillé de fou. Vas-y, putain, il est mal à l'aise de tout. Quand les filles est terminé, le live continue. Hein. Normalement, non. Dimanche challenge, c'est next act, tu manques la terre entière. Vas-y les gars, je suis content là, je vois une remontada possible. Faut juste que mon linge sèche. Allez. Continue de dormir toi. Ou alors ils partent faire du bénévolat. Comme ça le linge il sèche de fou. Vas-y, ils vont partir faire du bénévolat en vrai. Allez, let's go. Loka, comment tu vas, Bing? Table de vente, c'est un peu dans tous les packs. Est-ce qu'elle est délicate? Jamais de la vie. Allez, vas-y. Déjà accepté pour monsieur propre, ils vont pas avoir ce point commun là quand même. Ok, lui il est sec. Ok. Attends, ok, les deux sont secs. Prendre le linge et le poser. Ok, vas-y. Elle fait ça. Prendre le linge et le poser. Parfait. Là tu touches à rien. On met ça là-dedans. Le linge à vendre. Elle est trop mal à l'aise. Elle est trop tendue. Lui aussi est trop tendu. J'ai un vélo. Ça tombe bien. Hop là, se promener. Super, t'as bien compris le principe de se promener, toi.
Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Niveau divertissement, tu reviens là, s'il te plaît. Ok. Voilà. Là, on s'occupe de la vente. Hop là. Pourquoi il veut pas, là? Putain, parce que c'est sale. Attends, et toi, pendant ce temps, tu fais la lessive. Pas de bassine disponible. Vider la lessive. Ok, attendez, attendez. Faut que je fasse ça en attendant. Clac, 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 clac. Faire la lessive. Putain, mais monsieur... Putain, mais ils se coordonnent trop, là. Ils sont très, très forts. S'occuper de la vente. Voilà. Commencer un vide-grenier. Augmenter les prix 300%. Ça coûte combien? On va voir, on va voir. Là, je vends du linge, putain, les gars. Ça, je pensais pas qu'on allait faire ça sur ce challenge, hein. Ok. Putain, elle a envie de pisser de ouf. Du coup, tu t'occupes pas de la vente? J'ai hâte d'avoir une maison avec des murs aussi. Genre que tu pisses, on voit pas tous les gens du marché qui te voient pisser, quoi. Allez, achetez, s'il vous plaît, achetez. Je suis dans la merde. 200 simflouz. Putain, les gars, c'est bien, c'est bien. Ajoutez un additif. De la nourriture. Les gars, j'ajoute un poisson combattant. C'est complètement con. Videz la lessive. Prendre et poser le linge. Ah mais c'est quoi poser comme ça? Mais il est sale du coup. Il est dégoûtant. Putain, c'est quoi cette merde? Faire la lessive. Laver dans la bassine. Putain, mais ça marche pas. Hein. Ça marche pas, c'est une mauvaise idée. Hein. Putain, un poisson combattant dedans, ça le rend dégueulasse. C'est étonnant quand même. Hein. Mets des feux d'artifice chez toi. J'avoue que j'ai pas trop envie d'investir dans les feux d'artifice là. Écoutez, on a 400 simflouz. Il y a une star carrément qui est venue nous acheter du linge. Il faudrait vraiment une poubelle et un lave-linge. Vous m'avez dit que ça coûtait 500. Bah écoutez, on va vraiment investir dans un lave-linge. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te prendre des douches toute ta vie. Hop là. En vrai, là, je pense que c'est le début où on est en train de galérer parce qu'on nous manque plein d'objets. Et il faut vraiment faire des choix pour chaque objet. J'essaye d'optimiser le truc pour faire les meilleurs choix. Mais on va arriver dans un moment où... À la fin, ça va vraiment être une usine, quoi. On va arriver, il va y avoir la machine à linge qui va sécher. Il va y en avoir 500. On va se faire 500. En vrai, je pense qu'on peut vraiment réussir. 5 piles de linge, c'est 1000 simflouz, les gars. Je pense que là, dans tout le challenge, on s'est fait à peine 1200 simflouz. Donc c'est ça qu'il faut réaliser, en fait. On a vraiment que dalle, quoi. Ok. Et toi, monsieur propre, pendant ce temps, tu fouilles. Fouille, fouille, fouille. Monsieur propre, toute sa vie, il est mal, par contre. J'ai l'impression que plus j'ai d'argent et plus je gagne d'argent aussi. C'est bizarre aussi, hein. 13, si tu vends les cordes à linge, tu peux acheter un sèche-linge. Ouais, mais c'est, ça reste quand même rentable de sécher en même temps, tu vois. En fait, il faut qu'il y ait plein d'options, c'est pas grave si lui ça sèche lentement. Vider, accrocher, vas-y, accroche, on perd pas de temps comme ça. Ok, sèche-linge les gars, c'est parti. C'est un investissement, j'espère que ça va marcher. Oh, je peux en avoir même deux. Non, vas-y, c'est le même prix. Nickel les gars. Et là, améliorer, putain, on pourrait les améliorer. On va changer l'eau et faire la lessive. Voilà. Et du coup, il faudrait aussi avoir une machine pour que ça lave plutôt que de le faire à la bassine de mort. Parce que là, c'est un peu compliqué aussi. C'est bien. Putain, les gars, on va y arriver. Tu fais de l'argent comment avec le linge? Soit en fouillant les poches, on trouve des simples dedans. Soit en nettoyant le linge, en faisant une pile de vêtements qu'on vend dans une table de vente vendue à 300%. C'est vraiment toute une histoire, quoi. C'est toute une histoire. Merci pour tous les follow. Maureen, Mary, Chloé, Emeline, Il, Stefoff, Miss, Gestani. Est-ce qu'elle aime les jeux vidéo? Oui. Ok. Merci Malinia, Améthyste, Marine. Merci beaucoup. Écoutez, ajouter un additif? Non. Prendre et poser le linge, vider. Mettre au sèche-linge, fais voir. Est-ce que ça va vite ou pas? Sécher le linge. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer, les gars. Première fois que je fais ça de ma vie, hein. Vraiment. C'est fou, hein. Vas-y, nettoie, prends-toi une douche. Fais un toit. Ouais, ouais, s'il pleut, c'est un peu problématique. Mais il pleut pas sur cette map, en vrai, c'est bien. D'habitude, je pète toujours un câble. C'est bien, toi, t'as compris que dormir dans un buisson, c'était bien, hein. Combien de temps ça va durer? Alika, qu'est-ce qu'il veut? T'as entendu la nouvelle? Ferme ta gueule. Ok, coucou monsieur propre, c'est ici pour faire briller mon cœur. Exactement, chez nous. Comment ça va, bébou? Prendre et amener le linge. Prendre et poser le linge. Ok, nickel, les gars. Là, on le pose. Oh, il est brillant. Est-ce que... Il coûte plus cher ou pas? Non, il est bien à 200 simflouz. Vend le buisson, non? En vrai, ouais. Il n'y a aucun intérêt de le garder. Écoutez, il faudrait une machine pour maintenant. Attends, on va changer l'eau. Hop là. Faire la lessive. Laver. Voilà. Non mais là, il va falloir maintenant avoir plusieurs trucs qui lavent le linge à fond, quoi. Nettoie le filtre. Ah ouais?
Nettoyer le filtre. Ok, c'est important. C'est bon, elle a fait ? Améliorer cycle rapide. Les gars, si je suis niveau 5 en compétence ce bricolage, je peux avoir un cycle rapide. Je pense qu'il va falloir les booster comme Jaja ces machines à linge et ces lessives. Vraiment, je pense qu'il va falloir faire une stratégie là. Ok, ok. Donc là, regardez, on va se tourner, ça va être pas mal. Ajouter un additif, non. Vider la lessive. Mettre au sèche-linge. Voilà, toi pendant ce temps, t'arrives. T'arrêtes de dormir. Hop, tu prends une douche. Vite, clac. Hop, tu fais la lessive. Mais avant, tu changes l'eau. Bam, change l'eau. Fouiller les poches. Faire la lessive. Attends, c'est déjà terminé. Putain, il a oublié d'appuyer sur sécher le linge. Si, Simflouze. C'est moi qui ai oublié, mais je pensais que ça se faisait tout seul. Aussi, si t'avais pas pris une porte hyper chère. C'est vrai qu'elle est chère de ouf, ma porte de merde, putain. Merci, Harley, The Queen. Il y a 2 Harley, merci beaucoup pour les follow. Merci, merci. Comment ça va? Ça va super pour ceux qui viennent d'arriver qui savent pas le principe du challenge. Le principe du challenge est très simple. Je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Voilà. Oh, ça c'est prendre et poser le linge. Ça c'est sec. Nickel. Il est pas aussi brillant que l'autre par contre. Prendre et poser le linge. Voilà. Faire la lessive. Accrocher. Là, prendre. Non, non, non. Prendre et poser. Là, c'est un truc de fou. Hop. Là les gars, c'est 600 simflouze. Je sais pas si on réalise. Et vite, putain mais... Vas-y, va dormir. Toi monsieur propre, réveille-toi là. T'es au meilleur de ta vie. Mais par contre, il est toujours mal. Genre le mec, il a la meilleure vie du monde, mais par contre, il est mal ce connard. C'est fou ça. Faire la lessive. Fouiller les poches. Faire la lessive. Change de porte d'entrée, ça serait abusé de faire ça. Attends, c'est qui est niveau, qui est le plus haut niveau en termes de bricolage là? 2 et elle, elle est niveau 3. Faut vraiment qu'elle aille bien et putain il faut ça. Pff, le linge est encore mouillé. De quoi lequel? Non il était pas mouillé. Non 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 c'est bon. Prendre et poser, non 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 c'est... à moins que je puisse mais... Attends pourquoi il est pas bien lui? Nettoyer le filtre? Oh, après vu l'endroit c'est un peu normal. Améliorer, ok là ajouter un additif. Vider, mettre au sèche-linge. Le principe du challenge est très simple, je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Voilà. Allez, dormez s'il vous plaît mes bebous. Fou. Ouais, faut que j'achète une poubelle. Oh les gars, elle est en train d'accoucher. Bonjour les gars, j'espère que tout le monde va bien. J'ai raté déjà un bon moment du live. Je me suis endormi à 15h et réveillé maintenant. Aïe. Sans dire que j'ai la tête complètement dans le... Je demande pas le principe du challenge, j'ai compris bon. En regardant pendant 5 minutes, en tout cas bon courage. Ouais c'est compliqué, boucle d'or, j'espère que tu vas bien. Et oui le principe du challenge c'est ça. Le principe du challenge est très simple, je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Pour l'instant les gars, pour ceux qui viennent d'arriver sur TikTok, parce que je vois qu'il y a pas mal de gens qui viennent d'arriver, il y a plusieurs méthodes d'avoir de l'argent dans ce putain de linge de mort. C'est soit tu fouilles, putain attends faut que je répare ça. Déjà faut putain mais elle est en train d'accoucher elle. Accouche, j'explique juste après. Vite, avoir un bébé à l'hôpital, comment on va l'appeler les gars? Non, mais pas l'hôpital! En vrai, si, ça va, c'est pas con parce qu'elle va être super bien. Non, c'est bien en fait, j'ai rien dit. Quand elle accouche à l'hôpital, tous ses besoins, ils sont de ouf. Et comment tu génères de l'argent avec le linge? Je vais tout vous montrer après, vous allez voir, c'est une usine. En vrai, j'en apprends, j'adore. Se présenter au bureau d'accueil. La meuf, elle est toute seule à l'hôpital, le mari, il est en train de dormir, monsieur propre, là, au calme. Vas-y, vite, expulse-le. Non, mais là, c'est très bien, regardez, nos besoins, ils sont au max du coup. Comment on l'appelle, les gars? Adoucissant, ouais. Le nord, ouais, effectivement, c'est pas mal aussi. On va voir. Ok, c'est un garçon, on va l'appeler Soupline. En vrai, Soupline, ouais, c'est pas mal. Voilà, Soupline. Propre. Voilà, bien sûr. Écoutez, j'ai qu'un garçon, on n'a pas de jumeaux ni rien, tant mieux. Apparemment, joyeuse. Ouais, let's go. Apparemment, c'est bien d'avoir des enfants parce qu'ils ont des couches changeables et tu vas pouvoir potentiellement les nettoyer, quoi. Enfin, et trouver des trucs dedans. Le tas de lingue avec la chemise marron en premier sur le table de vente est humide et donc mouillé. Ça arrive que le sèche-linge sèche mal le linge. Ah mais on s'en fout, dans tous les cas ça se vend 200. On s'en fout. Alors pour se faire de l'argent c'est très simple, l'enfant il attendra 2 minutes. Déjà le linge pour le générer il faut prendre des douches ou changer de tenue. Putain par contre les gars ma maison en vrai elle est belle hein. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est un enfer sur terre. C'est dégueu. Mais putain mais tout pète. Allez répare vite. Répare. Ah mais putain elle a retrouvé sa fatigue. Monsieur propre tu veux pas lâcher ta femme là? Voilà on répare. Oh attends non mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais attends il en a fait quoi du linge là? Il a pris le linge, qu'est-ce qu'il a fait? Prendre et poser le linge, pose-le par terre. Mais bordel.
Mais les gars, il me casse les couilles, il prend le linge et il disparaît le linge. Mais putain, il me baisse tout. Je suis en train de galérer à avoir du linge, ce connard, il le prend, il disparaît. C'est fou. Il me nique. Il faut vraiment que je désactive l'autonomie, mais... Faut que je fasse gaffe en fait. En fait, quand tu poses ton linge là, hop, prends déposer le linge. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Tu peux le vendre à 50 simflouz. Je vous rappelle que cette table, tu peux vendre des objets à 300% du prix. 300% de 50, ça fait 400. 200, pardon. Et donc, attendez. Là déjà... Non, vas-y, on fait ça juste après. Non, vas-y, si, on le fait maintenant. Vas-y, faut qu'on vende. S'occupe de la vente. Vas-y, commencez à vite grenier. On vend notre putain de linge de mort. Pendant ce temps, monsieur propre, tu vas faire la lessive. Voilà. Tu laves ton linge de mort. J'ai jamais vu autant utiliser ce pack de lessive. Ah bah ouais, mais je pensais pas l'utiliser un jour. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. C'est bon ou pas? Oh, le gosse, putain. Attends, une astuce pour le gosse. Ça, c'est ma petite astuce à moi. Hop. Ça va prendre deux petites secondes. Hein. Veuillez patienter. Hop, on va mettre dans un petit trou. Voilà. Ok. Hop, et là, le gosse dans le trou. Comment ça, tu rentres pas dans le trou, le gosse? Nom d'un caribou, ce coq vient dépenser la maudite somme. Nickel. Tout va bien. Voilà, allez, à bientôt le gosse. Juste là, j'ai besoin de me concentrer, d'être un petit peu qu'avec moi. Merci beaucoup d'avance. Faudra penser aux couches. Ça, faudra m'expliquer, les gars. Faudra m'expliquer le système des couches. Voilà, vas-y, force. Nettoie, par contre, il fait pas beau. Je vais mettre qu'il fait beau. C'est moi ou personne achète mon linge là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui pue? Il y en a, il brille carrément. Vous avez pas foutu de ma gueule? T'as besoin des couches du gosse. Est-ce que c'est les couches des nourrissons ou des bébés qu'il me faut? C'est horrible ce que tu fais, les gars. Y a rien d'horrible. C'est naturel, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai été éduqué. Voilà. Alika, petite question, on envisage de passer du temps. Je m'en fous de ta vie. Voilà, ça, du début, la première fois que je t'ai vu à maintenant, rien n'a changé, je sais pas pourquoi tu m'appelles. Vraiment, c'est une amitié à sens unique là. Commencez à vite grenier, vas-y, mais personne n'achète mon linge. Et putain, mais qu'est-ce que... Comment tu vas faire là? Et oui, tu peux pas t'occuper de l'enfant, voilà, tu viens de réaliser. Elle se dit, mais attends, mais il y a un trou là qui sépare mon enfant. Monsieur propre, tu vas poser le linge. Prendre et poser le linge. Ah, il a tout compris. Vas-y. Attends, mais il y a du linge ici là. Prendre et poser le linge. Dépêche-toi, monsieur propre. Non, mais vraiment, je me suis jamais vu. Je veux réussir ce challenge en fait, il est tellement dur. Et toi, c'est bon, tu t'occupes là? Pourquoi personne achète mon linge, les gars? Katharina, ça se voit, tu vas le prendre. Ça se voit, tu vas en prendre, j'ai vraiment besoin de cet argent là. Si personne ne l'achète, qu'est-ce que je fais? 200 simflouz, c'est bon. Lucas, les deux bébés et nourrissons. Ok, vas-y. Ok. Clique sur l'enfant. Ok. Dans besoin, tu devrais avoir utilisé des couches lavables. Utiliser des couches lavables. Changer. Non, c'est pas là. Soin du bébé. Utiliser des couches lavables. Et du coup, là, quand je le nettoie, genre monsieur propre, là, il va arriver, il va le nettoyer. Serré dans les bras. Attends. Changer d'âge, changer la couche sale. C'est à dire que là, oh il chie partout le bâtard. Oh c'est dégris. Ah oui c'est effectivement. Ah mais partez toi, genre ça fait péter un câble ces enfants. Je te jure, fouiller les poches. On simflouze, vas-y va dodo monsieur prof, je vois que t'es fatigué. Et toi, 200 simflouze, c'est bien putain. Ça fait juste un an que le pack est sorti. Non, beaucoup plus longtemps. Furax, merci beaucoup pour l'abonnement. Bienvenue. Merci. Vas-y, non, il est pas trop cher, j'ai l'impression. Lika. Non, mais j'ai l'impression que Letty, à chaque fois que tu m'appelles, c'est Lika. Merci Furax pour le follow et l'abonnement. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci pour tous les follows aussi. Merci beaucoup. C'est adorable. Hein. Écoutez. Vas-y, achetez s'il vous plaît. Ouais, ils sont un peu réticents à l'achat. Ouais, au moment où je dis ça. Ils sont réticents à l'achat, c'est abusé comme personne n'achète. Allez, personne n'achète, ah là là. Ok, bon, ça marche pas. Ok, si c'est bon. Ok, ça marche pas mon astuce là. J'essaie de faire de la psychologie inversée, ça marche pas. Vas-y, le dernier les gars, on a 1000 simflouz, on va pouvoir investir dans une maison de fou. Ah, ça fait plaisir, ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais, les gens qui suivent sur TikTok, en vrai, quand vous passez sur Twitch, la qualité est vraiment beaucoup mieux, forcément. Argumentaire de vente, c'est vrai que je le fais pas assez ça. Commencez à vite grenier, vas-y. Pendant ce temps, le gosse, est-ce qu'il va bien? Bah écoute, il râle pas, donc je pense que ça veut dire qu'il va bien. Change l'eau, fais une lessive. En fait, il faudrait une machine à laver maintenant.
Le temps par contre, je veux qu'il fasse beau. Ok, on a mis le Simflouz. On pourrait investir. Non, faut que j'investisse dans une poubelle en fait. Ça par contre, c'est un bout d'un moment. Voilà. La vérité, elle fait mal. Poubelle. Vas-y, 200 la poubelle. En fait, c'est une poubelle qui est à l'infini, celle-là. Moi, je la prends. Ok, machine à laver. Machine à laver. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Laver. Oh, vas-y, attends, je vais regarder. Je vais taper tout ce qu'il y a. Hop, afficher tout. Ce qu'il y a dans le pack. Lessive. Il n'y a pas une machine à laver, ça ? Lave-linge. Ok, c'est pour ça. Ça s'appelle lave-linge. Ok. Et je vais quand même prendre un panier, une bassine au cas où dedans. Voilà, c'est de l'investissement. Je pourrais investir dans des murs, hein, mais pour l'instant, c'est pas le cas, malheureusement. On n'a pas les moyens encore. Lessive. Attends, et lessive, du coup, est-ce que je peux avoir... Ah ouais, je peux mettre... Est-ce que vous pensez que d'acheter de la lessive, c'est bien? Genre... Ah non, mais c'est juste de la déco, je crois, ça. Ajouter un additif. Ajouter des fleurs. J'ajoute une rose dedans. C'est énorme, non? Il se tape des barres. Vas-y, faire la lessive. Mettre au lave-linge. Vas-y, attends, je vais essayer déjà. T'as compris, toi, où c'était le lave-linge? Ok, c'est bon. Laver le linge. Bip, bip. Toi, mêlé pendant ce temps, au lieu de parler à quelqu'un et me tromper là dans mon dos, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout nettoyer. Voilà, jette toutes les merdes. Parfait. Comme ça, au moins, Monsieur Propre, il se sentira mieux parce que là, il se sent pas bien. Voilà, ça aussi, là. Oh, nickel, putain. Monsieur Propre, il est au bout de sa vie. Oh! Les gars, il reste 1h30. Merci, Just Make Up, Tatou, Luxi, Choul, Lucifer, Marie. Marine, merci beaucoup. Justine Chaton, comment tu vas, Bing? Comment ça va? Comment ça va? Il vient d'où le linge avec le kit jour de lessive? Voilà, sinon on l'a pas, effectivement. Bon, Monsieur Propre, tu vas dodo. Voilà, toi, Mêlé, tu vas t'occuper du reste. Oh, les gars, le terrain est propre. C'est une première. J'aimerais trop acheter de la lumière. Ok, c'est ce que je vais faire tout de suite. J'en ai marre. Je vais acheter ça. Voilà, ça va être des spots qui vont voler, mais je m'en fous. Par contre, j'ai pas d'électricité ou quoi? Pourquoi y'a pas de lumière? Ah, voilà. Oh, la dinguerie. Ça va bien et toi? Ça va nickel, ça va nickel. Oh, je vois qu'il y a des gens qui demandent le code créateur. Bien sûr, hein, on se rappelle, hein, si jamais vous voulez acheter un pack Sims de votre choix, franchement, n'importe lequel, vous utilisez le code promo LUK et... Créateur Lucas, ça me soutient. Au lieu de donner 100% de votre argent à Yé, vous donnez 95,5% à moi. N'hésitez pas. Le code créateur. Alors on n'oublie pas de mettre le code créateur Lucas. Magnifique. Ça s'écrit Lucas. Magnifique. Voilà, au moins vous vous en rappelez, c'est énorme. C'est énorme, une petite piqûre de rappel vite fait, ça fait pas de mal. Bon, nickel, on va manger un morceau, nous. Voilà, notre gosse. En fait, c'est un peu chiant, les couches. Oh putain, avoir un enfant, je pense que c'est mettre un poids sur le dos. Et il va nous casser les couilles de ouf. Je suis pas sûr que ce soit rentable. Est-ce que c'est rentable d'avoir un gosse? Quoique, si je le fais grandir, c'est tranquille. Hein. Lucas en majuscule, ouais, Lucas en majuscule ou minuscule, à partir du moment où vous mettez code promo, que c'est bon, Lucas a été validé. C'est que c'est bon. Si c'est pas validé, ça vous dit c'est pas bon. C'est mieux sur Twitch. Eh ouais, de ouf. Bah ouais, vous pouvez mettre en horizontal, en vertical. Non, pas en vertical. Non, mais c'est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi sur TikTok, ils ont enlevé la fonctionnalité de mettre les lives en horizontaux. Et c'est très très chiant. Voilà. Bon, Mêlé, tu vas pisser. Monsieur Propre, il va s'occuper du gosse. Et là, les gars, le linge, j'en entends pas beaucoup parler là. Donc, on arrive. Vider la lessive, mettre au sèche-linge. Voilà. Sécher le linge. Voilà, ça on le met là-dedans. Nickel, nickel. Donc là, attendez, là on a lancé l'usine, je crois qu'on est parti. 1h30, boum. On arrive, ça. Faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Lâche ta douche là, c'est bon. Lave-linge. Oh le gosse, putain, ferme-la. Oh putain, laver le linge. Répare. Les gars, tant mieux qu'elle répare, elle va augmenter sa compétence bricolage à fond. Et je suis toujours en mini-maison, faut que j'en profite. Pourquoi je vois plus rien? Ah oui, parce qu'il fait jour. Ok, nettoyer le filtre, sécher le linge. Lâche le gosse, on s'en fout. Putain, mais il peut pas fermer sa gueule, ce gosse! Stop! Vas-y, change d'âge, les gars, j'en peux plus. Les gars, y'a rien de pire que les nouveaux bruits des nourrissons, quoi. C'est horrible, ce bruit. Soupline a grandi et elle est prudente. Ok, génial. Vider la lessive. Accroché à la corde à linge, voilà, nickel. Ça, faire la lessive. Dans la machine à laver.
Oh, ça... Avant, c'était agréable le bruit des enfants. C'est pas vrai. Maintenant, c'est encore pire qu'avant. C'est toujours le même bruit. Avant, c'était plein de variations de bruit. Maintenant, c'est... On peut pas envoyer de messages sur Twitch, c'est normal? Bah non, c'est pas normal. Est-ce que t'as un compte? Prendre et poser, vider, laver le linge. Voilà. Nickel. Écoutez, on va investir à fond. Hein. Prendre et poser le linge. Voilà. 200 simflouzes. Magnifique, non? Moi, je trouve ça magnifique, personnellement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire ça. Prendre une douche. Hop. On arrive, on fouille les poches. Et on va faire la lessive dans la bassine, vu qu'on a que ça à faire. Lâche ton gosse, putain. Oh, la corde à linge, elle a cassé. Vends le berceau. Ouais, mais le berceau, ça fait partie. Ça serait tricher, ça serait gagner de l'argent autrement qu'avec la lessive. Vider dans le sèche-linge. Voilà. Nettoyer le filtre et sécher le linge. Voilà. Attends, ici. Pourquoi je peux pas prendre de douche? Ah, parce qu'il y a un gosse, putain, il me fait chier lui. Vas-y, prends dans les bras. Hop, on va le mettre là-haut. Nickel. Poser soupline ici. Voilà, on va essayer de l'éloigner un peu. Au moins l'avantage, c'est qu'on peut faire ça. Nickel, il pleut, la pluie, ça me saoule. On l'arrête. Ah, ça a recassé. Bon, ben MLR répare. Hein. Ah mais c'est vrai que là, c'est sportif. Hein. En vrai, je pensais pas que le linge allait être si sportif. Je pensais que ça allait être répétitif, certes, mais pas sportif. Monsieur propre, toi, va prendre des douches. Putain, j'ai des factures et tout là. Ça cause à cause de la pluie. Ouais, là, c'est relou. Mais après, c'est pas dérangeant en soi. Ça, vider. Vider la lessive, mettre au sèche-linge. La casser. Vas-y, mêlée. Développe de ouf tes compétences. Niveau 4. Je crois que je peux les améliorer du coup, non? Améliorer. Cycle rapide, ça serait énorme. Fouiller les poches. Arrêtez de mettre votre bouffe partout là, bordel. Après, il y a l'autre con qui est mal à l'aise. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Ok, et là, vite, va le laver, faire la lessive, lave-linge. Oh, mais du coup, comment tu gagnes de l'argent? Je vais vous expliquer. Alors, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent. Soit, là, regarde, je vous montre. Arrête de t'occuper de ton gosse, stop! Je montre une explication. Soit, pour gagner de l'argent avec la lessive, on se prend une douche, il y a du linge qui tombe par terre, on fouille. Ok, on gagne des simflous, 31 là, c'est énorme ce que j'ai gagné. Il veut s'occuper de son gosse en boucle. Ensuite... Je fais, deuxième façon, c'est de laver dans la bassine ou dans une machine à linge, on s'en fout. On lave. Donc là, par exemple, réparer les appareils électroniques. Mais tu l'as pas, il est cassé. Allez, mêlée, tu vas réparer. Mais bordel, je sélectionne mêlée là. Répare. Et toi, monsieur propre, continue. Prends et poser le linge. Voilà. Et du coup, deuxième façon, c'est de sécher le linge, de le nettoyer et tout. J'ai une pile de vêtements. Cette pile de vêtements, ça se vend 50. À la table de vente, ça se vend 4 fois plus cher. Donc 200. Et donc voilà, c'est comme ça. Tu fais sous, ouais, c'est ça. Le principe du challenge est très simple. Je dois construire une maison en 3 heures qu'avec okay. La lessive et le linge. Laver le linge. Ah putain, mais c'était pas à laver du coup. Oh là là, j'ai hâte d'avoir un nouveau lit et tout là. C'est l'enfer sur terre. Oh les gars, il y a des papillons parce que j'avais mis des roses tout à l'heure. Imaginez, ça se vend plus cher parce que j'ai mis des roses. Ça serait un truc de fou, non? Ça serait un truc de ouf, du coup je ferais des cultures de roses. Changer l'eau, vas-y on va essayer quand même. Ah, vas-y, mais soupline les gars, il me saoule, je pense que le gosse on va l'abandonner. C'est pas méchant hein, c'est vraiment, j'adore cet enfant, de tout mon cœur, c'est vraiment un amour et tout. Mais là, là je commence à péter un câble, voilà. Mettre au sèche-linge. Ok, nettoyer le filtre, sèche-linge. Voilà, il me faut plusieurs sèche-linges là. Non pas soupline, ouais je vois ce que vous voulez dire, ça fait de la peine tout ça, tout ça. Moi aussi, hein, regardez à quel point je suis triste hein, de cette nouvelle. Je suis triste de fou et tout, mais bon, il faut savoir des fois faire des sacrifices dans la vie. Et là j'avoue que c'est mon bien-être avant tout. Après, faudrait que je change d'âge. Hein. Faire la lessive, laver dans une bassine. En fait, faut que je le fasse grandir. C'est ça. Mais putain, je se trompe de bassine, il y a une bassine, c'est une masterclass. Vas-y, je m'en fous, tu vas faire un autre linge. Voilà, hop, laver bassine, laver dans une bassine. Voilà, toi, monsieur propre, tu fais quoi là? Mais le sèche-linge, prends les poser le linge. Hop, voilà. On arrive. Là, c'est 200 simflous encore. Vider machine, sèche-linge. Voilà, hop, vite, tu refais la même. Petit truc, faire la lessive, machine. Hop là, laver le linge, nettoyer le filtre, sécher le linge. Allez, on est parti. Nickel. Ça, c'est bon ou pas? Vider, prendre et poser le linge. Attends, mais du coup là il est nickel ce truc ou pas? Tremper, sans bon. Faire la lessive,
En fait, faudrait réparer ça aussi. Mais les répare ça, s'il te plaît. Elle va devenir une professionnelle de la réparation, elle. Ok, putain, j'ai hâte d'avoir une maison parce que là, pour l'instant, les gars, ça fait 1h30, j'ai pas de maison. Hein. Enfin, si, c'est une maison, les gars, il y a une porte. En vrai, il y a une porte, moi j'appelle ça une maison. Ok, voyons voir. Fouiller les poches. Est-ce que j'ai des trucs bien dedans? 48, c'est vraiment pas mal. Et faire la lessive, accrocher la corde à linge. Vite, vite, vite. Voilà, utiliser. Et va dodo maintenant. Donc là, si lui il pouvait coûter plus cher, putain, le papa il va voir son gosse à vélo quoi. Le gosse il est tellement loin qu'il doit faire un petit trajet à vélo pour aller le retrouver. C'est folie quoi. Le gosse avait souple. Ouais. Ouais, 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 ouais. Putain, le gosse par contre lui il pue. Hein. Oh. Vas-y, ramène à l'intérieur. Viens mon grand. Viens mon grand, on va te faire grandir un petit peu. C'est papa, il abuse. Ouais, non, papa il fait le con, papa. Ok, est-ce qu'on peut pas fêter ton anniversaire vite fait là? Non? Non. En fait, faudrait une cuisine pour ça. Attends, c'est fini ça? Prends et poser le linge. Voilà. Ok. Prends et poser le linge. Non. Faire la lessive, mettre au sèche-linge. Oui. Sécher le linge. Voilà. Et ça. Hop, hop, hop. Faire la lessive. Non, pas dans une bassine, pas dans une bassine. Sèche-linge. Voilà. En fait, va falloir que j'ai plein de machines. Laver le linge. Les gars, il m'épuise ce challenge, genre c'est, il faut que je reste concentré, je veux y arriver, je vous rappelle, je dois avoir une maison d'une valeur de 20 000 simflouz. Il y a une connasse qui vient, j'ai l'impression qu'il casse la poubelle, je vais la fracasser. Il y a le gosse qui est en train de me casser les couilles, j'ai pas de cuisine, j'ai 500 000 trucs à vendre. Vite, réparer. Putain, mais ça pète tout le temps. Parce que il est frais, putain. Je peux pas le réparer encore. Enfin, je peux pas l'améliorer. Est-ce qu'elle n'a pas le bricolage? Forceuse, forceuse. T'as pas fouillé le linge, merde. C'est que là, j'oublie pas mal. Les gars, il faut que je vende le linge et que j'investisse. Dormir, s'il te plaît, le gosse. Dors. Fais comme papa, maman, dors. Faut t'enfermer. Le pack avec le vélo, je sais plus. Grandir ensemble, rajoute un vélo. Il y a pas mal de packs qui rajoutent des vélos. Je crois, le challenge, c'est ça. Le principe du challenge est très simple. Je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Voilà, vous savez tout. Et merci pour tous les subs et tout. Merci beaucoup, hein, sub, les follow, tout ça, quoi. À toi, c'est gratuit, ça t'évitera de casser les machines. Mais à la fois, ça me dérange pas qu'elle casse, comme ça, elle améliore sa compétence. Tu vois? Il y a un peu de contradiction. Divertissement. La plus belle scène, c'est vrai qu'on la bosse, hein, celle-là. Le vélo, monsieur propre. J'ai besoin de ton vélo pour mêler qu'il a besoin d'augmenter son divertissement. Voilà. Elle se barre. Reviens ici, s'il te plaît. Nickel. Hop, parfait. Mêler qui a divertissement, qui est nickel. Maintenant, il faut manger un repas rapide. Je vais manger des céréales. Miam, 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 les céréales, tout ça, on s'en fout. Ok. On jette pour pas être mal à l'aise. Et on améliore, on répare. Voilà. Quincess, comment tu vas, Bing? Soupline a faim. Ouais, mais malheureusement, voilà. Soupline va devoir attendre. Je suis malheureux, malheureux pour lui. Sécher le linge. Prendre et poser le linge. En fait, il me faudrait vraiment plusieurs machines. Ok, il faut que je vende. S'occuper de la vente. Commencez vite grenier. Là il faut que je réinvestisse les gars dans des trucs. Vite s'il vous plaît, achetez. Nickel, 200 simflouz. T'as bien toi, ça nickel. On galère sur le challenge, mais on va y arriver. Payer les factures. Poser le linge. Attends, en vrai ce linge là qu'elle avait. Sécher le linge. Mais attends, mais il est pas sec ce linge là? Prendre et poser le linge. Vite. Hop là. Allez, on va encore. Nickel. Ça, faire la lessive. Mettre au sèche-linge. Voilà. Nickel. Vite, on va faire une machine vite fait. Prends une douche. Hop là. Fouiller les poches. Faire la lessive. Putain, je fouille pas assez les poches. Ouais, les linges ici. Prends et poser le linge. Voilà. Nickel. Ah mais en vrai tu vois les cordes c'est pas dégueulasse aussi, ça peut être vraiment un truc où si j'en ai plein, en fait si ça coûtait pas cher ça serait une aubaine quoi. Là ça coûte très très cher quand même. Laver le linge. Ok. Par contre du coup s'occuper de la vente, commencer à vite grenier, peut-être qu'il est plus doué en vente qu'elle. Ouais le double bruit, j'ai hâte que ça devienne un enfant qui puisse nous aider en fait. Je pense qu'il pourra nous aider à lui, il va se laver, va falloir faire des pièces pour séparer aussi quand même. Bref, ça va être une organisation quoi. Ici changer l'eau. Changer l'eau. Attends, ça c'est quoi? Faire la lessive. Accrocher à la corde à linge. Vas-y, dépêche-toi, comme ça c'est fait.
Là on arrive, on pose le linge. Putain elle est épuisée les gars, il faut que j'achète un nouveau lit absolument. Ah vite dépêche-toi mêlée. Oh c'est dur. C'est dur. Hop là, nickel, prends une petite douche. En fait je pense que le fait de prendre la douche ça fait que tout le monde se barre. Faire la lessive, non pas dans une bassine, je fais que me tromper. Fouiller les poches, faire la lessive, mettre dans le sèche-linge. C'est infaisable en 3 heures. En vrai si, je pense qu'on va vraiment lancer un truc où là c'est dur parce que c'est entre guillemets le début, mais il va y avoir un truc. Laver le linge. Ok. Mais putain mais non il pète super vite hein, c'est une dinguerie, juste il pète. Là il pleut pas, y'a rien, c'est juste de la merde. Prendre et poser le linge. Non mais c'est propre là ou pas? Après est-ce que ça a besoin d'être propre en vrai? Je pense pas que c'est besoin d'être propre, juste sec. Je pense qu'on s'en bat les couilles non? Sécher le linge. Je pense que dans un monde on s'en fout que ce soit propre. Les gars, là j'ai 1200 simflouzes. C'est bon, il est temps d'améliorer un peu la maison là. Là y'en a marre. Déjà, juste avoir des murs. Juste des murs. Ça va coûter combien? 1600. Ok, on va réduire la taille. Déjà je vais vendre ça. En fait il faut une salle de bain avec où il y a les machines dedans. Donc voilà, la salle de bain genre ça va être ça. Qu'ils puissent se doucher et faire les machines tranquilles, tu vois. C'est 1600 le tour quoi. Non, c'est lunaire. Ok, au pire ici je sépare, tu vois, il y a une pièce comme ça c'est bien. Et je peux vendre ça comme ça, voilà, ça donne une impression de douche un peu fermée. Ok, on va mettre quand même une porte. Putain, la porte, c'est vrai que j'ai acheté une porte, elle coûte une couille. On va mettre une petite porte en bois, voilà, sympa, sympa. Le lit. On va agrandir ça comme ça. Et on va mettre le lit double ici. Le lit double. Hop là. Il va falloir aussi avoir un lit pour enfants. Le lit double, ça va, on en a des pas chers. Énergie 4. Le moins cher en lit double, c'est lui. On va prendre ça. Toi, dans la salle de bain. Ouais. Voilà. Et à la fois... Ouais, de ouf. Ok, on va mettre juste pour notre mental... Un sol. Voilà, qu'est-ce que nous propose le pack mariage, qui est un pack vraiment des plus appréciés de la communauté. Aucun. Voilà. Par contre, en mur, c'est pas aucun. Hein. Voilà. On va passer là-dessus. Nickel. Un petit sol, là, même une petite fondation. Ok. Un toit, ouais, on va essayer. Mais pour... Ouais. Oui, là, tu vois, j'arrive. Hop, j'arrive. Construit un plafond et on est bon. Alléluia, il y a un plafond. Même ici une lumière. On dit pas non. Ok. Voilà, un sol. Peut-être en bois, j'en sais rien. Non, peut-être ce bois là mais un peu plus foncé. Voilà. En fait non, ça serait plus du carrelage qu'il faudrait si j'ai envie d'une maison un peu provençale. Mais je sais pas quel carrelage mettre. Donc là, ça coûte cher en plus le carrelage. Oh putain de merde. Bon le mur de l'ancienne salle de bain. Ouais en vrai on est à ce niveau d'économie quoi. Fais voir. Carrelage horrible. Genre ce carrelage il est beau mais dans une cuisine ancienne quoi. Je visualise pas. Ou de la pierre. Ouais plus de la pierre en vrai. Il y a un truc à faire avec la pierre je pense. Il y a un truc à faire. Je sais pas quoi mettre, non. Je sais pas. Y'a rien qui me tape à l'œil là. Grandir ensemble. Vous pensez que grandir ensemble a un truc pas mal? Je vais voir. Grandir ensemble, Tiou Bébou. Ils sont tout en bas. Ah ouais, mais... Ça va pas bien rendre. Non, ça va pas bien. Enfin, j'aime pas en tout cas. Non, mais je pense qu'on va mettre en bois en attendant, juste histoire d'avoir autre chose que... Pff, ça va pas. En vrai, j'aime bien ce... Vas-y, histoire d'avoir juste autre chose. Pour l'instant, on fait juste ça pour pas avoir ce vieux sol de merde et avoir un sentiment d'évolution, parce que sinon, on n'évolue pas. Je vais juste mettre une fondation. Voilà, pareil. Ok, c'est bien, j'arrive à mettre la fondation sur cette merde. Déjà appliqué à une autre pièce. Ça coûte de l'argent ou quoi? Pourquoi je peux pas là? Bon ben voilà, ça je peux pas. Ou peut-être parce qu'il est... Comment il m'a sélectionné des toits là?
Vends la bassine du bébé. Le bébé, je peux pas, ça va me faire gagner de l'argent d'une autre manière que le linge. Et oui, on pousse le challenge à fond. Écoutez, ah putain, il me faut un frigo. En fait, faut que j'arrive à vendre. Déjà, Mêlée, réveille-toi et va dormir. Je t'en conjure, déjà, ça va te faire du bien. Dodo. Monsieur Prof, toi, tu manges. Ok. Pourquoi tu poses ça là, toi? Ça tourne ou pas? Ok, là, ici, faire la lessive. En fait, laver. Ces vêtements sont déjà propres. En fait, il faut juste un lave-linge, hein, je crois. Il va me falloir des milliards de lave-linge, je pense. La porte est immonde. On va la changer, vous inquiétez pas. Par pitié, change cette porte. Vous inquiétez pas, ça ira avec le futur style de la maison. Pour l'instant, on l'a pas encore. Mais voilà, c'est une maison provençale, ça va bien rendre. Mais là, pour l'instant, c'est au milieu. Là, j'ai d'autres chats à fouetter que de faire le design de la maison. Pour l'instant, il n'y a pas de peinture sur le mur de la douche. Ouais, 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 bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, va dodo aussi. Non, en vrai, il faut optimiser. Ok, hop, on arrive. Prends, déposer le linge. Voilà, clac, on vend. Très très bien. Bah là, si je vends ça, je peux m'acheter un autre sèche-linge. Et on peut voir si la stratégie, elle va marcher. Allez, le gosse, ça va. En fait, il me faut sèche-linge et frigo pour faire un gâteau. S'il vous plaît, achetez par contre. Je suis monsieur propre et je vous vends des vêtements. Ça devrait normalement vous taper à l'œil là. Allez, allez, on se dépêche. 200, c'est bien monsieur, bravo. Vite avant que je vais tomber de fatigue, madame. Je vais tomber de fatigue, achète, je t'en conjure. Faire un argumentaire de vente, je peux pas faire ça vite fait. Il se barre. Ouais, il faut le frigo, mais un sèche-linge en plus pour gagner. En fait, le sèche-linge va me permettre de gagner plus d'argent. Beaucoup plus rapidement. Ok. Putain, le gosse qui pleure là. Tu vends des vêtements trempés, c'est où que vous voyez? Enfin, si c'est trempé, c'est-à-dire que c'est énorme, hein. La porte est à l'envers. Bah en fait non, parce que chaque fois il rentrait à l'intérieur pour toquer. Et là depuis que je l'ai mis comme ça, il toque. Donc c'est que pour le jeu, ça c'est à l'endroit. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. S'occuper de la vente. Ok, vas-y, il me faut ça. Il y a des flaques, tu verras. Non mais genre là, imagine, je prends le linge. Prendre et poser le linge. Non mais attendez, je crois que j'ai vraiment... J'ai pas besoin de sèche-linge en fait, je crois. Si c'est le cas, c'est magnifique. Putain, mais acheter ce dernier truc, bordel. Ok, c'est bon, il fallait râler. Elle est toujours en tenue d'hôpital, ça c'est vraiment... d'hôpital, c'est toujours mon truc, hein. Attends, genre, prendre et poser. Genre là... Eh non, tu vois, il faut vraiment que ce soit sec. Fouiller les poches. Ouais, ouais. Ah, il faut. Non, non, ça marche pas. En fait, il y a une différence entre humide et humide. Attends, juste, faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Vite, dépêche. Dépêche, mon grand. Putain, le gosse, il me saoule. Non, vas-y, on va acheter un... De quoi le faire grandir, l'enfant, là. Et par contre, ça va dire lui acheter un lit et tout. Pff, l'enfer. Ok, vas-y. Putain, les gars, il reste 1h18. Le challenge, je pense que j'ai beau donner toute l'énergie du monde, ça va passer. Voilà, c'est ça que je dois dire. Ça va passer. Il faut du coup un four pour faire le gâteau. Oh, ça coûte si cher. Abandonne le gosse. Non, il va nous aider. Cuisine. Gâteau au chocolat. Vas-y. En fait, faut que tout le monde dorme. Le gosse, franchement, moi, je l'aurais abandonné. Hein. J'aurais pas fait chier. Tiens, allume le linge. Voilà. Ok, vas-y, donne tout. Putain, il va vraiment mourir. Hein. Ou alors, faut qu'elle augmente sa compétence. Faut que j'achète une bibliothèque et qu'elle lise à fond pour augmenter sa compétence. La cuisine va prendre feu. Non, tranquille. Oh, la gueule du gâteau au chocolat, quoi. Il dirait qu'il est moisi. C'est une folie. Médiocre, bah putain, j'ai pas besoin de me le dire, hein, je le vois. Bougie d'anniversaire. Allez, vite. Voilà, nickel. Aider à souffler les bougies du gosse con. Hop. Soupline, viens là. On dirait qu'il est périmé, ouais. C'est... Utiliser des œufs qui dataient, je crois, de 1930. Ici, hop, il est angélique, génial. Putain, c'est un bambin, va falloir remettre des bougies. En plus, il me coûte cher, ce gosse, bordel. Aider à souffler les bougies. Voilà, Soupline, tu viens. Je veux que tu sois un enfant, un gosse. Je veux plus que tu sois... 3 ans. Non, c'est bon, grandis maintenant. Grandis. Voilà, hop, tu es bien élevé. Super, créatif, bien sûr. Voilà, bravo. Bravo. Par contre, du coup, tu dors pas aujourd'hui. T'es en colère. Moi, je vais dodo. Non, par contre, tu vas te faire foutre, là, le gosse. Tu vas te faire foutre. Tu fais quoi? T'es en train de dormir n'importe où, là. J'aurais dû garder mes trucs. Attends, juste monsieur propre. Tu vas pas au lit tout de suite. Tu vas vider la lessive dans le sèche-linge. Hop là. Voilà. Et tu vas
sécher le linge. On nettoie pas le filtre, on s'en bat les couilles. Comment ça il a pris feu? Comment ça il a pris feu avec son sèche-linge de merde? C'est quoi ce bordel? Regardez tous ces vêtements de l'enfer! Le gosse, c'est mon putain de lit, d'accord? Papa et maman, ils travaillent pour ton bien-être! Alors maintenant, tu vas nous laisser dormir! Est-ce qu'il peut faire le linge au moins ou pas? Il peut même pas faire le linge, con. C'est abusé! C'est le filtre! Oh là là! Mais genre, à chaque lessive, il faut laver le filtre! Putain, avec le linge partout, là... Le gosse, vraiment, je peux plus te supporter. Voilà. Va falloir que tu grandisses plus vite, mon grand. Parce que là, papa, il te supporte plus. Et tu sais quoi? Tu vas souffler tes bougies, tout seul comme un grand, tu vas devenir un adulte maintenant. Voilà. Oui, tu as 4 ans. Oui, oui, oui. Et je m'en fous. Souffler les bougies. Voilà. C'est même pas souffler les bougies, le con. Voilà, nickel, il est soigné. Exactement. Oh là là, putain, les gars, fils de Monsieur Propre. Ah, mais c'est Monsieur Propre, en fait. C'est Monsieur Propre Propre Junior. C'est dingue. Bon, bah, écoutez. Faire vieillir un sim, on va sauvegarder, je crois que j'ai jamais sauvegardé une fois. Si le jeu il crash, je reviens, j'ai 0 simflouse et je commence sur l'interbide avec 0 simflouse sur l'interbide. Bon, mais les, t'as l'air d'aller beaucoup mieux. Hop là, faire pipi comme une championne. Oh. Écoutez, je pense que Melee, il faut absolument qu'elle devienne, qu'elle répare à fond et qu'elle améliore de ouf les machines à fond. Nettoyer le filtre. Hop là, sécher le linge. On est bon. Ça c'est quoi? Faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Voilà, laver le linge. Nickel, ça tourne, ça tourne. Tu vois là, c'est nickel. Putain, il me faut un toit, les gars. Il est où, monsieur propre propre? Il dort dans le lit. Putain, les gars, je crois que j'ai rarement eu une partie aussi chaotique, quand même. Hein. En vrai de vrai. Genre là, c'est... Regardez mon terrain, quoi. Regardez ma maison. C'est... Oui, il y a un trou derrière, c'était pour enterrer mon enfant, vous inquiétez pas. Ton étendoir. Putain, il pleut et du coup, ça sèche pas. Et oui, il faut que je le répare aussi. Ok, vas-y, vas-y, répare. Ils dorment sous la pluie et tout, quoi. Oh là 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 là. Après, c'est un mood, hein. Franchement, là, c'est de la ASMR hein, qu'on est en train de vivre. Prendre et poser. Ah, c'est pour ça qu'il est humide. C'est parce qu'il pleut sur le linge, en fait, je pense. Ah non, j'ai pas fait prendre et emmener. Non, prendre et poser. Voilà. Genre là, si je le mets là, le linge. Il était sec. Ouais, c'est ça, il devient trempé. Bon, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Faire la lessive. Mettre dans la machine. Pas de lave-linge. Vider. Sèche-linge. Voilà, nettoyer le filtre, sèche-linge. On fait pas la même erreur hein, du coup, je savais pas, pour moi c'était juste pour la propreté de laver le filtre, visiblement non ça fout le feu. Faites attention à chez vous, mettre dans le lave-linge, voilà. Et laver le linge. Nickel, on pense aussi à fouiller, là, je pense pas trop à fouiller les poches là. Putain mais y a des vêtements, y a des verres et tout hein, dedans, c'est... Pitié à toi, je suis assez d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Récupère les pièces dans le déchet pour le bricolage. Oui. C'est vrai. Ah, c'est propre. Propre. Bah, ok, amen, amen. Ok. Nickel. Oh, le linge partout. Putain, les gars, je peux mourir. Ok. Ici. Hop, vider. Mettre au sèche-linge. Pourquoi t'as pas de facture à payer? Parce que j'ai déjà payé, je crois. Je les ai payés tout à l'heure, c'était que dalle. Nettoyer le filtre, sécher le linge. Voilà, toi dors hein, quitte à dormir, dors. Quitte à prendre une place sur le lit. Toi va dormir aussi, Mélé, s'il te plaît. Vas-y, non mais je vais mettre la météo. Oh. Ah putain, la maison. Vous imaginez un jour on a une vraie maison. Genre un vrai truc par exemple où... Non vas-y, c'est trop imaginé là. Là je deviens trop imaginatif, c'est abusé. Faire la lessive accrocher. Mais ça veut dire que je peux quand même l'accrocher le linge sale. En fait, c'est ça la stratégie, je pense, qu'il faut viser. C'est qu'il faut accrocher le linge sale sur ces merdes. Et on s'en fout, on en prend plein, 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 plein. Chaque pile de vêtements, c'est une corde à linge. Et là, Melee, par contre, vraiment, il faut que tu ailles te faire foutre. Je sais pas pourquoi tu te lèves tout le temps alors que t'as sommeil. Dors, quoi. Dors, Melee. C'est fou, cette histoire. Bon, on va s'acheter un autre sac de couchage. Je sais, c'est temporaire. J'ai l'impression de revenir en arrière. Mais c'est vraiment pour que tout le monde puisse dormir. Et avoir le sentiment d'avancer. Voilà. Pff, comme ça les gens, ils dorment. Oh là là, ça fait du bien de voir la jauge dormir. Tu perds là la thune quand ils en prennent plusieurs tas. Oui, en vrai, ouais. Non, 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 non. Ah, tu vois, Lucas, d'habitude, tes dimanches à l'année, je me donne envie d'essayer. Mais là, pas du tout. C'est bizarre, hein.
Ton frigo, oui les gars, je vais les réparer, mais il faut, j'ai envie en fait qu'elles soient en forme pour réparer les trucs, parce que quand elles sont pas en forme, du coup leurs compétences se développent beaucoup moins vite. Donc j'essaye de faire les choses dans l'ordre. Là tu vois, elle est tendue de ouf et tout. Voilà, il faut qu'elle mange. Niveau social, ça serait bien qu'il ken un petit peu, limite, tu vois. Genre hop, allez on se réveille. Hop, on se réveille. Allez ken un coup là, niveau social et niveau divertissement, ça va être super. Voilà. Voilà, parfait, parfait. Ils échangent pas mal de petites histoires sociales dedans. C'est bien hein, le gosse, tu vois comment t'as été conçu, c'est cool. Pas de soucis. Bon, elle est bien, elle est contente. Répare maintenant. Répare, ça serait bien que t'aimes réparer les trucs là. Allez, réparer. Allez, allez, on répare, t'es heureuse. Putain, let's go. Ne te trompe pas de choses. Non, ça devrait aller, même s'ils se ressemblent de ouf. Putain, la maison les gars, c'est... ils sont en tailleur sur un truc au hasard quoi. Ils parlent, non mais vas-y même les... Vas-y, tu sais quoi, ça sert à quelque chose, nettoie un peu. Nettoie toi le gosse. Nettoie le gosse, tu fais quoi là? Jette. Voilà. Ok, toi Mélé, ce que tu vas faire c'est améliorer. Trempage, c'est quoi? Le cycle avec trempage prend un peu plus de temps mais augmente vos chances de lave linge et nettoie parfaitement vos vêtements. Je m'en fous. Cycle rapide, faut que ce soit... Mélé a besoin. Bac additif, tambour. Silencieux, on s'en fout de ça non? Bon, faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Voilà, laver le linge. Nickel. Prendre et poser le linge. Ah. Voilà. Monsieur Prop, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire pipi. Et en fait, ce qui est dur avec ce challenge, c'est qu'il faut une concentration absolue, sinon tu rates tout. Et ça devient de pire en pire. Commencez à vite grenier. En tout cas, je pensais gagner un peu plus d'argent de base. Je vous avoue que tu peux dire qui est qui entre le père. Bah, ça, c'est le père. Et ça, c'est le fils. Le fils qui a l'air un peu plus vénère, par contre. Zoï, il en a par-dessus le coquelicot, quoi. Ok, vider la lessive, mettre au sèche-linge. Est-ce qu'il aime le fitness? Je sais pas ce que t'as fait pour aimer le fitness, mais oui, on va dire. Ok, nettoyer le filtre. Sécher linge. Non, mais elle ramène le truc de cuisine ici. Ça n'a aucun sens! Ok. Attends, du coup, toi, vite là. Ça. Prends et poser le linge. Ok. Putain, il sent bon. Est-ce qu'il coûte plus cher du coup, vu qu'il sent bon? En vrai? Non. En fait, que ça change rien. Mais du coup, tout à l'heure, attends, c'était quoi l'astuce que j'avais avec le linge? C'est que je peux déposer tout le linge ici. Prends et poser le linge, ça marche pas. En fait, faudrait que non, mais je sais pas. Qu'il y ait des machines à... Ah oui, attends, c'est que je peux étendre même s'il est sale. C'est ça l'astuce. Moi, j'ai zéro simflouze. Non, les gars, il vient de me baiser. Il vient de récupérer le linge. Et pourquoi quand il récupère le linge, il disparaît, genre... J'ai un truc qui peut me donner 200 simflouze, il le jette dans le néant. Qu'est-ce qu'il fait? Et il est même pas dans l'inventaire du foyer, en plus. Genre, juste, il disparaît total. Ça me dégoûte. Pourquoi il a tout ça, par contre? Faire la lessive... Ses vêtements sont déjà secs. Fouiller les poches, mais je comprends pas alors s'ils sont secs. Qu'est-ce que je dois faire avec? Pourquoi je peux pas les plier? Faire la lessive, laver dans une bassine. Genre là, ce que je peux faire, c'est hop, j'arrive, vider la bassine, accrocher. Il rentre dans l'armoire en fait. C'est trop chiant. C'est trop chiant, c'est trop chiant. Toi, vas-y, répare un truc là. L'objectif, c'est de faire... Non mais attends, mais il y a une fête dans les chiottes ou quoi? C'est quoi le bordel? Tu peux pas vendre tes pièces détachées? Non, non, je peux pas. Les pièces détachées, en plus, ça va être utile pour l'amélioration. Je sais pas pourquoi il y a une fête, là. Écoute, le gosse, vu que tu sers à rien, il est trop mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Oh, petit chou, la maison, elle pue. Non, vas-y, il lui faudrait un vélo à lui aussi. Hop là, tiens, tiens, amuse-toi un peu, là. Toi, tu peux pas ken pour t'amuser. Vas-y, faire une promenade. Ton linge est sur la machine à laver. Ouais, c'est bon, je l'ai récupéré. Mais c'était pas lui, je crois, hein. Vas-y, reviens ici. Vite, vite, vite. Mais pourquoi il part à l'opposé comme ça? Voilà, occupe-toi de la vente maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? T'es trop mal à l'aise encore, mais t'es chiant! Putain, mais je vais te tuer, mon enfant, je vais te tuer! Tu es inutile! C'est terrible d'être aussi inutile que ça. Pourquoi il y a de la bouffe ici encore? C'est trop. Il y a du linge mouillé en vente. Ouais, mais c'est pas grave, ça coûte toujours 200, ça c'est pas grave du tout. C'est parce qu'il prend la pluie en fait. Vas-y, va repleuvoir, je veux pas qu'il repleuve. Pourquoi il y a du monde? Je sais pas pourquoi il y a du monde. Ok, 200 simflouz, on se ressort un peu de la merde. Allez, allez.
Je me dis vraiment. Ok, en vrai, j'ai une strat, les gars. J'ai une strat, c'est peut-être une strat de barbare. Je réfléchis. Là, je pense que j'ai une bonne strat. C'est chaotique, j'adore. Personne n'est inutile. Ouais, ouais. Ce que je dirais, c'est mon gosse, il arrivait à vendre, quoi. Vas-y, vas-y, il arrive pas à vendre. Attends, soit la strat, c'est de... En fait... Ok, j'ai une strat. J'ai une strat. Je pense que c'est pas une strat de merde. On va voir, à réfléchir. Non, le gosse, il va servir. En fait, de base, on m'avait dit que quand je fouillais les vêtements, plus j'avais de monde et plus je gagnais d'argent. Et j'ai pas l'impression que ce soit vrai. J'ai pas l'impression que ce soit vrai du tout. Après, peut-être que c'est vrai, mais j'ai pas eu l'occasion. Si tu crées un groupe qui lave le linge, ça existe ou pas? C'est possible? Si on crée un groupe... les lingards. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas d'autre sens de ce mot. Ici, hop, il y a vraiment divertissement à laver le linge. Loisirs, nourriture. Merci pour tous les follow, les gars, merci beaucoup. Merci. Social, non. Extérieur, creuser, pêcher, nager, faire de la randonnée, enterrer, errer dans le labyrinthe, creuser. Non, je pense pas, hein. Activité d'intérieur, vous aurez plus ça d'intérieur? Nettoyer, essayer d'être tenu dormir. Non, y a pas. Ok. Non mais en vrai, j'ai une strat. Je vends tout ça et je vous montre la strat. Vous allez voir, ça va être de la folie, je pense. Mais juste, faudrait que mon enfant, il soit. Voilà. Visiblement, il fera pas commercial dans sa vie. Hein. Il arrive pas à vendre des vêtements. Et là, il est trop mal à l'aise, c'est ça. Bon, maman va s'en occuper. Elle est plus forte. Hein. Voilà, j'ai un appel. C'est le directeur. On s'en fout. Mêlée, s'il te plaît. T'es bloqué aux chiottes ou quoi? Elle est bloquée aux chiottes. Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais Mêlée, les gars, elle est en lévitation sur le linge, elle est en train de vivre quelque chose de fou là. C'est le linge est en train de soulever Mêlée, les gars. Une métaphore assez brusquante. Allez, on va y arriver, j'ai une stratégie, ça va être complètement fou. Déjà, monsieur Pro, vas-y, fais ton petit pissou. Là, je vais avoir plein de ventes, ça va être super, vous allez voir. Nettoyer le filtre. Et comment ça, il est pas lavé, lui? Sécher le linge. Allez, vite, sèche le linge. Putain, le gosse! Sèche le large! Putain, mais c'est parce qu'il prend une douche! Je vais le tuer, cet enfant! Oh, c'est bon. Faire les lessives. Enjôleur avec les toilettes. Ouais, bah, je comprends. Hein. Je comprends. Vas-y, Mêlée. Vends, s'il te plaît. Non, en vrai, j'ai une strat de fou. Tue-le. Mais j'aimerais bien le tuer, mais bon. On va pas tuer un adoucisseur, quoi. Ça serait aberrant. Après, j'avoue qu'il sert à rien. Et si on peut, il va avoir une utilité à un moment, je regretterai pas. Je vais vous dire, oh les gars, c'est fou comment je regrette pas. Il reste quasiment bientôt moins d'une heure. On est parti. T'es pas trop mal à l'aise, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est les poubelles. Les poubelles, ça vous met mal à l'aise. Ok, c'est bon, les enjôleuses, occupe-toi de la vente. Allez, il faut 1000 simflouz. Avec 1000 simflouz, les gars, je vais devenir riche. Déjà, regardez tout ce que je vends. Mets-le dans le trou, je pense que je vais le mettre dans le trou. Attends, mais regarde, là il est à côté et il va prendre et poser le linge. Non, tu vas faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Mais attends, mais ça va pas laver ça? Lave le linge, pourquoi il sort et il baille, il montre qu'il a sommeil? Ok. Les gars, personne n'est intéressé par mon linge, je sais pas quoi faire. Après, ils vont être tristes, tu pourras rien faire s'il meurt. Ouais, mais si je le tue, ils vont pas être tristes, tu vois. Ils vont être contents justement. Comment ça, vide-grenier? Est-ce que t'es pas trop mal à l'aise pour t'occuper de la vente? Non. S'il vous plaît. Ayez pitié, regardez ma maison. Je sais que le linge, il est un peu cher. 200 euros. Mais c'est une pile de regarder. Il y a combien de t-shirts? Il y en a 6. C'est une aubaine. S'il vous plaît. Madame la star, vous avez beaucoup d'argent, je vous en foutais. C'est du luxe, hein, vraiment, c'est du luxe. Oh. Je suis lessivé, les gars. Vas-y, on va y arriver. On va y arriver. Lessivé. Bon. Écoutez, non, ça veut pas vendre. Ça veut pas vendre. On va dodo. On va se faire une grosse session nuit un petit peu. Voilà. On va bien dormir. C'est pour ça, tu vois, je supporte pas le linge. Tu prends une douche, t'as du linge. Tu vas dormir, t'as du linge. Tu fais caca, t'as du linge. C'est bon, quoi. Mais ton linge, il pue. Ça, on s'en fout qu'il pue. Normalement, ils acceptent, tu sais, c'est des pigeons, hein, les clients. Ils réfléchissent avec leur cul. Vas-y,
Prendre et poser le linge, non. Allez, vider la lessive, mettre au sèche-linge. Voilà, et... Soupline. Je pense que vraiment, encore un truc Soupline, et je te prends et je te soulève tes grands morts. Voilà, qu'on soit très très clair Soupline. Amicalement bien entendu, mais là... Ce linge est propre, humide. Vider la lessive, mettre au sèche-linge. Ok. Nettoyer le filtre, sécher le linge. Hop, ça, on arrive. Mettre dans le lave-linge. Putain, elle prend tout, elle prend tout. J'en pouvais plus les gars, j'en pouvais plus de ce gosse. Pire erreur. J'aurais dû l'appeler erreur ou préservatif troué. Je sais pas comment j'aurais dû l'appeler, mais j'aurais dû l'appeler quelque... Voilà, un truc comme ça. Oh bordel. C'est... Non, là il était saoulant. Là il était saoulant. Bonne continuation en tout cas. Voilà, au revoir. Oh putain. Non, c'est bon, c'est trop. Et imagine si c'était monsieur propre. Non, ça va. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas appeler la police? Arrête tes conneries un peu là. Arrête. C'est, il est effrayé parce que sa femme a pris l'initiative de tuer son fils. Stop. C'est bon, arrête tes conneries. Mais arrête d'appeler la police. On va te tuer à force. À faire pipi, passe à autre chose. Ta femme elle a fait le bon choix, tu t'en rends pas compte encore. Ok, c'est bon. Oh là là, bon c'est, en vrai c'est dommage. C'est dommage. On l'a vite perdu ce petit enfant. Mais au moins voilà, on est de retour en couple, en amoureux, avec quelqu'un d'un peu moins casse-couille. Il était là tout le temps. Oui, mais je suis aux toilettes, tu peux pas venir. Oui, mais je suis en train de prendre ma douche, je peux pas venir. Oui, mais en fait, je fais rien du. Voilà. Vider la lessive, prendre et poser le linge. Attendez. Accrocher la corde à linge. Allez, si tu veux. Boum, boum, boum. Voilà. Prendre et amener le linge. Non. Prendre et poser le linge. Sinon, je perds l'argent. Ok. On est bon, niveau divertissement, faites crac crac. Comme ça au moins faire un bébé. Non. On a déjà fait l'erreur. On va pas la refaire, hein, je te le dis moi. Allez, petit crac crac. En vrai ça va être pas mal. Si t'as un deuxième, appelle-le Mindou. Non, t'as tué ton enfant. Oui bah si on peut appeler ça un enfant hein. Fouiller, j'appelle ça un casse-couille. Surtout hein. Voilà, hop, faire une lessive. Laver dans la machine à laver. Allez, on est bon. Nickel, laver le linge. Non mais la vie, en vrai on n'est pas plus serein depuis qu'il y a plus cet enfant. Il me faisait perdre un temps de fou en fait hein. C'était faire la lessive, est-ce que je peux pas l'accrocher? En fait regardez, je vais vous montrer mon astuce. Elle va vendre ses trucs. Et ensuite on est parti hein. Vous allez voir ça va être aberrant à quel point on va se faire de l'argent. On va échanger pour que elle développe ses compétences. Vas-y tu arrêtes, le jour où ça pète pas ces trucs. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vais changer de stratégie. Hop, le vide-grenier, tu arrêtes, c'est toi qui te lance là-dedans. Elle est trop mal à l'aise pour ça. Allez, tu vas manger. Ils vont cuisiner le repas qu'ils avaient déposé ici il y a 1000 ans. Voilà, c'est pas trop tard, hein. Ok. Les gars, je l'ai pas tué que parce qu'il a pris une douche. Je l'ai tué parce qu'il a pris une douche. Et parce que aussi, il voulait tout le temps aller pisser et me saouler. Surtout me saouler, en fait. Ça, on oublie, hein. On oublie. Lucas, tu as un problème. Je pense vraiment que tu regardes le live au lieu de partir aux toilettes parce que tu as la diarrhée. Je pense vraiment que tu me comprendrais. Et je pense que tu aurais voulu sa mort aussi. Donc forcément, c'est facile de donner son avis quand on est extérieur à la situation. Tu comprends. Ici, voyons voir. Hop là, vider, mettre au sèche-linge. Voilà. Nickel. Et nettoyer le filtre, sécher le linge. Nickel. Améliorer trempage. Vas-y, on s'en fout. Faire la lessive, laver dans la machine. Voilà, hop, laver le linge, nickel. Ça vous dirait d'arriver à vendre ou pas? J'ai l'impression que ce linge, ça fait 1000 ans qu'il est en vente. Par contre, pourquoi tu t'occupes pas de la vente, toi? Ok, vas-y, il faut que je sois avec lui. Monsieur, attends, je vais essayer de faire des argumentaires de vente. Ok, bon, lui, il est pas intéressé. Alors, c'est un linge qui a été porté et pas lavé, effectivement. Effectivement, il y a beaucoup de sueur de couilles dans ce linge. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je le mets en vente. Non, ça vous intéresse pas. Faire un argumentaire de vente.
Non, la sueur de couilles, ça vous intéresse? Non? Ok, écoutez, regardez ces petites chemises. Magnifique, non? Parfait pour l'été. Pour la playa. Ah, voilà, la sueur de couilles, ça a plu. Allez, on continue. Voilà, 200, très très bien. Ici. Franchement, c'est pas moi qui étais à deux doigts de chier dans un bol, mais qui devait faire ramasser la petite cuillère, donc par la maman. Ça, par contre, c'est jamais ce qu'on a dit hier. Je pense que tu déformes un petit peu les propos. Je t'invite à regarder effectivement la conversation. Ramasse la petite cuillère. C'est quoi ce bruit? Jour de l'amour. Attends. Ah, mais là, je peux pas vendre. En fait, je cherche les argumentaires de vente, mais c'est pas possible. Ok. Petit argumentaire de vente peut-être, monsieur, argumentaire de vente. Voilà. Putain, let's go les gars, on se fait de l'argent. Merci Savonette pour l'abonnement offert à MC Crazy. Merci beaucoup. Allez, plus que de linge, c'est bon. Attends, elle fait quoi? Elle lance la machine, c'est malin. Hop là, elle va l'étendre. Génial. Pour une fois qu'elle est efficace, bordel. Ok, les gars, yes, de l'argent. Et là, j'ai envie de tout péter, putain. Elle a fait se téléporter, j'en peux plus. À chaque fois qu'ils ont du linge, ils le mettent dans leur cul. Je sais pas ce qu'ils font avec ce linge. Patapout, comment tu vas bien? Dark, Nessu, comment tu vas bien? Écoutez, il est temps de faire place au plan ultime. Ah, c'est bien, ça s'est cassé. C'est-à-dire que mon linge s'est cassé aussi? Il y avait du linge dessus, je me rappelle plus. Ok les gars, le plan ultime, je sais pas du tout. Vas-y, je vais boire. Je sais pas du tout si ça va être une bonne astuce, mais vous savez quoi, on n'a qu'une vie, il faut essayer. C'est parti, déjà ça je vais le vendre, d'accord? Ça, je le jette à côté de la poubelle. Mon plan, ma stratégie, ça va être ça. Il faut quand même un passage. Voilà. Ça peut paraître assez fou. Mais vous allez voir l'astuce de fou. Donc là, il va falloir même optimiser peut-être un peu plus rapidement. Donc c'est-à-dire que cette petite pièce-là, on va la fermer cette pièce. Hop, je vais la déplacer ici. Fonds insuffisant. Fonds insuffisant pour déplacer quelque chose que j'ai déjà payé. C'est ça? Là, j'ai un peu du mal à comprendre. Je comprends pas. Comment ça, fonds insuffisant? Bon, c'est pas grave. Ma stratégie est la suivante. Je vais me prendre une petite douche. Non, au pire, là, je peux aller au lit maintenant, ça marche. Voilà, va dodo. Toujours triste de la mort de leur fils, c'est marrant quand même. Faire une sieste. Est-ce que si je fais une sieste, c'est pareil le linge? Non? Ok, dormir. Ça marche ou pas? Non, en fait, il faut qu'il change de tenue. D'accord. Bon, on va rester sur la douche, c'est mieux. Prends une douche. Ah, j'ai fermé la pièce. J'avais oublié ce détail de la rouvrir. Putain, j'espère que ma stratégie elle va marcher parce que sinon je suis finito. Hein. Sinon je suis vraiment finito. Prends une douche. Ouh, allez, on se concentre. Donc là j'arrive, ok. Là, faire la lessive, laver dans une bassine. En fait, faut pas qu'elle prenne tout, mais elle va tout prendre parce qu'elle est chiante. Hop, on arrive, on lâche la bassine, vider, accorder, accrocher. Voilà. C'est pour ça qu'il faudrait que la douche elle soit à côté en fait. Je vais utiliser une strat. Voilà, hop, on va déplacer la douche, on va la mettre là, voilà c'est ça. Vous allez voir, regardez, hop, donc là l'astuce c'est, je prends une douche. Vite s'il te plaît, dépêche-toi. Quoi? Tu peux pas y aller? Oh elle est relou. Tiens, voilà, là, c'est mieux. Prends une douche. Mais qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi le problème? Attends, mais elle a l'air un peu décalée là, non? C'est ça le problème? Elle est en lévitation. Et pourquoi elle est en lévitation? Pourquoi elle a une douche lévitante? Je connaissais pas ce concept de douche lévitante. Je comprends pas là. C'est bon? Je sais pas pourquoi la douche flottait genre. C'est bon? Allez, c'est bon. Donc là on arrive, bam bam, faire la lessive dans un bac, dans une bassine, boum. On arrive, vider la lessive. La lessive, putain, je sais pas parler, c'est dagri. Et voilà, on fait ça partout. Hop, 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 faire la lessive. Voilà, vider, corde à linge. Mais vas-y, va pisser que là t'es au bout de ta vie, putain. Mais tu sais quoi, pisse-toi dessus, hein, ça ira plus vite. Hein.
Franchement, monsieur propre, casse-toi, t'es en train de déranger ta femme pour qu'elle aille pisser. Mais mieux réparer en fait. Tu peux pas vendre le sac de couchage. Si, je vais le vendre, mais là c'est pas une... Genre, je suis pas en mode... Vas-y, faut absolument le vendre, sinon je suis dans la merde. Là, vraiment, j'ai pas besoin de ces 206 flouzes. Ok. Vas-y. Ok, on continue. Au pire, monsieur propre, tu vas continuer, ta femme va dormir, elle est au bout de sa vie. Allez, monsieur propre, toi t'es en plus, t'es en forme, t'es trop heureux là. Monsieur propre, bouge ton cul, lâche ton téléphone. Voilà, faire la lessive, boum boum, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il a récupéré la lessive de sa femme, pour ça. Hop, vider, corde à linge. Douche. Hop, faire la lessive. Vider, corde à linge. Vous comprenez un peu la stratégie ou pas? Parce que là, je sais pas si on réalise que quand tout ça sera sec, ça va être 200 simflouzes. Et je pense que c'est la meilleure stratégie pour qu'on puisse en avoir beaucoup. Et surtout, l'autre, c'est une organisation de fou. Sèche-linge, lave-linge, le démarrer, mettre le truc pour nettoyer, faire ça, le placer. Oh putain, tu vois, c'est en boucle et c'est super long au final. Alors, certainement, dans une game normale, c'est mieux. Mais là... Je jouerai jamais avec le linge. Alors moi je pensais que ce challenge allait me changer un peu ma façon de voir le linge. Finalement oui, effectivement là je suis traumatisé. Effectivement le trauma est bien présent. Prends une douche. Allez, encore un dernier truc, faut juste éviter la pluie en fait hein. Voilà. Et je me dis plus on en a, plus ça sèche et mieux c'est. Voilà. Et là du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut dormir, le temps passe vite. On évite la pluie à 100%. Voilà. Voilà, putain, je vois que du linge, quoi. Je sens l'odeur de là. C'est quoi le jeu? C'est GTA 6. Ouais, ça sèche bien. Allez, nickel. Je suis parti un moment. Où est Soupline? Il est mort. On l'a enterré au final. Hein. On sait un peu ce qui s'est passé. Ok, faire du bénévolat. Ok, vas-y, on fait du bénévolat. Comme ça, il se barre et le linge, il sèche. Voilà. La pluie, elle arrive là. Non, mais vas-y, le temps, il change comme ça. On se croirait à Toulouse. Ok, nickel. L'avantage au bénévolat, c'est qu'il mange, juste il fatigue. Ça y est, le linge, il est en train de sécher, regardez. Là, il sèche. Ça y est, je crois que le linge est quasiment tout sec. Donc là, on arrive, prendre et poser le linge. Voilà, pose-le par terre, c'est mieux. Prendre et poser le linge. Ok. Voilà. Pose-le par terre, putain, il me fait chier à faire des allers-retours. Prendre et poser le linge. Ok. Timmy pour le bénévolat, non c'est quoi? Ah oui, pour que ça dure le temps. En fait ça j'aime pas. En fait j'aime pas installer des mods qui au final facilitent le jeu. Moi le principe pour moi de ces challenges du dimanche, c'est que tout le monde puisse le faire chez lui, tu vois. Si j'ai un mod... Oh putain, il vient de aspirer le truc là. Il fait chier à faire ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il le met où son putain de linge? Ah putain, là il est dans son inventaire là. Ah bah putain, des fois ça marche quoi. Ah bah c'est bien si c'est dans l'inventaire. Alléluia. Et voilà, mais là, en fait voilà, là je crois que le mode c'était en gros le bénévolat pouvait durer le temps que tu voulais illimité. Mais je j'aime pas. Pour moi le principe c'est vraiment bah le bénévolat, voilà, c'est tout le monde peut le faire. Et si j'ai un mode, bah ça rajoute un truc un peu bizarre. Ok, bah écoutez, on est pas mal du tout. Juste niveau divertissement ça va pas trop. Donc ils vont faire crac crac comme ça ira. Hop là. Pas mal hein, en vrai. Là regardez tout le linge que j'ai à vendre. Et du coup, elle, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle va s'occuper de la vente. Voilà. Commencez, ta gueule toi. Je vais mettre mon téléphone en silencieux. Voilà. Ah, ce que les gens pensent de toi. Ouais, ok, j'ai une mauvaise réputation parce que j'ai tué mon fils. Super. Il a pas le contexte, mais évidemment, voilà, hein, il reste au fait que j'ai tué mon fils, quoi. Super, super les gens. Hop là, ici, faire la lessive. Nickel. Mizrago, comment tu vas, Bing? Comment ça va? Ok, vas-y, on récupère tout. Putain, nickel. On se fait de l'argent. Hop, même ici, un truc. Monsieur propre, t'as tout déposé. Ok. On change, vider, accrocher. Voilà, prends une douche. Ok. En fait, j'ai même mieux, les gars. J'ai même mieux, regardez. J'arrive, je me fais une grosse session douche. Ok. Je me fais une grosse session douche et je mets tout dans mon inventaire.
Comme ça, je lave au fur et à mesure. Je pense que c'est une bonne astuce. Ok. Et je pourrais même fouiller un peu. Il y a vraiment une partie où tu tues pas quelqu'un. Oui, en vrai. Tu as GSDF, la dernière fois, on a tué personne. Tu vois. Je peux t'en trouver plein, des comme ça. Hein. En 2013, quand j'étais petit et que j'avais pas de mode. Ah, on n'en parle pas. Ok. Voilà. Tu vois, ce genre de truc, quoi. Voilà. Ok. Attends, bagarre de quartier aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Voilà, prends une douche. Toi, commence à vite grenier, on est bon. Je vais faire... On refait un peu la même astuce que tout à l'heure. Prends une douche, prends une douche, prends une douche. Vas-y. Ok, et là, en vrai, faut pas que je pense... Faut que je pense à fouiller les poches. C'est quand même un gain... Un gain pas négligeable de... D'argent. Voilà, ça c'est dit les termes. Fouiller, 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 fouiller. Ok. Le pack pour le bénévolat, c'est être parent. Pack de jeu, je crois. Ouais, non, ouais, c'est... Oui, c'est ça. Ok. On est pas mal. Ok. Putain, mais ouais, en vrai, il faut que j'utilise plus ça, quand même. Hein. J'utilise pas assez, mais c'est voilà, il faut être intelligent. Prochaine fois, on fait ça. Ok, nickel. Prochaine fois, on est intelligent. Par contre, pourquoi je peux pas le récupérer? Parce que je pense que je l'ai mis vraiment... T'avais dans une bassine. Arrête, putain, il est en train de me niquer tout ce que j'ai fait. C'est infernal. Infernal. Lavé dans une bassine. Je suis parti 30 minutes, c'est rien passé, je suis mort. Voilà, j'ai trois cassés, j'aime pas ce genre de choses. Non mais vous inquiétez pas là, je vais y arriver, je vais y arriver. Ma stratégie, je pense, est la bonne. Accroché. Et là, boum, clac. Faire la lessive, boum boum, boum boum, boum boum. Voilà. Impossible, si. Impossible, vraiment vous dites? En vrai, est-ce que vous croyez en moi ou pas? Est-ce que vous croyez en moi? C'est une vraie question. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Histoire de voir un petit peu comment, où on se situe dans la trahison. Change l'eau. Non, on s'en fout de changer l'eau. Dans tous les cas, c'est que ce soit sale ou propre, à partir du moment où c'est sec et que j'ai accroché mon linge, bon, on est bon. Non, oui, non. Ouais, ok. Vas-y. Vous inquiétez pas. Enfin si, inquiétez-vous un petit peu, mais tranquille. Ça a l'air un peu chaud le timing, c'est vrai que là c'est un peu chaud. Mais on va y arriver, on peut se rassurer comme on peut. Ok, vas-y, le pisse au-dessus, c'est parfait. On s'en bat les couilles. En fait le plus dur c'est que juste ils sont un peu au bout de leur vie, mais c'est juste ça le plus dur. Ok, accroché. Voilà, et un dernier. Faire la lessive. J'ai tout ça à vendre encore, putain. Ok. Va dodo. Voilà. Ils vont bien les deux, mais elle est quasiment en forme, quoi. C'est trop. Mais c'est pas grave, regardez, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont faire du bénévolat à deux. J'en ai rien à foutre qu'ils soient fatigués. On y va. Là, le linge, il doit juste sécher. Sors de ton lit, va faire du bénévolat. Ok. Le linge doit juste sécher. Et ça va être bon, plus c'est l'été, logiquement qui dit été dit grosse chaleur. Chaleur ça veut dire que ça va sécher plus vite, j'espère. Je suis bienveillant les gars, voilà, c'est comme ça. Allez, 44 minutes, 42 minutes parce qu'effectivement c'est à 2 minutes qui restait 44 minutes. Je vais sauvegarder, on sait jamais. Allez les gars, on va y arriver, c'est bon, on va se rattraper, c'est bon, je vous rappelle le principe. Le principe du challenge est très simple, je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Tu vois, il faut une musique un peu de je vais y arriver quoi. Ok, tu vois là c'est en train de sécher là. Alléluia. Ok, c'est bon, je peux y aller. Du coup, toi, tu vas sortir, tu vas dormir. Toi, mêlé, tu reviens et tu vas prendre et poser et plier le linge. Voilà. Hop, tu le mets par terre. Nickel, ici. Prendre et poser le linge. Putain, mais il n'y a que lui qui a séché. Bon, bah vous allez dormir. Voilà. Nickel. Ça a séché ou pas? C'est en train, je crois. C'est en train. Ok, vas-y. Prends les posés de linge. Hop. On abandonne. Prends les posés de linge. Prendre et emmener le linge, c'est quoi l'emmener? Ok. Prends les posés de linge. Putain, mais en fait, il faudrait que je mette une table à côté, je pense, pour qu'il dépose tout le linge. Je pense que c'est ce que je vais faire.
Est-ce que, en fait, il dépose où? Pourquoi il dépose là? C'est quoi, regarde? Il déposait là. Ou non, attends, table. Peut-être que c'est une erreur, hein, mais... Y'a pas une longue table là que je peux mettre? Voilà, une table, cette merde là. Allez, ça c'est plus grand. Voilà, comme ça au moins. Prends déposer le linge, est-ce que ça va marcher ça? Y'a un truc à côté? Voilà, putain, alléluia. Ok. Vas-y, tu mangeras après, on s'en fout là pour l'instant. Parfait. Parfait, parfait, putain les gars, regardez tout ce que je vends comme merde. Le linge il dégueule hein. Non mais c'est abusé tout ce que je vends. Et tout ça, ça c'est censé être de l'argent hein. Je vais le mettre dans mon inventaire, on sait jamais. Elle va pisser et divertissement, donc pisser, hop, divertissement, on va faire crac crac. Voilà, vite 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 vite. Tellement plus efficace depuis qu'il y a plus Soupline. On est d'accord, Soupline vraiment ça a été juste une écharpe dans le pied quoi. Il m'a servi à rien ce con. Vas-y, il pue, tu vas prendre une douche. Douche rapide. Voilà. Ah, en vrai, c'est véridique, hein, comme il servait à rien, c'est aberrant. Hop, elle, elle s'occupe de la vente. Commencez à vite grenier. Lui, là, il est bien. Juste ce qu'il lui faut, c'est... Il va fouiller les poches, fouiller les poches, fouiller les poches. Manger un morceau. Voilà, fouiller, fouiller. Ok. Parfait. Et tout ça... Dans nos poches, directement, pas besoin de prendre des douches et tout. Ok, maintenant, faire la lessive, laver dans une bassine. Il a fait quoi là? Il a pris quoi? Je sais pas lequel il a pris, mais je crois qu'il a fait de la merde. Hein. Je préfère pas savoir, ça va m'énerver. Hop là, ici. Faire la lessive, laver. Ok, oh la rapidité de fou là. Rapidité de fou. Regardez ça, regardez ça. Bam 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 bam. On arrête. Ok. Il a abandonné ou quoi? Là on est pas mal du tout. Hein. Ouh là on a activé. Par contre, pourquoi il y a... Pourquoi tu vends pas toi? Elle s'occupe pas de la vente, si? Mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à vendre. Je sais pas comment ça se fait. Vas-y, prends-toi ta douche, c'est bien. Il va fouiller et laver. Hop, hop, hop. Ok, c'est bon, elle vend, je suis content, bravo. Ok. 200, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et pendant ce temps, moi, je plie mon linge, lavé dans une bassine. Est-ce que je peux pas avoir plusieurs trucs pour vendre? Est-ce que s'il y a plusieurs tables, je peux vendre plusieurs tables ou pas? En vrai, je sais pas du tout. Mêlée, va vendre s'il te plaît. Je sais pas pourquoi elle lâche ses ventes, c'est une dinguerie. Parce qu'elle a une mauvaise réputation. Je sais pas du tout en vrai, possible. On peut tout vendre, tous les trucs petits hein, on peut les vendre. Enfin c'est vrai que le linge comme ça c'était pas forcément évident. Je sais pas s'il y a un truc qui pourrait te donner permettre de plus vendre parce que c'est vrai que je vends pas hein. Hop, commencez vite grenier. Je sais pas, peut-être un mood concentré, confiant. Peut-être confiant hein. En tout cas là l'argent ça va me permettre d'investir dans une maison. Voilà. Ok, 200 simflous, c'est bien, c'est bien. N'hésitez pas à acheter plus hein. Ok, c'est bien. Putain, regardez, il y a du linge sale, déjà porté. C'est peut-être pour ça aussi, mais non, je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Écoute, vider la lessive, accroche. Un miroir pour le charisme. Je sais pas, vous pensez que c'est le charisme? En fait, j'ai pas envie... là, je peux pas me permettre de faire des tests en mode « Ok les gars, on développe le charisme à fond. » Je sais pas. Ok. Va dormir. Pitié, ne prenez pas de traduction sur le site de Candyman. Son site n'est plus maintenu à jour depuis 2021. Ah ouais? Ce sont deux personnes qui ont arrêté de faire des traductions. Ok, ok. Depuis 2021, ils font plus les trades. Mais il est toujours à jour, le Candyman, quand même. Entre deux mots, comment tu ming? Quand ça touche dehors, donc les gens partent. Je sais pas si c'est ça aussi. Et c'est vrai que... Non, en vrai, là, sa réputation, je pense qu'elle est bonne, vu qu'ils partent pas mal faire du bénévolat. En vrai, neutre, tu vois, ça c'est, elle a plus, ils ont plus de... Ah, elle est trop mal à l'aise, là. Vas-y, va dormir. Toi, tu reviens, tu vas t'occuper de la vente. En tout cas, ça va, ils ont oublié la mort de leur fils, tant mieux. Ok, par contre, lui, monsieur propre, il doit être bienveillant, je pense. Ouais, bonne réputation. Trop mal à l'aise? Putain... Et je sais pas pourquoi il est mal à l'aise. Allez, c'est bon. Le courrier a été déposé. Miss Infuse, mais wow. Eh non, mais là, regardez, là, si ça se vend, c'est une folie. Hein. Ok. Commencez à vite grenier. Allez, allez, on attend.
Même là, tu vois, j'ai encore du linge sur moi. Voilà, tu vois, je peux en vendre un peu plus. Voilà, voilà. Là, tu vois, j'ai jamais eu autant de linge sur moi. Ok, 200, c'est bien. Faire un argumentaire de vente. Ok. On essaie un petit peu de gratter. Je suis en train de discuter à propos du mariage, là. Arrêtez de parler, par contre. Il faut absolument... tenter de se présenter. Non, mais je veux faire un argumentaire de vente, là. Non, mais je suis trop mal à l'aise, putain. Mais non, là, il est plus mal à l'aise. Je comprends pas. Va aux toilettes, vite. Ah, faudrait changer l'eau pour que ce soit propre et qu'elle se vende plus facilement et rapidement. Je pense pas que ça a d'impact, honnêtement. Vraiment, je pense que la table de vente, ça ne change rien. Je dis ça parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de ventes sur la table de vente, quasiment même tous mes challenges. Et j'ai même à un moment vendu de la merde de cheval. Et vraiment, ils achètent. Hein. Y a aucun rapport avec ce que tu vends, je pense. C'est juste l'état du personnage par endroit, ça impacte. Donc là, il faut qu'il mange des trucs. Et changer l'eau, justement, ça serait... En fait, je le lave pas, le linge. Je le mets... Il le sort et il étend, c'est tout, il le lave pas. Même si je change l'eau, au final ça restera sale, tu vois. Divertissement, vas-y, faut... putain, allez dormir. Putain, j'ai une corde qui a lâché. Ça fait chier, ça. Par contre, ça va, je vous dérange pas trop? À faire la petite discute chez moi, là, dans les chiottes. Je vais vous soulever. Ah, je savais pas qu'il y avait une descente, là. Dans quel pack on a la table de vente? Dans plein de packs. Écologie, on en a un, c'est la truc d'entreprise. On a Salvadorada, donc à la jungle. On en a, il y en a plein. Mais ouais, j'ai déjà, je vends de tout et n'importe quoi. Je pense vraiment que c'est le mood. Elle se remet toujours en tenue d'hôpital. C'est un bug, hein, ça. S'occuper de la vente, divertissement. En fait, c'est les poubelles aussi, c'est chiant. En fait, faudrait qu'ils soient crasseux, quoi. Je sais pas pourquoi le jeu ne propose pas qu'ils soient crasseux. Pourtant, je sais pas, c'est assez clair quand même, non? J'ai l'impression. Ok, 200, c'est bien. Tu vois, le linge, dans tous les cas, ça le vend. C'est aussi 300%, c'est difficile de vendre à 300%. Putain, mais elle lâche la vente tout le temps, je sais pas pourquoi non plus. Reiseto, je t'ai pas remercié, merci beaucoup. Merci, petit message doux pour te remercier. Merci. Voilà. Par contre, il y a un fantôme, Félix, tu pouvais aller te faire foutre. Ok. Allez. Oh non, mais si. Aussi plutôt. Les gars, 2000 simflouz. C'est quasiment du jamais vu. Effectivement. Juste c'est vrai que c'est... Pouf, ça galère quoi. Allez vas-y, nickel. Là ça a été pas mal. On a vendu 3-4. C'est la mode la tenue d'hôpital, c'est ça. Elle le garde tout le temps. Ça rend trop bien. Ok, monsieur propre, toi t'es bien. Niveau divertissement ça va pas trop. Prendre et poser le linge. Ok. Vas-y, il va poser. Il y en a juste un qui est pas sec. Et ça, tu vas le réparer. Parfait. Nom d'un caribou, ce cas vient de dépenser. C'est du bon travail à la chaîne qu'on propose zéro, là. Zéro. Prends les posés. Est-ce qu'il n'y a pas le bricolage? Tais-toi. Ok, putain, les gars, l'argent. Putain, ça vend. Alléluia. Merci, Maïvalen, pour le 23e mois. Merci beaucoup. Merci, Okan, pour les 100 bis de tout à l'heure. Merci beaucoup. Hop là, prends les posés. Putain les gars, 3000 simflouz. C'est du jamais vu. J'ai mon linge là, il pue le mort carrément. Dégoûtant. Est-ce qu'il se vend quand même ou pas? Ah lui non par contre. Je sais pas comment ça se fait. Déjà porté. Là ça peut être effectivement l'histoire de l'eau. Mais pourquoi ça m'a pas fait ça sur les autres alors? Fouille les poches. Déjà je vais faire ça, ça peut être pas mal. Toi tu te relances un petit truc, t'es trop mal à l'aise. Attends, faut que j'aille se divertir un peu là. Faites crac vite fait. Ok vas-y. Ou peut-être parce que c'était un tas de vêtements celui-là là, dégueulasse, je pense que c'était ça. Vu que c'était dégueulasse, celui-là je peux... Si je le lave pas du tout c'est la merde. Par contre celui-là, déjà porté c'est pas grave. Mais celui-là il est dégoûtant, ouais c'est ça, ok. C'est ça. C'est parce qu'il faut bien faire la part des choses. Elle, ça va? Elle a sommeil ou pas? Écoute, va manger, va te prendre une douche et tu vas t'occuper de la vente. Toi, là, tu vas fouiller tout le linge. Fouiller. Il va tout récupérer. Ok. Et celui-là, par contre, faut le jeter, là. Lui, faut pas qu'il le garde. C'est quand exactement le Hunger Game? Je sais plus du tout qu'on avait dit le Hunger Game. Je sais pas du tout. Et je sais même pas s'il y a des places... Est-ce qu'il reste des places, peut-être, pour le Hunger Game? Je sais pas. Hop là, faire la lessive. Vas-y, attends, fais la lessive. Non, ça c'est une putain de perte.
Aïe aïe aïe, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Ok, faire la lessive. Allez, on est reparti. Toi là, je sais pas ce que tu fais. Commence à vide grenier, on est parti. Ah oui, bon, il a pris les trucs dégoûtants. Ça va, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, je crois hein, qu'il a pris le truc dégoûtant. Sinon, faut vraiment le fracasser. Allez, on est parti. Ouf, t'as vendu le gosse? Ouais, non, j'ai tué. Lui, il allait rien coûter, donc. J'ai préféré le tuer, c'est beaucoup plus rapide. Ok, vas-y, boum boum boum. Ok, il reprend le linge là-bas. Hop hop hop. Nickel. Tu as porté mon linge à laver? Oh bah franchement je lave pas, je le vends comme il est. Donc si tu peux me l'apporter, je le vends volontiers. Hein. Y'a aucun souci. Hop là. Voilà. Ok, il reste combien de trucs? Il en reste 4. Ok, il me reste 4 de linge. Y'a pas beaucoup de ventes là, c'est normal, elle dort. Voilà. Je me disais c'est bizarre, ça vend pas là. Vas-y bah arrête ton vide-grenier, hein, c'est pour rien faire. Ok, lui il se prend sa petite douche, c'est pas des vêtements dégueulasses, tant mieux. Vas-y, va manger épicé. Allez, allez, allez. C'est vraiment le challenge de l'enfer, j'aurais pas imaginé ça, en vrai. Aïe, 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 aïe. Le challenge de l'enfer, putain de merde. On va y arriver les gars, on arrive au bout. On arrive au bout, il reste déjà ça à faire. Une fois que c'est sec, je prends soin de moi et c'est bon. Une fois que tout est étendu. Le pire challenge qu'on ait fait, ah putain. Je pense que ça pourrait être doté là-dedans. J'y crois pas trop. Vraiment, je me bute pour y arriver. Si j'y arrive pas, ça va être le dégoût. Mais franchement, c'est mal parti. Hein. C'est mal parti de fou. Ça, je vais jeter. En fait, ils sont mal à l'aise à chaque fois. Le jeu, tu veux pas me dire qu'ils sont crasseux? Je sais pas pourquoi le jeu ne veut pas me dire qu'ils sont crasseux. Ils traînent dans la crasse depuis maintenant 3 heures dans la vraie vie. Genre c'est bon, dis qu'ils sont crasseux quoi. Putain, ils ne peuvent pas être propres là. Elle a changé l'eau, tu vois, elle en pouvait plus. Et écoutez, elle se sent comment? Elle se sent bien, occupe-toi de la vente. Voilà, commence un vide-grenier. Lui il mange, divertissement, c'est pas trop ça encore. Bah écoute, tu vas dormir hein. Tu vas dormir en attendant. Avec l'aspiration, aime la saleté, y a pas un trait bonus? Si aime la saleté, ah je sais pas. Ah mais pff, est-ce que je vais arriver à ce truc? Mais elle arrête pas de lâcher ses ventes pour je sais pas quoi. Niveau besoin, elle est nickel, elle a pas besoin de manger, elle a besoin de rien. Elle lâche les ventes à chaque fois. Je peux pas la laisser vendre tranquille d'un coup. Je vais la retrouver dans le lit, je suis en train de bouffer un truc. Si tu veux juste mettre des murs, au mieux c'est jouable. Ouais là je peux mais... C'est... Putain c'est vrai que quand on aura des murs ça va donner... On aura une maison quoi, en fait. On pourrait l'appeler comme ça. Ok, elle a rien vendu aujourd'hui. Tu vois je sais pas, des fois elle vend, des fois elle vend pas. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi. Vas-y, va falloir les factures, je vais les payer comme ça c'est fait. Le linge, hop, tu vas les fouiller. C'est déjà sec? Ok, c'est déjà sec. Ok, nickel. Tu vois, même là, il y a des trucs de bouffe qui traînent, quoi. Oh, le truc de linge qui pète. Et du coup, quand ça pète, ça me casse... Comment ça, c'est pas accessible? Te fous pas de ma gueule, genre. Mais comment ça? Mais... Le jeu se moque de moi. C'est ça qui est dur aussi. Ah, non mais... Le jeu est bugué, en fait. Non mais j'ai pété un câble. Le jeu n'a aucun sens. Les Sims. Rien de plus à dire. Oh, tout pète. Mais fais la lessive, non? J'ai envie de le fracasser, les gars. J'avais du linge qui était sec, il a récupéré pour le mettre dans la bassine. Je crois en toi, Lucas, mais sans mentir, j'ai un peu peur. C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Ok, continue, toi. Commencez un vide-grenier, on est bon. Là, la bouffe sur la table. C'est insupportable. Vas-y, mais mange ton bol de céréales. Ok. Ça, c'est quoi? Attends, mais il y a du linge là? Non, non, non. Y a du... Ouais, non. Bah, là, je suis paumé là. Je commence à être paumé. Ce cerveau, il me lessive. Enfin, ce challenge, il me lessive le cerveau plutôt. Ah là là. Je sais pas surtout comment une corde à linge peut se briser quand il n'y a rien dessus, quoi. Ça arrive. Allez, venge, je t'en conjure. Au moins 4000 simflos que je fais une petite session construction là. J'aurai une sensation d'avancer un peu. J'ai le cerveau qui blessive, voilà. C'est comme ça. Aïe aïe aïe.
Ok, 206 flouzes. En vrai, la table et le reste, ça ajoute de la valeur, mais je le sens pas. Ah ouais, non, là, il y a beaucoup de valeur de fou. Non, en vrai, même les trucs, c'est 200, 200, 200, 200. Là, j'ai 1000 de valeur là. Là, j'ai 300. La table, c'est 200. Ça, on va dire. Là, il y a 2000. La maison entière, je pense, c'est même pas 2000. Là, j'ai 3000. J'ai 4000. Ouais, non, c'est chaud. Dormir. Vas-y, je vais essayer de les faire en sorte que leurs besoins soient au max, déjà. Ça peut être pas mal. Ils vont bien dormir. Et on va créer une meilleure maison. Là, vas-y, on va le faire tout de suite, la maison. Ok, déjà, je sais pas pourquoi, ça... Voilà, c'était comme ça, je capte pas. Je crois que c'était tout à l'heure. Hop là. Je mets deux jours. J'enlève les merdes. Et là, déjà, on fait quelque chose... Ah ouais, la maison elle s'est transformée quoi. La porte elle disparaît ou quoi? Un toit, ouais, je vais mettre un toit. Ok. Voilà la porte. Voilà, là c'est plus logique dans ce sens quand même. Les gars, vous rendez compte? Il reste 25 minutes de challenge. On a enfin tous nos murs. Et là il nous faut un carrelage, c'est pas possible. Y a pas des carrelages un peu beaux là? C'est laid de fou. Pouf, déjà ça c'est fou. Oh, putain. C'est quelque chose là. La douche. On va en remettre une bonne. Ok. Voilà. Ça, les lampes. On va mettre... Voilà, un petit truc sympa, n'est-ce pas? Des fenêtres aussi, hein, ça pourrait être pas mal, accessoirement. Hop, voilà. Parce que là, c'est pas que ça fait un peu mort, mais... Ok, donc vu qu'on a une plateforme, hop, on va en rajouter une ici. Voilà, je ne sais... Non, j'aime pas Là, le sol, c'est pas ouf aussi, ça. Mais non, on se croirait dans des chiottes, là, on est dans les backrooms, c'est pas possible. Y'a pas un... Je suis trop nul en carrelage dans ce jeu, j'arrive rien à visualiser. Allez ça. Hop là, voilà. Maison Provençale, est-ce que ça propose un peu... La cuisine, ouais, pour l'instant... J'essaye de faire... Attends, juste là il me faut... Mariage. Je le trouve pas, parce que c'est dans les packs de jeu. Mariage. Ok. Tu vois, j'aimerais une maison un peu... Voilà. Fais voir, hop. Et ça, attends, fais voir. Mettre ça dans la chambre. Non, je pense qu'il y a un monde où la maison, vraiment, elle peut être mimi, mais... Voilà. Va falloir que je mette des plantes du lierre, que je camoufle un peu l'horreur de cette maison, quoi. Là, la porte, on va la mettre comme ça. Voilà. Ok. Ça fait un peu... J'ai l'impression de voir une maison. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. En fait, il faudrait que je mélange un peu avec de la pierre, comme Noémie disait. Ça, c'est des stratégies un peu de professionnel. Mais genre... Tu vois, si je mélange... Peut-être pas cette pierre-là, mais... Tu vois, si je fais des mélanges comme ça, peut-être un peu plus foncé. Ça peut ne pas rendre dégueu, quoi. Je sais pas. Une porte pour la chambre, c'est vrai que ça, c'est bien vu. Fais voir un bois un peu plus comme ça, nickel. Poubelle et évier. Ouais. C'est vrai que le petit évier, ça va être pas mal, ça va permettre de laver nos trucs. Mais ça... Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait plus provençal? Coûte cher celui-là, non? Et ouais. Bon, je vais laisser ça, hein, malheureusement. Ok. Ok, c'est dégueulasse mes trucs. Voilà. Dans la jungle, les murs sont sympas. Ok, j'essaye après. Là, pour l'instant, on a 200 simflouzes, mais on a enfin un toit, les gars. On a un toit. Les chiottes ici. Ça, je peux pas le mettre par-dessus, non. Déjà, c'est fou, non? On sauvegarde. On sauvegarde. Une table. La table, elle est à l'intérieur. Hop. Des petites fondations, c'est gratuit, il reste 34, putain. En fait, ouais, non, mais ça peut le faire, mais il faut juste qu'elles vendent plus mieux, en fait. Hein. Mais là, en fait, d'avoir une maison, peut-être que ça va les faire sentir mieux, j'en sais rien. Hop, ici.
En fait, je sais pas pourquoi j'arrive pas à mettre de fondation ici là. Ça me saoule un peu. J'y arrive pas, genre il veut pas. Parce que peut-être la maison elle est plus basse. Non, je comprends pas. Ok. Ah, Wizbit. Wow. Le pauvre Wizbot quoi. Vas-y, juste je vais remettre ça, comme c'était. Voilà. Nickel. Bon, déjà, les gars, on a une maison. En plus, le toit, regardez comme il est beau. Pff, c'est magnifique. Oh, les gars, on a une maison. En vrai, c'est ouf, non? C'est ouf de fou. Genre, je m'y fais pas. Vas-y, allez dormir, manger. Non, mais là même, ils peuvent manger et tout. Putain, j'ai l'impression d'avoir une vie normale dans les Sims. Servir le dîner, on va pas abuser. Peut-être. Y a pas une salade qui est possible? Non, mais faites un repas rapide. Repas rapide. Voilà, compote de pommes. Nickel. Toi aussi, mange de la merde là. Voilà. Ok. Divertissement, faites crac crac, comme ça au moins on est nickel. Faites-le plusieurs fois, comme ça on est vraiment nickel. La table dehors, mets-la dedans. Non, parce que j'ai besoin du linge. Putain, mais toutes mes cordes, elles sont en train de lâcher. Pourquoi elle est mal à l'aise là? C'est bon, le divertissement, on est bon. Toi là, niveau, tu te sens crasseuse, va te prendre une douche. Ok. Ça par contre, faut pas que je le garde. Toi, fouille le linge. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Ça, posé. Vite, faut que je le pose en fait avant que ça casse. Voilà, exactement. Non mais elle là, je sens qu'elle va le mettre dans son cul ce truc. Ah non, c'est bon. Ok. Tout est en train de péter, putain. Vends ta douche dehors. Non, j'en ai besoin de cette douche. Primordial. Je peux pas la vendre là, je lâche pas les ventes encore. Hein. Sinon c'est l'abandon du challenge, c'est pas possible. Bah écoutez, c'est énorme, j'aimerais bien réparer mes trucs de linge, mais il veut pas. Tu veux pas? Non mais arrête de parler putain et fais l'action que je te demande s'il te plaît. En fait ouais, c'est pour le réparer, ils doivent accéder à là et en fait ils arrivent pas. Tu peux pas du coup là? Putain. En fait faut que je mette de l'espace. Je les ai trop collés. Ok. Voilà. Ok. Ok, mais même là, il faut que je mette plus d'espace pour qu'il puisse. Voilà, un truc comme ça. Là, on arrive. Ok. Voilà. Et là, j'arrive, je fais ça comme ça. Ok. Mais là, du coup, je sais plus lequel est cassé. Parce que le jeu, il me les répare faussement. Mais putain, mais genre ça te... ces débris te gênent. Non mais les gars, je vais péter un câble. Le jeu là, il est en train de me faire chier. Mais... pourquoi tu répares pas? C'est infernal! Putain, mais il faut que je mette combien d'espace pour qu'elle répare? Oh, le jeu en plus qui lagouille et tout. J'ai qu'une envie, c'est de la réparer. Merci putain, merci enfin. Là il y en a d'autres ou pas qui sont cassés? Celui-là il est cassé évidemment. Monsieur Prob, laisse ta femme tranquille, elle est déjà casse-couille, à rien vouloir faire. Ici, répare. Putain mais il veut pas. Mal à l'aise, et non ça je sais pas parce qu'elle est mal à l'aise. Elle a bien réussi alors qu'elle était très bien à l'aise là. C'est je sais pas, il y a un truc. Sinon ça proposerait pas. Putain mais arrête de voir des débris partout bordel. Non mais vas-y, est-ce que c'est vraiment qu'elle est mal à l'aise? Putain vous avez raison en plus. Vous avez raison. Oh là là, les débris. Monsieur Prop, laisse ta femme tranquille. Par loin. Voilà, loin. Laisse ta femme tranquille. T'es chiant. Hop là. Il me reste 17 minutes de challenge. Je n'ai pas de temps à perdre. Ici, réparer. Non, non. Ça va, je suis lessivé par ce challenge. Je fais la vanne en boucle. Mais c'est le cas. C'est le cas. Ok, est-ce que j'ai du linge sur moi? Non. Elle a sommeil, bah tu sais quoi, vas-y dors, monsieur propre, tu viens ici, c'est bon. Allez hop, elle a marre maintenant. Vas-y, la douche, tu vois la douche, il me la faut toujours pour ça. Elle, faut qu'elle dorme, putain j'ai deux de linge. C'est quelle map? C'est la map mariage. Ok, vas-y, il me faut plein de douches. Ouais mais je pense que là, dans tous les cas, je pense, honnêtement je suis pas défaitiste, mais je pense que c'est un peu peine perdue. Je pense que c'est t'es blanc comme un linge. Sans mauvais jeu de mots, je pense que c'est y a pas de jeu de mots là sur ce que je vais dire. Je pense que c'est un peu peine perdue. Genre tout se casse,
Tu auras fait de ton mieux. Ah bah ça putain, on pourra pas me le reprocher hein. Je me suis buté pendant 3 heures. Mais là tu vois ouais, j'ai 4000 simflouz, les trucs ça se vend mal. Laver dans une bassine, vas-y va récupérer le linge. Mais il y a deux doigts de vouloir récupérer le linge qui est en train d'être... Comment ça s'appelle ? Qui est en vente quoi. C'est fou. 5 simflouz. Vas-y. Fouiller. Vas-y, fais la lessive. Ok. Pas d'additif, vidé, on est bon. Y'a moyen que cette nuit tu vas rêver de linge. Ah bah c'est même sûr hein. Non mais je dirais à Noémie elle va... Quand on va laver le linge ça va être un enfer, je vous le dis hein. Je vais sentir l'odeur de la lessive, je vais faire non. C'est bon, c'est ciao. C'est quoi le challenge d'aujourd'hui? Le principe du challenge est très simple, je dois construire une maison en 3 heures qu'avec la lessive et le linge. Aïe, prends une douche, let's go. Là j'ai pété un câble. Là je peux pas sentir l'odeur de la lessive dans l'appartement, je vais faire une crise. C'est comme ça. Ok. Prends une douche. Tu as développé la phobie, la lessive de fou. Après ça va, là à l'heure actuelle je fais pas la lessive à l'appart. On a fait un deal avec Noémie, elle fait la lessive et moi je fais les litières. Elle déteste faire les litières. Comme ça on fait ça. Lessivophobe, ouais là vraiment je commence à l'être. Vas-y écoutez, non arrête de faire une sieste. Tu vas dodo toi. Hop là, vessie, manger. Ouais, bon deal, moi ça me va. Et comme ça au moins je rêverai pas de lessive en plus tu vois. Lichou, merci beaucoup pour le 5ème mois. Merci. Servir le petit déjeuner, non vite repas rapide. Il me reste 14 minutes, je vais essayer. Vous savez quoi, je sais que je réussirai pas à faire les 20 000. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Voilà, c'est à dire que là, l'objectif ça va être de vendre tout ça. De se faire au moins là 3000 simflouz, 4000 simflouz. Et on se fait une maison qui est belle. Voilà, oui ma maison, le challenge sera certainement pas réussi. Mais mon objectif là ça va être de faire une belle maison. Parce que je peux avoir des maisons chères qui sont moches. Mais là ça va être une maison pas chère qui va être belle. On va réduire sa taille s'il faut et tout. Fouiller. Voilà, 4 simflouz. 7 simflouz. Lichou, merci beaucoup. Je pense que si tu vends, tu peux gagner. Non, en vrai, je pense pas. Faire la lessive. Putain, mais merde, il y a de la lessive qui s'est coincée dans un endroit. Je sais pas comment c'est possible, quoi. Ok. Vite. Merci, Mélissa, pour le 7ème mois. J'arrive à la fin du challenge, putain. Bah, écoutez... Peut-être ce sera mieux. Oh non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle prend tout. Ce sera mieux, la version YouTube, elle sera certainement plus condensée. Vous avez raté beaucoup de rage. Vas-y, attends, hop, vider, accrocher. Il en faut combien? 2. Attends, lui, je le dégage. Voilà, faire la lessive, vite. Merci pour les follow, en tout cas, que ce soit sur TikTok ou Twitch. Je vous remercie beaucoup. Ok, nickel. Là, ce qu'on va faire, c'est s'occuper de la vente. Commencer un vide-grenier. Vas-y, va manger un truc. Putain, il fait à manger. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont secs déjà, non? Prendre et poser. Tout ça, c'est sec, là. Peut-être qu'en été, ça sèche vraiment vite, non? Parce que j'ai l'impression que ça sèche très très vite. Ok. On s'est fait 200 simflouz, là. Pourquoi t'abandonnes? T'es chiante. Ils sont chiants de fou. Allez, va manger. Ils ont faim, là. Ok, on est bon. Prendre et poser. Hop. Voilà. C'est bon, j'ai déposé. Non. Prendre et poser. Ouais, je pense qu'en été, ça sèche plus vite. Hein. Il y a de l'orage chez moi. En vrai, il fait beau chez vous ou pas en ce moment? Ouais, ça sèche trop vite, les gars, en été. Ah, mais les gars, peut-être qu'il y a la remontada dans les 12 dernières minutes. Hein. Ah, non, pas celui-là. Je l'avais mal vu. Ok. Accroché. Attends, il l'a mis dans son inventaire, assure-moi. Ouais. Il fait moche, il pleut. Parce que j'ai l'impression que ce printemps est un peu chelou, non? Ce printemps, j'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup de beau temps. Je sais pas, c'est un peu badant. Super, le plat vraiment sur la table. Il est un peu déprimant ce printemps-là. Après, bon, moi, Toulouse, c'est un peu d'habitude, c'est l'habitude, quoi. Ok, commencez un vide-grenier. Va pas déranger ta femme, je t'en conjure, toi t'as du boulot. Allez vite, arrête. Voilà, tu fouilles. Et hop, faire la lessive. Non vas-y, tu mets là-dedans. Prends une douche. Ok, vas-y bon, on va faire plein de fois. Prends une douche.
Ok, prends une douche. Très bien, prends une douche. Est-ce qu'on peut avoir une remontada ou pas? En vrai, non, non, non. En 12 minutes, là, je pense que c'est un peu... un peu beaucoup espéré. Ok. Je réessaye quand même. J'essaye de manière déterminée. Au Québec, il fait beau. C'est toujours l'hiver, on dirait. Bah, niveau, même niveau chaleur, ouais, c'est un peu chelou. Des fois, il fait bon, des fois, il fait pas bon. C'est un peu... Bah, après, c'est vraiment... C'est les gigolos de Mars, comme on dit, hein. On dit ça, non? Hop là. Il est jaloux. Comment ça? Elle drague, mais elle drague pour vendre. Elle drague pour vendre, on s'en fout. Y'a rien. Ouais, c'est gigolo de Mars. C'est ça, quoi. Bon, toujours mal à l'aise, lui. Ok, on est pas mal. Fouille des poches. Fouille. Je sais que c'est giboulé, c'est... C'est la petite vanne. C'est la petite vanne, tac, 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 tac. Voilà, voilà, on vend, on vend, on vend. Enfin, on vend pas, on fouille. On fouille des poches, on fouille des poches. 1200, les gars. Oh, elle a fait une belle session vente, là. Très, très bien, bravo, continue comme ça. Est-ce que c'est parce qu'elle est confiante? Je sais pas. Ok. Voilà. On récupère tout ça. Les gars, il reste 10 minutes. 10 minutes pour faire l'impossible. Est-ce qu'en 10 minutes, l'impossible peut être réalisé? C'est ce qu'on va voir. Mais après, le truc, c'est que là, imagine, en 5 minutes, je me fais des couilles en or. Non, mais là, les gars, elle vend de fou. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle vend de fou, là? Faire la lessive. Laver dans une bassine. Voilà. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est bon. Hop là, faire la lessive. Hop là, ok. Hop, 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 c'est bon. Allez, allez, je clique pas assez vite là. Je clique à côté. Ok. Nickel. Ok. C'est bien. Toi, vite, clac. T'es mal à l'aise, t'as sommeil, t'as tout ce que tu veux. Est-ce que j'ai des points? Putain, j'ai 0 points, c'est fou, hein. Attends, mais peut-être que je peux avoir des points dans ce genre de cas-là. Nourriture, peut-être. Non, famille, peut-être. Non, fortune, peut-être. Genre baronne de l'immobilier, non. Je peux pas avoir des points qui me permettent d'être un peu à l'aise. Connaissance, non, même pas. Amour, peut-être. Oui, 50 points. Âme sœur, peut-être. Non. Nature, non. Popularité, non. Putain, je gagne pas de points, les gars. Y a rien à faire. Non, je voulais juste prendre une petite potion, quoi. Une petite potion, mais bon, je peux pas. Eh, c'est pas grave. Faire la lessive, laver. Ok, toi là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vendre encore? S'occuper de la vente. En fait, le problème, c'est que là... Putain, mais les cordes qui cassent. Vas-y, répare, répare. Faudrait qu'ils aillent dormir, peut-être, comme ça, ça sèche. Et comme ça, ils sont bien. Vas-y, ils vont dormir. Ok. Je vais voir. Est-ce qu'il sèche vite parce que c'est l'été ou rien à voir? On verra ça. Est-ce qu'une nuit de sommeil ça suffit? Un grand soleil là après, normalement ouais hein. 8 minutes, putain ouais. Là il y a du linge. Faut qu'il sèche après là, putain il est toujours pas sec hein. Allez vas-y, va pisser, va manger. Divertis-toi, ça serait nickel. Il voulait être super parent. Ah, c'est compliqué là. Ok, fouiller. Hop, ça je ramène. Fouiller, on a 2000 simflouz. Allez les gars, dès qu'il reste 5 minutes, on arrête. Mais tu vas voir que... Attends, je mets ça dans ma poche. Allez vite. Laver dans une bassine, il faut que j'accroche au moins tout. Ensuite, on part faire du bénévolat, on vend tout et c'est bon. Hop là, très bien. Construire la maison, non? Ouais, mais avant, il me faut un peu d'argent. Sinon, je vais m'arrêter au bout de 5 minutes parce que j'aurai déjà plus rien à mettre. Hop là, faire la lessive. Allez, allez! Il reste combien? 2 trucs à accrocher. J'ai toujours du linge qui est pas bon. Ok. Elle dépose. Si elle dépose pas cette putain d'assiette, là, elle meurt. C'est tous les jours, ça. Ok, maintenant, ce qu'ils vont faire, du bénévolat à 2. On va attendre que ça sèche. Comment ça se fait que j'en ai plus, là? Ça s'est vendu ou... Allez, allez, faut que ça sèche maintenant. T'as déjà fait plus. Bah déjà, on a réussi à avoir des murs. Voilà, c'est fou. Je crois que c'est Noémie qui m'avait dit, franchement, la lessive, ça rapporte bien. Je pense que tu devrais mettre le critère un peu plus haut. Eh ben,
vend les machines. Non, je vais pas les vendre parce qu'en fait, je vous rappelle que le principe c'est aussi d'avoir 20 000 simflous de valeur de terrain. Si je les vends, au final, je vais les vendre 400. Alors je les ai achetés 500. Donc je vais perdre 200 de valeur de terrain inutilement, tu vois. Là, les meubles, il faut que je les garde si je veux être un peu efficace. Par contre, là, il faut vite que je rentre et que je plie le linge parce que si ça casse, je perds mon linge. Voilà, c'est logique, hein, le linge disparaît si jamais votre linge se casse dans la vraie vie. Bah, c'est pareil dans les Sims. Voilà, c'est logique. Ok. Voilà. Veut te pourrir les streams. Elle veut pourrir les prédictions, quoi. Ok. Putain, il commence à être déprimé, lui. Poser le linge. Voilà, tu vois, ça, c'est mes derniers simflous. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut les mettre où? Oh, tu sais pas pourquoi, il y a une table à côté. Ah, parce que c'était full. Ok. Wadordo. Et elle, elle fait quoi? Il faudrait... Venez, je m'achète un petit lavabo, là. Je vais peut-être agrandir ça comme ça. Comme ça, ça va être vraiment infernal. Hop là, lavabo ici. Vraiment la maison chelou, hein. Maison chelou, mais on aime bien ça. Oh là là. Ouais, chelou de fou. C'est pas grave, les gars. Justement, c'est maison provençale, toujours chelou, hein. Les maisons provençales, s'abuser. Hop là, j'arrive. Petit miroir. Parfait, parfait. Et là, elle est tendue. Vas-y, faites crac crac vite un coup, là. Ok, faire crac crac. Allez, vite, 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 vite. Faut que vous soyez plus tendu. Divertissement, ça se régale. L'hygiène, c'est une cata, mais on s'en fout. Est-ce que t'es froide? Oui, si tu veux, allez. Pire truc. C'est-à-dire que même, je crois, pendant les crac-crac, c'est une horreur. Les gars, il reste... Putain, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Vas-y, elle va manger un morceau et elle va se brosser les dents. Enlève l'assiette sur le sèche-linge et mets le sèche-linge sur le lave-linge si tu veux gagner de la place. Bah, j'avais essayé tout à l'heure, ça voulait pas s'empiler. Tu peux manger un morceau, s'il te plaît, elle est confiante. On va essayer de vendre. Allez, let's go. Et toi, monsieur propre? Non, y'a rien qui est sec encore. Si ça, c'est sec. Allez, allez, hop, commencez à vite grenier. C'est mes dernières ventes, les gars, avant l'amélioration de la maison. J'espère que le fait qu'elle est confiante, ça va jouer sur ses ventes. J'espère, j'espère. Attends, elle est pourrie ce truc ou quoi? Non. Prends des posées, vas-y. Elle a tout le temps envie de pisser, il a toujours un truc. Allez, allez, vends, 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 c'est le moment vraiment de vendre à fond là. 4 minutes. Oh là, la maison de l'enfer que je vais avoir. Là, je pense qu'on a quand même... On sait globalement si on a réussi le challenge ou pas. Je pense, hein, je sais pas. Il y a un petit truc qui me dit que c'est peut-être loupé, là. Vraiment, c'est une petite voix qui me dit ça. Elle est subtile, la voix. Vas-y, va pisser un coup, là, vite. Putain, il reste 3 minutes. Vas-y, mais vends ces trucs. Oh, elle a trop faim, putain. En fait, ils sont tout le temps mal aussi, ces Sims. Est-ce qu'on a le temps de cuisiner là? Vraiment? Ah, bah voilà, t'as plus faim là? C'est ta... Oh là là, la perte de temps de fou. Non, vas-y, il faut... Vas-y, je peux pas vendre là. Je peux pas vendre, c'est pas grave. Je reste avec 2000 simflous. Je peux pas là. Là, chaque minute compte. Ok, bon, là, il faut que je rende la maison bien. Je pense que la chambre, je vais l'agrandir aussi. Il y a une différence de hauteur, j'ai l'impression. Hop là, hop là. Je pense que, je sais pas, maison provençale, je sais plus comment les toits sont, mais je sais pas, j'imagine un truc comme ça. On va y aller un peu à l'arrache. La mère. Hop là. Hop, hop, hop. Là, ouais, là, 2 minutes 40. De toute façon, c'était pas ces simflous là qui allaient changer quelque chose. Hein. Allez, je vais y arriver. Ah, c'est bizarre comment ça rend. Ok, c'est mieux comme ça. Ok, je crois qu'il y a un truc qui est sympa avec... Bah ça, voilà. Hein. Et je sais pas, le contour qui pourrait bien rendre. Je sais pas. Par contre, c'était pas un peu plus au milieu, ça? Voilà, la porte, on pourrait la mettre un peu plus en bois. Voilà, c'est plus chaleureux, non? Un peu plus foncé même pour aller avec la couleur de la fenêtre. Ok. Un truc qui va tout changer en vrai, c'est le lierre. Le lierre, un indispensable pour moi, maison provençale, c'est voilà, c'est du lierre, c'est des trucs comme ça. Du bougainvillier, des trucs magnifiques, tu vois. Voilà, regarde ça comme c'est beau. Déjà, ça change toute la beauté du lieu. Ça. Putain, ça aussi c'est beau, hein. Mais... Attends, mais normalement, il y a des trucs de lierre qui sont bien. Voilà ça. C'est pas mal du tout. Et c'est dommage parce que avec des petits piliers, on aurait pu faire une terrasse un peu sympa.
Je peux pas la foncer la couleur. Il reste 1 minute 30. Voilà. Je sais pas, on va mettre du vieux orange. Hein. Voilà. Et je sais pas ce que. Non, c'était pas celui-là que j'aurais dû mettre. Je sais que là, il faut que je dépense mon argent. Je le sais. Mais je pense que le plus important, c'est que ça rende un minimum bien aussi. Je sais pas, ouais, le salon. Attends, juste. Vite, il reste 50 secondes, putain de merde. C'est dommage, hein, y a pas de lierre. C'est quoi ça, hein? Ok. C'est pas ça qu'il faut, voilà, ça. Il faut que. De toute façon, là, au pire, mon argent, il se dépense, hein, c'est pas un drame. C'est pas une perte d'argent non plus, c'est ce que je suis en train de faire. Et comme ça au moins l'extérieur de la maison on aura tout misé dedans quoi. Ok, ici on n'a pas de salon, c'est un peu la merde. Il faut une petite table basse, vite. Hop, table basse, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre vite fait, voilà, un truc comme ça, avec une petite plante. Des plantes belles. Voilà, ça n'a rien à voir, ça on jarte. Ici, regarde, la plante ici, voilà. Là. Une plante ici, voilà, en plus c'est adapté parfaitement au truc, ici, voilà, 3 simflouzes, on n'aura pas pu se dépenser. Un canapé. Non mais les gars, le canapé j'avais pas l'argent, j'avais 400. On aura tout misé en vrai l'extérieur il est mimi, non? Aïe, il m'aura épuisé ce challenge. Oh putain, c'était incroyablement dur. J'ai essayé du bout de... En fait, il y a des challenges quand je vois que ça va, c'est possible, je la prends cool, tu vois. Et à la fin, je finis rusher parce que je me rends compte que c'est chaud. Là, ce challenge, il n'y a aucun moment où je me suis dit, c'est faisable. Donc j'ai été à fond. Ah, il y a un truc sur la façade. Ouais, non, mais en vrai, c'est mimi, on a un truc. Même la couleur, c'est rare de faire des maisons un peu provençales comme ça. Et bon, il faudrait que le bois soit peut-être un peu plus clair, mais bon, voilà. Hein. La boîte aux lettres, bon, vous m'autorisez à la déplacer, ça change rien à la valeur de l'argent. Les fondations, j'aurais bien aimé avoir des fondations. Mais oui, ce carrelage-là, franchement, alléluia. On a le carrelage, hein. Putain, cette maison avec ces milliards de cordes à linge qui se pètent et qui te font perdre le linge. Ce linge de merde qui coûte 200 simflouzes. Mais où tes sims, des fois, ils le prennent, tu sais pas pourquoi, pour le remettre à laver. Ces mouches, c'est cette bouffe tout le temps. C'est monsieur propre qui était trop soigné, qui était comme ça et qui à chaque fois qu'il y avait la moindre crasse, il pétait un câble en mode « Ah, je suis pas bien !» Oh putain. Pétage de câble challenge. Mais c'est terminé les gars. C'est terminé, les dimanches challenges, ça permet aussi ça. Ça permet de faire des challenges où on réalise que finalement la lessive c'est bien de la merde. Non, en vrai, la lessive pour moi c'est vraiment bien quand tu joues en x1. Tu peux pas, ça peut pas être bien si tu joues en x2, x3, c'est horrible. Parce que il se douche, il y a un tas de linge. Il va au lit, il y a un tas de linge. Si t'as 4 membres dans ton foyer, tu imagines qu'à chaque fois qu'il se douche au moins une fois par jour et il va au lit une fois par jour, il y a 8 tas de linge. C'est trop. Après vous allez me dire, bon bah tu mets un panier, tout se met tout seul dans le panier, tu fais la machine, ça, voilà, par jour tu peux en faire une. Mais ouais, ça va loin quoi, ça va loin. Écoutez, on a tout misé sur la beauté de l'endroit entre guillemets, la beauté. J'aurais pu mettre du lierre qui monte, des trucs dans tous les sens, clac. Là un bois un peu plus clair pour que ça fasse un peu plus cohérent et tout. Rien de tout ça, mais bon, on peut voir en blanc ça aurait été mieux peut-être. Je pense que honnêtement on aurait mis tout ça en blanc, ça aurait bien rendu. Voilà, genre là. Mais bon, on va pas, voilà, c'est le principe du challenge, c'est d'arrêter. Donc écoutez, on va faire une petite visite hein, de cette maison. Je vais marquer Provence sur Epidemic Sound et on va s'écouter une petite musique provençale tout en vous présentant la maison. Et après, on regardera si on a réussi le challenge d'avoir 20 000 simflouzes ou pas. Bonjour et bienvenue chez moi. Regardez cette maison que j'ai réussi à me faire uniquement avec de la lessive. Tu te rends compte? Tout l'argent qu'on laisse dans les poches, mais c'est fou, non? Effectivement, je n'avais rien et juste en fouillant les poches et en vendant ce linge de mort que j'avais sur moi, je me suis fait beaucoup d'argent et j'ai cette magnifique maison. Vous imaginez pas à quel point c'est rempli là-dedans. Oh là là! Déjà, regardons l'extérieur. N'est-il pas magnifique? Nous avons un tas de linge qui malheureusement n'a pas été vendu. Ce tas de linge m'aurait fait un total de 1000 simflouzes en plus. La maison aurait pris un sacré coup.
Mais bon, c'est pas grave, on reste dans la positivité. Ici, nous avons là le bac à lessive. Effectivement, c'est cette merde qui nous aura cassé les couilles et on aura énormément lavé. Effectivement, peut-être que si j'avais appris la stratégie des cordes plus du bac, j'aurais énormément d'argent et j'aurais peut-être une villa. Mais nous n'avons pas de villa, nous avons juste une là. Ou une vie. Heureusement qu'on l'a celle-là. Ici nous avons du coup beaucoup de cordes, effectivement, beaucoup d'étendoirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 d'après les statistiques, 3 x 3, 9, avec une table où on dépose tout ce qui pue. Génial, n'est-ce pas? Nous avons voilà du linge, des poubelles tombées, un peu l'apocalypse, effectivement, la crise a eu lieu dans cette partie. Écoutez, nous allons passer à l'intérieur, c'est là où c'est le plus garni. Préparez-vous à rentrer dans un palace, dans un endroit, dans une villa de luxe. On est parti! Et nous avons effectivement une plante à côté d'un petit cartable. Nous avons une magnifique cuisine où nous avons une plante qui est en semi-lévitation dans l'évier. En semi-lévitation dans l'évier. Wow, rappeur Eminem, le nouveau Eminem français. Ici nous avons une cuisine magnifique. Aucunement abîmée, tout est purement voulu, c'est du style, n'est-ce pas? Nous avons une plante qui heureusement qu'elle est là et une fenêtre pour que lorsqu'on se lave les mains. Ah, la vie est belle. Voilà. La musique qui va reprendre évidemment une nouvelle musique. Ah ouais, elle était pas mal cette musique. Celle-là, Nostalgie. Waouh. Et nous rentrons dans la chambre. Une chambre, forcément, c'est un endroit avec un lit. Un endroit où on se sent bien. Un endroit où on partage avec sa moitié son lit. Eh ben, regardez ça. Nous avons justement les deux moitiés, Monsieur Prof et Mélé. Et nous avons un lit avec une table basse. Non, avec deux tables de nuit. C'est tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Tout simplement. Nous sortons ici et nous avons l'endroit le plus développé de cette maison, c'est-à-dire la salle de bain. Nous arrivons et nous avons deux, un lave-linge, un sèche-linge qui est pété. Super, non? Et regardez ce style, regardez cette recherche un petit peu. Nous avons deux du côté droit. Un superbe évier avec un miroir et à gauche une douche où on se lave de travers. Voilà. Oh, on a une séparation ici, un petit endroit secret peut-être. Parfait pour les cache-cache. Et ici nous avons les toilettes. Lors des envies pressantes, tu ouvres la porte, tu tapes sur les chiottes, tu passes ta pêche et c'est énorme. En vrai c'est superbe, c'est vraiment original. Et en plus de ça on peut respirer le bon air provençal derrière. C'est génial. Et ben voilà, c'est le tour de la maison. Elle est vraiment splendide. L'endroit, cette petite île, on vit un endroit de paradis. Très pratique cette douche pour la piscine notamment. Pourquoi une piscine alors qu'on a l'océan pour nous? Regardez comme il est grand. Regardez, plouf plouf plouf. On est dans l'eau, non? Waouh. Non, en vrai, on n'a pas besoin de piscine, on n'a pas besoin de piscine, on peut se rassurer. On veut le résultat. Est-ce que j'ai 20 000 simflous de valeur? Je pense vraiment que là... Je sais pas, ça m'étonnerait pas qu'on vise les 40 000, enfin, on va voir. Ah oui, j'avais la musique des Sims, c'est ça ce double truc là. Ok, musique les gars, est-ce que j'ai 20 000 de Sims Flows de valeur? Putain, le suspense c'est insoutenable. Mauvais son. Est-ce que nous allons réussir le challenge et avoir 20 000 Sims Flows de valeur dans cette maison? Franchement, je pense, hein. Y a Ginny qui vient m'accompagner. Voilà, durant ce moment, un petit peu, petite transition de Ginny. Hein Ginny, est-ce que tu penses que je vais avoir 20 000 Sims Flows de valeur? Moi je pense pas, voilà, je te le dis, moi je pense pas. Voilà, elle est mignonne, elle vient se faire câliner. Et écoutez, elle est contente, voilà. Ah, elle va derrière l'écran, elle aime bien aller derrière l'écran, c'est normal. Alors, oh le timer il est revenu à zéro, eh ben les gars on est reparti. Oula, alors attendez, j'arrive, je fais ça, ok. Alors, est-ce qu'on va réussir ou pas? On revient un petit peu vers le suspense parce que voilà, ça serait quand même dommage qu'on perde ça. Je vais regarder moi de mon côté. Eh bien mes amis, j'ai l'honneur de vous annoncer... que c'est un échec, effectivement. Je vous montre pour... Je vous montre pourquoi. On a 10 000 seulement. On a 10 000 Simflouz. C'est terrible, c'est un échec cuisant. Je mets le son d'échec. Pff.
Voilà. Bon, écoutez. Voilà, 10 000 simflouz, ça fait pas beaucoup, j'ai tout donné. Je pense qu'on est sur le challenge le plus raté. C'est-à-dire que d'habitude, oui c'est ça, autant d'efforts pour rien. C'est un peu ce que je ressens. Finalement j'aurais dû essayer de viser les 6 000 et de faire une maison à 6 000, tu vois. Mais voilà, je pense que, est-ce qu'il y a déjà un challenge où on s'est fait aussi peu d'argent? Je pense que l'un des pires challenges en termes d'argent, c'était celui de vie à la campagne, si je dis pas de conneries. Ou alors non, non, pas du tout. Pas du tout. Mes pommes de pin, en vrai là, c'était chaud de fou furieux les gars. Les berceaux de bébé. Ah ouais, je crois les berceaux de bébé c'était les pires. Bah je suis pas sûr. Je sais pas. On avait fait une ville là, je sais plus ce qu'on avait fait. Non vraiment les gars, 10 770 simflouz de valeur le terrain, alors que de base il a 700. Donc on a fait là, notre maison elle a 10 000 de rajouter. Tu te rends compte l'énergie qu'on aurait dû mettre pour avoir 20 000 simflouz de valeur? C'est folie, non? Vas-y, je vais valider la prédiction en vrai. Valeur de 20 000 simflouz, du coup, non. Bravo aux 43 personnes qui ont pensé que non, j'allais échouer. J'ai tout donné, ça, on peut pas me le reprocher. J'ai essayé d'établir la stratégie. Je pense que la stratégie que j'avais était la meilleure. Je pense que la stratégie de fouiller en boucle aurait été. En fait, j'aurais trop cliqué, j'aurais eu une tendinite au doigt, donc c'est pas possible. Par contre, ça, voilà, je pense que c'était la meilleure strat. Dans un monde, j'avais ça x 20. Et j'en avais vraiment partout et je pouvais clac vendre et tout. Mais si je m'en étais rendu compte dès le début, ça aurait été pas mal. En fait, l'astuce de mettre directement dans le bac, de la sortir et de l'étendre, ça c'est le meilleur truc parce qu'en temps normal, tu devais attendre que ce soit lavé, attendre qu'il finisse sa lessive. C'était infiniment plus long. Donc voilà. En vrai, c'est dommage, j'aurais dû passer plus de temps sur la maison parce que je pense qu'elle avait un potentiel de ouf en vrai. En vrai, les gars, en 3 minutes, j'ai fait ça quoi. En 3 minutes, la maison, elle avait rien, elle avait pas de toit, elle avait que dalle, il y avait juste une fenêtre, un mur. Et franchement, en 3 minutes, j'ai réussi à rendre, je trouve, l'extérieur potable. Qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu 30 minutes? Ça aurait été la question. La maison est vraiment mignonne. Ouais, je suis dégoûté, on aurait pu... Putain, 3 simflouz, j'ai vraiment gratté le bout du bout. Hein. Aïe. Ouais, il y avait quelque chose dans cette maison. On aurait pu faire une vraie maison provençale. Ah, je crois qu'il y a Ginny qui est en train de toucher la GoXLR. Vous entendez ce... Je suis le seul à entendre ça. Ginny, je crois que là, t'es en train de tout niquer, là. Je crois que t'es en train de tout niquer. C'est bon? Ou alors, c'est peut-être le bureau mélangé à Ginny. Je sais pas, ça fait un petit cocktail explosif. Ouais, je sais pas ce que c'était. Alors, attendez, juste, je vais couper le son du jeu. Je vais mettre une petite musique. Oh, la Provence. Voilà, tu vois. Et une petite musique au Provençal. Écoutez, on va dire au revoir à YouTube dans ce challenge de l'enfer. Ginny. Arrête. Là, tu niques tout, là. Ouais, non, je suis désolé, Ginny, je suis désolé. Mais là, tu niques tout. À la fin, on va plus m'entendre. Et c'est quoi? C'est quoi la suite? Écoutez, merci pour tous les follow. Merci déjà pour tous les subs. Mais ça, je vous remercie juste après. Le loto qui est vraiment lancé au bon moment. Ah, c'est... Y a pas mieux. attendez, je vais vous rembourser le loto, bien sûr. Votez pas pour le loto, ça sert à rien. Un loto, ça dure 30 minutes. J'ai bien l'impression. Est-ce que c'est une stratégie pour me faire rester? Je sais pas. Attendez, je la fais, je la valide. Toutes les demandes, j'arrive. Rejeté, voilà, t'as récupéré tes points de chaîne. Normalement. On la fera demain, les gars. Demain 20h. Mais putain! Mais c'est quoi ces bruits? C'est chelou! Ginny, elle m'a tout niqué, les gars. Ça fait des bruits trop bizarres. C'est chelou. Ginny, t'es fier de toi? Ah, je le dis. Demain, les gars, pas facilement. Je sais pas. Subnautica. Demain, Subnautica. Voilà. Et vous avez tous sur la chaîne de rediffusion, je vous le rappelle. Donc, c'est énorme. Allez la voir. Il y a toutes les VOD. Subnautica, la dernière fois, il s'était passé des dingueries. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Donc, c'est fou. Vas-y, je dis au revoir à YouTube. Hop là, oh, musique de Paris. Merci d'avoir suivi ce challenge. Il était lessivant, si je puis me permettre. Lessivant. J'ai pas. Peut-être que ça a été très bien résumé sur YouTube, mais pendant 3 heures, ça a été extrêmement intensif. Je n'ai pas arrêté d'une seconde. Donc, je suis exténué. Tout ça pour avoir une valeur de 10 000 simflouz. J'ai la haine. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce challenge vous aura plu autant que j'ai souffert. Ça veut dire énormément finalement. Au revoir l'équipe. Ciao.
pas vraiment partie, tu sais. Voilà, c'est pas mal, je pense, pour YouTube, ça peut être pas mal. Jade, merci beaucoup pour le 10e mois. Merci infiniment. Merci beaucoup pour tous vos follow. Merci pour tous vos subs. Pour tout votre soutien, votre présence. Ah, j'ai gagné. Bah, bravo, Letty. Bravo, ça te fait rattraper tes points de chaîne. Super le live, j'ai tout vu, etc. Bah, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Tu veux un cadeau? Ah, j'adore les cadeaux. Merci pour tout, au passage, les roses et tout sur TikTok. Je remercie jamais parce que c'est super nul l'affichage. Donc, merci beaucoup. J'ai commencé à regarder ton SP sur Mythica, un de mes jeux favoris. J'ai hâte de voir la suite. Les gars, franchement, en plus, la dernière fois, il s'était passé des trucs de fou. Vraiment des trucs auxquels je ne m'attendais pas. Allez regarder cette série. Mettez-vous à jour pour demain. Et au pire, ne vous mettez pas à jour. Voilà, c'est comme ça. Merci encore, j'ai dit qu'à point de chaîne. Ah ouais, bah, valait mieux que t'en gagnes, quoi. Valait mieux que t'en gagnes. Bravo, en tout cas, à toutes les personnes qui ont bien prédit. Je vous fais des bisous. Je vais vous rejoindre chez Noémie, pour, qui est en live streaming notamment. Elle fait quoi? Elle fait du Sims, non? C'est le mec qui... On a l'habitude. Ouais, nouvelle maison, rénovation des mondes. Willow Creek, 30. Eh ben écoutez, je vous file chez Noémie. Spammez-lui Prout dans son chat. Montrez un petit peu, voilà, que la maturité, elle est toujours aussi élevée. Prout, caca, prout. Voilà, essayez. Ceux qui ont la chance d'avoir les modes caca, n'hésitez pas à la spammer. Tout ça. Je vous fais des bisous. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre présence, pour tout. Semaine prochaine, on se fera un challenge, un dimanche challenge... qui mentalement sera un peu plus reposant. Voilà. Venez on fait genre à Noémie si elle pose la question du challenge, si c'est bien passé. On fait genre ça s'est trop bien passé, que j'ai eu 500 000 simflouz, un truc de fou. Venez, et après je vais aller la voir dans son studio et je vais lui dire... Non Noémie, vraiment c'était une horreur. Allez, ciao tout le monde. Des bisous, à demain 20h. Ciao.